Mickey, allez, c'est parti sur le match. Surprenant, comme W7M face à Wolves. Oregon de la part des Brésiliens. Choix agressif. On a tu penses au rancœur le prédiction, les amis. Qui va gagner Fenrir. En plus de la Ying et de la Nomade. La Ying. Ah bah, décidément. Gros facilitateur d'insertion, d'exécution qui ne sera pas de la partie. On aura par contre à la défense hein, des combos infernaux, la Azami, la Solis. C'était Oregon la première map. La Azami justement de Herds. Alors qu'on est pourquoi en train d'artillerie hein, pour les vols en dessous. On l'a vu et c'est Shinka qui va se récupérer par Nade. Bibou qui. Alors oh, l'accélération qui est en train de pousser dans le couloir, qui va aller en prendre. On a réussi pour Bibou à aller faire le kill par contre le retour de KZ qui va peut-être aller faire la différence. Il arrive à prendre un double KZ qui est repassé au contact face à Nade. Oh, alors, ça va passer, il ne reste plus que P4 peut-être pour aller prendre la revenge. Il va s'offrir maintenant 1v1 face à KZ qui a un point de vie. Allez Nico. Allez P4, il a l'avantage, il a une flash encore à l'utiliser. On va l'envoyer sur la droite, ça va repique à gauche, il l'a vu. On n'arrivera pas à accrocher la tête de l'adversaire. Oh, il traverse. C'est quoi ça? Oh, la réussite de KZ. Par contre, on a pu récupérer le désamorceur. Pour P4, est-ce qu'on peut amorcer une plante? Le drone qu'on va aller positionner du côté du green pour prendre l'information et maintenant P4 prend son temps, il a son temps, 1 minute 30 devant lui, on amorce la plante. KZ est en train pour l'instant de bait, il manque pas grand chose, faut être solide dans la tête, ne pas se faire avoir par l'expérience, le talent d'un KZ. P4 a décidé de pas conserver sur KZ, cette désamorce, attention ça avance, P4 qui va réussir à prendre KZ. Allez. Voilà le premier round remporté par les Wolves. Oh, on a mis du rythme très très tôt pour les loups dans ce match. Ouais, alors l'Obs va falloir qu'il se réveille quand même parce que KZ et Herds, ah ils ont été incroyables. Mais oui, on a eu un petit souci. En termes individuels, c'est beau à regarder. Sur le purview, mais une purview qui n'était pas sur l'accélération des Wolves autour de cette meeting. Mais après, il y avait une équipe et il y avait des individualités en face quoi. Mais des individualités incroyables quoi. On a eu une prise rapide certainement du main. Mais une équipe. Merci Galactic encore pour les 23 mois. Subez-vous bande de rats. Si vous voulez pas que j'arrête et que je me barre sur Fall Guys ces dernières années sur ou Helldivers 2. On va revoir un petit peu Kay, ce move avec ce move est d'une pureté. L'impact est parfait, le passage de gauche à droite est parfait. Ce truc là le move et derrière, P4, par contre, est incroyable. Incroyable. On pourrait l'analyser pendant une demi-heure le move là qui vient de coller quand même. Génieux, G2 gagnant du 6. Bah après ce match, t'es en le droit d'imaginer la possibilité que pourquoi pas Wolves soulève le marteau. Repérer un petit peu les évolutions. Ce sera dans la sueur, le sang et la douleur. Mais c'est pas impossible, franchement. Moi j'aurais jamais mis un à tort, jamais j'aurais mis un billet pour le coup sur Wolf avant ce match et après ce match et pendant ce match. À mon avis, a totalement changé quoi. Ils ont grandi, ils ont step up en fait. Il y a des matchs comme ça, parfois il y a besoin de temps pour qu'une équipe elle s'améliore. Et parfois il y a des trucs, il y a des déclics qui se font à un instant. Très très cher sur Mowgli, KZ qui va se débarrasser de Deadshot là cette fois-ci. C'est les W7M qui trouvent l'ouverture grâce à leur agressivité. La bonne grenade envoyée par Mowgli qui va au pic de l'autre côté. Est-ce qu'on est attendu? On a été entendu du moins là sur cette avancée en meeting. C'est le C4 qui va venir éteindre les walls sur ce round. Shinka tout de même pour aller prendre le kill sur Ernst. Mais là, en une minute, on a vu rouge pour les walls. Bah ouais, j'avoue, rancœur. Mais je pense que pour beaucoup, il y avait beaucoup de personnes qui après le match contre... après ce match, se disent que c'est possible, quoi. C'est quoi le Six, les championnats du monde? Ouais, c'est là. Enfin, c'est la Coupe du Monde. Pas grand-chose à dire, malheureusement. C'est la World Cup, quoi. On veut mettre du rythme, clairement. Tu vas tout regarder, tu veux quoi? Et on veut mettre du rythme ensemble. C'est aussi en plus, la bêta de Broken Arrow est terminée. Par rapport à ce qu'on pouvait voir, notamment sur le café perdu face au FaZe, on avait beaucoup de jeux en solitaire d'un Mowgli ou d'un Deadshot. Là, c'est vraiment en équipe. Il y a du jeu de frag refrag. Ça passe pas sur ce deuxième round. Il y a un C4 qui est bien inspiré. Surtout, on a la bonne lecture de jeu sur la gestion de l'insertion du côté de WSTM. Mais j'aime bien l'ambition Wolves. D'où il connecte le premier sur le premier quoi. Alors on voit conclusion de ce round. On a tenté pour P4 et Shinka. Ça passe pas sur cette fin de round. Je le disais un partout donc. Oh, au centre, à l'issue de ces deux premiers rounds.
pouvoir repartir sur une nouvelle manche. Alors, quel bon site va-t-on choisir pour les doubles setups? La logique serait le dortoir. Moi, qu'on décide de repartir sur l'une des défenses en meeting, alors que j'ai l'impression qu'on n'a pas touché. Le droit hein, de rendre. Centré, pas de est-ce que tu. Notre. On va avec. Ah oui, je comprends pourquoi les gens se sont plaints du début du round, du début du match. Voilà quoi. La pub pour BDS en bas. On avait dit dans les moultes options défensives. Après la dernière, ils avaient terminé top 6-8. Sacré épine dans le pied. J'en suis un plus. Beaucoup la tourne depuis le début de la rencontre aussi du côté des Brésiliens. On n'a pas forcément beaucoup vu. Ah mais clairement, c'est mon erreur. Merci Nikos pour les 7 mois de frais de scolarité. Nikos-JP, j'ai passé droit au campus. En bon français que je suis, je sous-estime les équipes françaises. Le début de jusqu'à ce qu'elles me fassent fermer ma gueule. Avec déjà ah, pour le coup, c'est le cas. Premier round. On l'a dit, on l'a répété, les phases d'attaque sont compliquées pour toutes les équipes. Et c'est intéressant de les voir jouer aussi intensément le. Mais même pendant le match, hein, j'y croyais pas, dans le sens où je pense que la capacité à conclure et à mettre à mort l'équipe en face, c'est déjà ce qui fait la différence entre des équipes de tiers A et de tiers S, quoi. Ou de tiers S et de tiers S+, quoi. Ce tout petit truc, ce tout petit détail. La capacité de pouvoir jouer le premier round comme on joue le dernier round. Et de faire preuve d'une certaine résilience entre les rounds, te permettant du coup d'aborder chaque round sans avoir le stress que ce soit le premier ou le dernier. Et ça, pendant le match, toutes les balles de match perdues me donnaient l'impression que ça allait pas le faire en fait. On est dans l'attente justement, et ça va rentrer à l'insertion à la grande fenêtre, mais Deadshot va se faire récupérer le frasement bien positionné. C'est Erz qui va prendre le finish, on pousse sur l'escalier blanc pour Bibou, pour Mouglis, qu'on peut réussir à percer à jour ce bombsite. C'est compliqué, il y a Nade qui était sur le côté, Kaizy qui est en face, on s'effondre totalement l'accélération des Wolves. Parfaitement anticipé par les WSTM, il ne reste plus que Bibou. Après, en embuscade, en bas et en haut, probablement, on l'attend pour les WSTM. Est-ce qu'on sait réellement qu'il est là? On n'a pas l'information. Les équipes favorites dans la compétition? C'est plus un exploit qu'il faudrait, mais. BDS n'est pas qualifié au Six Mutational. G2 parce qu'ils ont gagné l'année dernière. W7. M là, c'était un peu. Ça manquait d'une. C'est l'équipe. C'était l'équipe favorite au Brésil. Alors déjà qu'on joue au Brésil, donc déjà les Brésiliens avaient des W7M. Bon, il y avait géographique. Encore une fois, on a voulu. Mais là, W7M, c'est pas n'importe qui, quoi. Moi, à titre personnel, ça me gêne pas. On essaie de maintenir ce. Donc de facto, le fait que Wolves maintenant, va falloir quand même fasse un bon résultat pour ne pas spoiler contre W7M. Fait que Wolves du coup se met dans une position clairement de favori. C'est un peu dommage quand on entry se fait ouvrir comme ça parce qu'à compenser derrière, on comptait évidemment sur lui. Donc Wolf, G2. Pour permettre à celui qui le suit de prendre la revenge. Quand même W7M, il y a qui reste hein. J'ai pas regardé, il y a Team Liquid. Hein. J'ai pas regardé les autres scores en ce moment. Donc, Sonix, mais bon, Sonix, leur groupe. W7M, ils vont être préparés doublement et. Et qu'on va apporter justement des éléments de réponse. Ça ici que j'ai pris ma place pour l'examen, dis-moi qui est le reçu qui m'a envoyé par mail, ça passe pour rentrer STP. Hein. Parce que j'ai mis mon adresse et je suis pas sur place pour au moins 2 semaines. N'hésite pas à faire. À aller sur le Discord et à faire un ticket aux admins. Trifa. Et respecter les W7M, prennent les devances pour ces. Liquid, c'est pas fou. Dark Zero. Tu vois, j'ai pas tout suivi. J'ai pas le temps, je peux pas organiser une LAN et d'autres trucs qui arrivent, vous verrez. Et en même temps, pouvoir regarder ce que je veux. J'ai suivi juste Wolf parce que c'est Wolf, quoi. Un peu contrecarrer cette méta et à bien attaquer. Et on est de retour sur. La défense Kitchen, mais Dining cette fois-ci. On change de côté, du côté des W7M. Et les Français rapidement qui veulent aller prendre possession des dortoirs. Et Shinka qui se débarrasse de JV92. Il y laissera quelques plumes, mais le premier duel remporté. Et l'entry surtout, on a la verticalité au-dessus de la Kitchen. Verticalité qu'on va pouvoir travailler avec le bug justement de Shinka. Attention, on a repéré la position de Herz du côté de Mowgli. C'est un double avantage numérique pour les Français là qui sont en réussite sur ce début de quatrième round. C4 repéré
pour Deadshot, une petite grenade pour s'en débarrasser, la IQ. Prise par le Suisse, le deuxième C4 ne trouvera pas preneur non plus. L'utilisation du stuff totalement ratée du coup du côté des Brésiliens qui vont tenter de trouver une option de flank avec Felipox, le Warden. Pendant que Shinka lui s'affaire justement au jeu de la verticalité dont on parlait un petit peu plus tôt, qui va dézoner cette défense en kitchen. Casey. Casey attrapé par Mowgli. Vigilant dans son escablant. Et là un 5v2 à la fin. Tout le monde était dans son match hein, chez Wolves. Hein. Attention, pas de précipitation là pour les loups. Felipox arrive à le timing. Il va être rattrapé. Nate de son côté se débarrassera de Bibou. Shinka a le désamorceur. 21h les gardes de finale contre Sonix. L'information de la position. C'est qui et qui? Il faut pas se donner. On a une couverture depuis la cuisine. On fait la rotation pour Nate dans le couloir Zulu. On va être totalement repéré. On va prendre des dégâts. On va s'avancer normalement. On a l'avantage. Et l'Amira qui se retrouve pris à son propre piège. Le Black Mirror en face de lui. Deadshot qui va venir agresser et qui va venir finir. Cette deuxième attaque remportée déjà par les Wolves qui ont mis du rythme très très tôt, qui ont réussi à Wolves Sonic. À surprendre les, attends, les c'est aujourd'hui qui ont mis du rythme non. De manière un peu différente sur les précédents rounds, c'était un peu plus tête baissée sur le bomb site. Là, ça a été surtout sur la what position étendue. Tu vois comme quoi j'ai pas suivi. A bien exploité par la suite. Voilà, si rapidement. Vraiment la zone faible de la défense des il rejoue à 21h. Ah mais c'est pas mal de jouer Sonic du coup. C'est mieux que jouer G2 quoi. Bah laisse-nous la fin de la phrase de Mowgli. Qu'on en profite. Bon. Faut bien jouer le déroaming. Effectivement, si d'aventure ils étaient de nouveau en extend, les WCTM, extend sur laquelle ils s'étaient empalés sur la première tentative en basement. Mais là comme tu le disais, hein, on a eu le rythme mis, mais sur une position sensible des WCTM, pas sur un setup complet. Et la position de JV92, le duel remporté aussi par Shinka hein, tout de suite. C'est sûr que si tu perds le buck, derrière ton round prend une autre tournure forcément. Mais ça snowball surtout. Ça, on a le contrôle de la verticalité et on arrive à faire bouger un petit peu les W7M, punir du coup des joueurs qui sont en tentative de reprise. C'est quelque chose qu'on a, on voit pas forcément beaucoup, hein, les équipes là qui arrivent à snowball sur une prise de position depuis le début de ce SA. Parce qu'on a tellement souvent maintenant des joueurs solitaires qui font une différence dans leur coin et c'est un peu délicat parfois de capitaliser dessus. Là, on a parfaitement capitalisé sur la prise de la verticalité. Gertz qui se fait attraper tout de suite par Mowgli. Eh bien. La bonne info sur le voir. La verticalité performant aussi. On a des walls généralement qui suivent bien. Merci le Merci H. Par contre, Casey va se débarrasser de Deadshot. On n'a pas été vigilant là pour les loups sur cette sortie du freezer. Ouais, la verticalité numérique, surtout que c'est la Twitch hein, qui furious, a quoi. Un peu de stuff précieux sur le bomb site. Mais oui, d'autant que c'est encore un joueur qui s'annonce un petit peu hors de ses bases. Qui aurait pu être sanctionné. Et le move risqué de Casey qui permet au WCTM de rétablir l'équilibre. 4 contre 4 dans ce round, on a perdu la Twitch. Un petit peu dommage pour évidemment la gestion du stuff défensif sur site. Alors qu'on est en train de récupérer le contrôle, on a entendu Mowgli parler justement de déroaming. Et d'ailleurs de pousser fort ensemble, ça pourrait se passer autour du pilier. Avec un P4 à l'ouverture de la trappe de la meeting, on a entendu Shinka. On aimerait un 6-4 Furious au comment, ce serait fou. De l'Ibana. Ouais. Là, le cast. Le cast est quand même bon. Ça manque un peu de nana quand même, on va pas se mentir. Des grenades pour Mowgli, les flash et puis. Pour un jeu sur Rainbow Six slash Ubisoft. En première ligne. C'est assez paradoxal, mais bon, après, on peut pas créer des contenus. Enfin, créer des. Qu'on va essayer d'amener par le bleu, certainement, du côté des Français. Comment on dit restantes, une casteuse une castratrice bleu, je sais plus. On ne s'est pas encore annoncé. Shinka en train de prendre possession. Non, mais ce serait bien quand même qu'il y ait des nanas, quoi. Autrement, le reste, c'est parfait. Hein. Et tous les casteurs sont parfaits. Qu'à dire, je bait, j'arrive. Ça sert à rien. On va essayer de déclencher. Moi le casque j'aimais bien ça pendant un moment et tout mais vite fait ça m'a fait chier quoi. Dégâts, mais qui arrive à s'infiltrer. Par contre Shinka va être réceptionné. Est-ce que Bibou peut faire la différence? C'est Mowgli qui va la faire de son côté mais on n'est plus que deux. Mowgli par contre il continue le triple kill pour Mowgli pendant que Bibou patiente encore. Il faut que Mowgli fasse la différence sur ce couloir. On va aller prendre Casey. Il reste plus 92 maintenant, situation de 1v2. Attention les loups, faut bien gérer ces 30 dernières secondes, on va le pousser ensemble avec le beat, on va le faire. Et Bibou qui termine JV92. Incroyable cette accélération des Wolves.
Tu peux nous dire que t'es non-binaire. Non, non, je suis un mec. Pas tous la réussite de Bilbo. Les femmes de l'enfer pour Chica. Qui forcément n'a pas vécu la même fin de round que ses deux compères. La bonne insertion par le bleu. On va revoir un petit peu ce qu'on était focus évidemment sur le jeu du blitz. On n'avait pas vu du dessus pour comprendre un petit peu le déclenchement du côté des loups. Mais on avait Shinka au niveau de la tour rouge. Yo spliff. Il est décédé rapidement dans cette opération. P4 aussi. Mais encore une fois, ça met le bat un galop. Tendu de trouver une option. Tendance de Bibou hein, pour le coup. Parce qu'on a souvent là, c'est servi presque de ce blitz comme un adversaire. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Là, le jeu qui est déployé par les Wolves, honnêtement. Mettre 3 attaques face à WCTM sur Orion et avec un Mowgli qui, encore une fois, va chercher un open frag. C'est Felipo cette fois-ci qui va en payer les frais. Et surtout, c'est le Wamai hein, qui sort très très tôt. L'anti-stuff. qui était en train de faire tranquille ses murs, ses machins, ses trucs. Il vient se faire saucer, le truc horrible. Un excellent début de match. Et on en début de round. Au changement pour les Wolves, ce serait une belle option sur la victoire sur un Oregon. Clairement, déjà 3 attaques, c'est déjà une belle option. Ouais, j'avoue. Et si d'aventure on pouvait conclure effectivement sur round dont on a déjà gagné l'avantage. Et je ne sais pas ce qu'il en est de la prise d'information des loups, mais clairement elle semble décisive. Hein. Ça fait deux rounds de suite que Mowgli arrive à galoper suffisamment vite pour attraper un joueur WCTM dans les 15 premières secondes. Et on déclenche sur le dortoir, on s'est inséré totalement en Shinka qui se débarrasse de Nade. Et alerte sur le BP, KZ en reprise, Deadshot dans le dos, Deadshot qui ne le voit pas. Mais la plante qui va aller au bout. Mowgli qui arrive, qui détruit Erd, KZ le lésion face justement à la Dokkabi de Mowgli. 3 contre 3 mais Erd est au sol. C'est un 3v2 à la faveur des Français, le retake, attention. Avec KZ qui le joue bien, P4 dans son dos, qui pourrait se faire surprendre. Est-ce que P4 peut prendre les deux? Oh, P4 va réussir à ajuster, c'est le quadruplé de la part de KZ, ne reste que Shinka en 1v2. Shinka en 1v2, est-ce qu'il est capable de le faire sur cette situation? Ouais, malheureusement, ça passera pas, c'est un ace! Oh, l'horreur! C'est un ace! Quand t'es sûr et certain que tu vas faire un petit double kill tranquille, et que là, quelqu'un vient t'enlever ton double kill, l'horreur! Et qui est à. Oh là là! De conclure quasiment le round. Oh, c'est pas payé hein, pour les loups là-dessus. Il y a deux moments un petit peu critiques parce qu'on a le déclenchement qui est superbe. On arrive à prendre possession du BP, mais on perd un petit peu ce qui se passe sur le dortoir à gauche. Tu dois regarder le nombre d'attaques pour voir qui va gagner quasiment. Vient se débarrasser. Bon, ça a un peu changé, là, mais en l'occurrence, la ligne là. Bah, comme je le disais sur Twitter, les gens sont nostalgiques. Bienvenue en 2016, quoi. Jusqu'à la fin du round, ce qui peut pas s'extirper de ce dortoir. Et ouais, KZ fait le round hein, aussi, on va pas le lui enlever, mais l'insertion de Bibou peut-être qui est pas nécessaire. P4, il a un timing qui est très malheureux malheureusement. Ça joue à pas grand chose. Ouais, il lui vole son ace. Partout, malgré tout, c'est pas un mauvais side, clairement, du côté des Français. Ça aurait pu faire mieux, évidemment, avec cette belle accélération sur BP, avec un double avantage numérique l'année d'entrée. C'est un bon side. Faut pas rester sur la petite frustration de cette fin de manche et cette fin de side. Ils ont fait un gros boulot les Wolves honnêtement là. Il faut terminer maintenant ce travail, il reste encore une partie du contrat à les remplir. Ce sont les défenses qui nous attendent. Ouais. Je pense que c'est une petite erreur quand même dans le round, c'est effectivement la position de Deadshot qui est un peu doublon sur le contrôle pris par la Doka. Et qui du coup n'est pas à son propre contact, à sa propre défense. Ça va tellement vite dans ces situations aussi. C'est compliqué d'avoir la lucidité, d'avoir aussi toutes les informations. Allez, c'est le round important. Bien lancer son side de défense avec une bonne turtle bien costaude au niveau de ce basement. Faire la course devant. Ne pas se mettre de pression. Yo Venom! Et tout WCTM, bon, tranquille, serein, c'est un début d'Oregon classique sur une défense basement en turtle. On valide quand même. N'hésitez pas, les amis, si vous faites des dons dans le coffre, ça part pour le cash prize de l'Hexagone 6, les 2 et 3 mars à Paris. Et si vous voulez participer, vous pouvez toujours. Point d'exclamation SPEC, SPEC, il reste des places si vous voulez qu'on se voit à Paris. Et vous pouvez venir assister aux 2 jours de compétition dans lequel il y aura, puisqu'il est passé tout à l'heure, Kabilou, Sheiko, Liké, la team Valor, j'en passe et des meilleurs. Pas mal de bonnes équipes. En fait, presque
tout le monde sauf Wolves. Wolves. Prise d'information. Wolves. Sur le freezer. Crazy qui va retourner avec son point d'exclamation spec, les amis. Son shock drone. Et n'hésitez pas à mettre de la même 1 euro dans le coffre. Ça part pour les joueurs qui gagneront cette somme. Salle de la meeting, on voit ici avec JV92 qui se tient à proximité. Est-ce qu'on va pousser sur la fameuse main freezer, Fufu? Du côté des double CTR. Ça y ressemble. Oh, faut pas faire l'erreur. Pas faire l'erreur face à Casey. Alors on a quand même un joueur qui semble être en point de fixation de l'autre côté, qu'on a aperçu du moins. C'est JV92 qui va peut-être drop et... On va pas déjà accélérer pour les double CTM, c'est Nade avec Laoza qui va tenter le passage en force. Il a été attendu par les Walls, on va pousser à 2 sur ce freezer et ça va être deux fronts qui vont s'avancer contre les Walls. Oh oui, le carreau de Capitao. On va avaler par un Magnet qui va aller sauver la et position. Du coup, oui, vous. Ça gêne totalement l'exécution finalement. C'est éventuellement... Incroyable. La position qui fait chier. Il faut être inspiré. Ah, mais il meurt. Sur les balles de KZ, la pression était trop importante. Et c'est surtout le plan de jeu qui va se déployer. La plante, le bon C4 de la part de P4 qui va se débarrasser du planteur, du désamorceur. KZ, attention, qui s'infiltre au niveau du freezer. C'est pas totalement terminé, mais P4 qui va s'offrir un doublé. Ça s'effondre totalement. Il ne reste que Felipox en situation de 1v3 et Deadshot qui va conclure. Oh, la solidité des Wolves avec c'est un propre, P4 hein. Qui vient totalement... Pourquoi chez Coachiteur, regarde le début de la VOD, mais je mettrai, oui, je ferai une... Perd, je ferai une... Effectivement, les deux premières lignes... Je vais faire une vidéo, coup, c'est un react d'une vidéo. Des machines et Mowgli au contact, on a encore cette option du C4 de P4 pour venir deny cette plante, c'est toujours la problématique hein, du planteur de prolonger le lien. Et forcément, replonger dans un BP que tu ne voulais pas, sur lequel tu ne voulais pas t'insérer, c'est évidemment extrêmement compliqué. Tu n'as pas fait reculer la défense qui était à ton... C'est propre, hein, il joue vraiment bien. L'instigateur de ces changements de rythme à l'attaque et là la défense qui nous signe un très gros premier rang. La vidéo sur Ubi ? Non, une vidéo. Non, rien à voir. Qui est omniprésent. Prends les sommations YT, vidéo poulet. Ou alors prends un sub et regarde la VOD si tu peux pas attendre. Et... Oh, bon. Fallait bien qu'à un moment donné on soit sanctionné. Oh là là. L'attaque c'était souvent Mowgli qui prenait le dessus. Là il va se faire punir à la défense. Ouais, et au fur là, j'aurais bien aimé voir d'où est-ce qu'il le met parce que ça va vite quand même. Une bonne opération pour les loups. Forcément, les barrières qui bas seront peu nombreuses, voire absentes de ce round là du côté des Wolves. On a voulu être agressif. Merci Trifa. Ça fait reprendre de voler. Allez, double CTM au niveau de ce balcon de la Master. C'est Bibou qui va essayer de tenir en trophée. A chaque fois que j'entends WCTM, ça me fait penser à CTLM, mais bon. Je suis le seul ou... Tout de suite sous la pression, l'information d'un joueur qui s'avance. Attention, à pas non plus laisser trop de contrôle et... Parce que les WCTM ne déploient pas trop leur jeu, ça pourrait être compliqué. Oui, t'es le seul. Vas-y, niquez-vous. Va falloir aller chercher le jammer, c'est chose faite du côté de Felipox et l'ouverture du mur Babyfoot qui va pouvoir se faire. Et forcément, on le voit, la défense des Français qui a bien reculé. Attention de quand même être en la solis quand même. On perd la solis en plus de ça en dessous. Ouais, on est totalement surpris là par la station de Hertz du côté de Shinka qui sera mis au sol, mais Bibou pour prendre la revenge. Derrière, le Grim, pris à partie, KZ qui est en délicatesse. Grim, c'est devenu. C'est l'opérateur qui est passé de useless le petit coup d'épaule, à overpowered quand même. HP et Felipox dans le dos. P4 pour en prendre un premier. P4 pour le clutch. Oh, P4 en V2, ça plante du côté de Nade. Est-ce qu'on peut aller chercher celui qui est à la cover? On va prendre le finish. P4 qui s'avance, il y a un joueur à son contact. Un joueur reculé. Allez P4, c'est maintenant qu'il faut sortir l'exploit. Il y a un joueur qui s'est replacé au niveau de l'escalier. Il vient de passer dans son dos. Incroyable. Sur sa gauche également. C'est en train de se replacer intelligemment. Pour les WCTM, on est pour l'instant minutieux. Mais là, P4 a peut-être l'avantage. On pourrait sortir le shotgun au contact. Là, du côté de P4, on va continuer. À la SMG, c'est en train de reculer. C'est en train de reculer. Mais P4, c'est incroyable. On a 25 secondes. On sait où est JV92. On va aller tenter cette désamorce pour P4. Est-ce qu'on peut aller le faire? Oh, P4, dommage. C'est JV92. Putain, le niveau de jeu. Incroyable. On revient quand même de loin. Sur ce round, nous, on a pris l'eau pour les Wolves. Ouais, on a totalement pris l'eau. À partir du moment où on perdait
L'avantage numérique, évidemment, c'était une première chose. Tellement, il n'y avait pas grand-chose d'autre qu'il était possible de faire, je pense. Des Brésiliens, on était joué à la perfection. Obligé d'être dans la réaction agressive sur le BP pour. Merci Benzema en équipe pour les 2 mois de frais de scolarité, un monstre poulet. Merci Nikos pour les 7 mois, vous êtes des monstres les amis. SVP passé droit au campus. Et on s'est fait surprendre par l'insertion trophée notamment qui prélève Shinka d'entrée d'exec. Ah, et P4 il est pas loin de le trouver. Ouais. Ça reste W7M en face, hein. On le voit aussi. C'est vrai que le premier set des joueurs, la première défense basement, ça se joue. Thème sont aussi capables de mettre les Français en difficulté. Et on nous sort un petit action meeting. Et là, quoi. Des Français, on n'a pas envie de retenter l'aventure du dortoir tout de suite. Avec je sais pas comment ils kiffent. Et là, incroyable. On a beaucoup vu elle aussi sur un. Ah non, tu m'étonnes. En face, une composition beaucoup plus classique qui va vouloir jouer la verticalité, semble-t-il, avec la rame et le buck qui sont dans la composition des Brésiliens. Et cette fois-ci, donc, pas de tentative d'agressivité. On va essayer de jouer le round à 5 contre 5. Pour les Français, on a un joueur qui est à la balade. Elle est dans l'étagère seulement. L'IQ qui repère toutes les black eyes disséminées par Mowgli. Les Xmotmine également de la L1. Le C4 préplacé, lui aussi repéré. Oh, le boulot de l'IQ. Grosse efficacité. Dans son death stuffing, l'ouverture de la trappe. Grenier qui forcément fait déjà reculer au niveau de la scène. On essaie de contrôler le drop trap de Deadshot qui entend, semble-t-il, le joueur en dessous de lui. Pas évident pour le Suisse. Pris par en dessous, pris par au-dessus. Et c'est peut-être Bibou qui va tenter. Il va se faire récupérer. On s'en doutait pas du tout et on s'est fait un peu piéger. Oh, le Mowgli derrière. Ah, les Wolves qui se sont peut-être perdus là sur cette tentative de faire tomber le joueur en dessous. Oh, le niveau de jeu de Herds. On a mis Herds en plus de ça. Incroyable. On a presque ramené la situation à l'équilibre pour les Wolves. Incroyable. 1 minute 15 de la fin de ce 9ème round. Casey qui était venu prêter main forte va remonter sur l'escalier main. Allez, faut le mettre celui-là. Va falloir le rentrer ce clutch du côté des Français. 3v4. Un joueur en particulier qui te choque sur ce Rainbow sur ceci. Qui me choque. Et bah ça commence par des shots. Ah dommage que Shinka. Non, le niveau est vraiment impressionnant individuellement. Et P4, encore une fois. Mais j'avoue que Herds là. Et les deux là, Kez et Herds. Individuellement, c'était assez incroyable quoi. On freeze et en particulier Herds, il y avait vraiment des moves qui étaient. Oh, c'est dommage, j'avais eu la bonne idée de trigger control. Mais Casey se sera retourné au moment opportun. Vraiment, mais bon, attention. En face, comme je le disais, les individualités ça fait pas tout quoi. Quand t'as une vraie équipe qui joue bien ensemble. Sont en train de tourner en la faveur des. Avec en plus des individualités quand même. Peut-être un peu trop commit sur la. Chacun chez Wolves a été capable de montrer qu'il avait sa place quoi. On allait venir le pousser. Ah putain, 0. Et timeout demandé par Laurie. Ouais, logique. On voit que c'est compliqué pour les défenses hein, quand même côté Wolves. C'est pas évident parce que d'un côté, t'as pas envie de leur laisser le contrôle, donc forcément t'as envie d'être un peu agressif. Mais si t'es agressif, on l'a vu pour Mowgli, tu peux te faire sanctionner. Si t'es agressif sur une position comme celle de Herds au round d'avant, tu peux te faire sanctionner. Ou t'es obligé d'être dans un entre-deux où faut réussir à trouver le juste milieu entre. Leur laisser un peu de contrôle, mais en même temps conteste un petit peu ses positions. BO3 ouais. Sur ce round-là, tu tombes sur un Herds qui fait le bon doublé, un Kaiji lui aussi qui anticipe bien la tentative de revenge de Deadshot. Et... C'est aussi des joueurs de talent en face c'est clair. Qui arrivent à s'extirper de situations compliquées. Alors que Fufu, il y a 6 à 3 de l'autre côté pour les FaZe sur Bank. Première map qui a été pick par les Los. FaZe qui fait une grosse entrée en matière dans ce kill là. Magnifique. Et celui-là alors. Ouais, j'avoue, Willy. Incroyable Casey hein, sur ce match aussi. Ouais. Et il est constant là où on a peut-être notamment le side de l'attaque. Il survole la rencontre.
sans compter les deux premiers rounds. Ouais, alors il est incroyable. Il est incroyable, Casey. C'est là aussi la force de WCTM, hein, d'avoir des joueurs exceptionnels à tous les postes, capables de briller à tout moment. Mais faut reprendre sa marche en avant. Pour les Wolves, je parlais des poses tactiques à chaque fois pertinentes de Liloun. Faut espérer que celle-ci va remettre les Français dans le droit chemin. Parce que derrière, ce sera des balles de cartes. Et en plus, sur la map qu'on a pick pour les Wolves, donc pas non plus la meilleure des manières de commencer un BO3. C'est toujours dur, hein, quand t'as un joueur comme ça qui est en train de survoler une rencontre. Hein. Il semble inarrêtable. Il combien de kills? 16 kills. Et surtout, il est tellement. 16 kills. Duel qu'il les passe tous. Mais en face, toute l'équipe a 24 kills. On est comme tout à l'heure. Oui, il a 16 kills solo. Mais ça, c'est pas bon, hein, c'est si c'est l'équipe en face. C'est ce qu'il prouvera d'ailleurs, mais bon, maintenant. Voilà quoi. Attention, regarde. Si derrière t'as une bonne équipe en face, bon. Passe donnée, Shinka qui va juste prendre un petit peu d'informations. Derrière, psychologiquement, quand t'es obligé de carry, quand tout. Dans cette meeting, Felipox, quand il y a trop de responsabilités sur une ou deux personnes. Retour, il ne devrait pas y avoir pour l'instant côté Wolves. On est en place, on attend, hein. On attend le déclenchement des Brésiliens. C'est un plan de jeu extrêmement classique avec un Mowgli qui va challenger un petit peu la position de son adversaire. La bonne grenade, Shinka qui va reculer. Pas de panique, la bonbonne qui va détonner devant lui. Erd, il est en embuscade tout à l'heure. Bien agressif, oui, bien agressif, Mowgli. Et voilà, qui va retrouver un peu le chemin du kill. La Mowgli qui se débarrasse de JV92. C'est une pression qu'on n'aura pas sur cet escalier de la tour où il va falloir envoyer quelqu'un d'autre. Alors que Casey avance sur cette position, Kinka va tomber. Malheureusement, et là c'est le bleu qui a peut-être été récupéré par les WCTM. Attention à ne pas se faire percer à jour pour les Français à 40 secondes. Bibou tient bon encore avec les Rushkawan qui sont en train de le bloquer face à lui. P4 a repris la position de Kinka, mais va se faire avoir dans le dos par un Felipox qui avance et qui n'est pas contrôlé. On laisse un peu trop d'ouverture sur la bonne revenge de la part de Deadshot. Est-ce que Deadshot va être capable d'enchaîner? Bah non, on se fait avoir dans le dos par Erz Bibou pour la revenge. Il ne reste plus que Casey, mais attention à ce joueur Mowgli qui va le terminer. Oh, c'était extrêmement tendu, ça s'est envoyé dans tous les tu sens. Tu penses quoi des grenades qu'on peut plus timer? Bah moi j'étais pas vraiment pour les grenades qu'on pouvait cooker quoi. Enfin c'est sympa, c'est sexy à utiliser, c'est pas facile en plus donc ça quand même, ça nécessite du skill quoi. De P4 gratos, derrière c'est le vrai problème, c'est que derrière ça crée, ça n'aide pas à faire en sorte que le jeu soit équilibré entre attaque et défense. Il y a eu des petits trous là. Merci Still Dreaming pour les 15 mois de frais de scolarité, un monstre poulet. Vous êtes des monstres les amis. Petits trous, il y a eu des très bonnes revenge, Deadshot dans un premier temps sur la position du Grim de Felipox. Bonsoir à tous, salut 6. 6-4 chef. Sur l'insertion d'un Erd qui a voulu peut-être un peu trop capitaliser aussi sur son. Et ils ont paniqué. Ils n'ont pas battu une équipe de WCTM qui n'était pas en forme. Hein. Parce que parfois, ça peut arriver. Hein. Tu passes à côté du. Tu bats une équipe bon, qui a que le nom et qui passe à côté de son match. Quoi. Là, WCTM, ils ne sont pas passés à côté de leur match. Aglané, post-tactique. Ou pas du tout, non, on est bien reparti. Tu sens bien qu'ils sont dans leur match. Après, il y en a peut-être un ou deux qui sont un peu moins dedans, hein, c'est possible, mais. C'est pas la première fois que Liloun à chaque fois prend le temps de parler. Si, si, G2 versus FaZe serré de ouf. Remporté par les Français. Ah ouais, en ce moment-là? Bon, après là, c'était de la défense, Bateman. Sur combien ouais, de c'est maps sûr, c'est sûr, mais quand même, avec ce qu'on montrait les WCTM, il fallait trouver les éléments de réponse. Je trouve que cette défense, tu vois, était encore remportée de manière presque plus évidente que celle de tout à l'heure où on avait eu finalement un. Première? Waouh! Map de qui? FaZe, non? Attends, oui, clairement, on est censé avoir l'avantage pour les Wolves. Peut-être qu'on a dit hein, du côté de Liloun, rassurer un peu ses joueurs. Yes, ouais, normal. A voir, hein. Franchement, si c'est serré entre G2 et FaZe, ça donne encore plus de possibilités d'imaginer la possibilité, enfin, la probabilité de voir des Wolves, voilà quoi. Et on fait cracher un petit peu le stuff avec la Zami. Parce qu'ils ont vraiment en plus des attaques qui sont pas mal par rapport à beaucoup d'équipes qui sont un peu pourries sur leurs attaques. Ils ont vraiment des capacités de push assez incroyables quand même. Et de planter des bombes. On l'a pas sur cette map là, on va pas forcément voir des trucs de ouf, mais sur Clubhouse, moi j'étais impressionné quand même.
temps-là, Mowgli, lui, s'est repositionné au niveau de la double fenêtre. Barrière qui bat pour se protéger justement de cette dernière. Et comme tout à l'heure, l'ouverture du mur Babyfoot pour Nade avec Saibana. On aura certainement fait l'Hypox, comme tout à l'heure. Voilà, God Six en main pour aller gérer le Mute Jammer. On a clairement le même schéma qui se répète du côté des W7M. Côté français, on a la Solis encore en vie, on a Mowgli surtout encore en vie puisqu'il n'est pas tombé dans son agressivité tôt dans le round. Et JV92 qui n'est pas à la chasse à la Solis pour le moment, mais plutôt sur une pression au niveau de la double fenêtre. Il va falloir en être vigilant là du côté des Français. Ouais. Et Yards. Attention à Yards, l'insertion par le trophée. Position en attique aussi qui pourrait être déterminante. JV92 qui tente un petit peu par tous les moyens d'essayer de récupérer une erreur. Va retourner sur le main. Hein. Attention à l'utilisation du stuff aussi de ce Capitao. 35 secondes. Qui pourrait être très très efficace hein. Si on arrive à dézoner un joueur et à le pousser dans les lignes adverses de l'autre côté. Ça pourrait faire très mal. Mais par contre là la montre qui est en train un petit peu de tourner. Ça c'est bon pour les Wolves. Maintenant le déclenchement il ne devrait plus tarder à survenir. Hertz qui a pris quelques dégâts, Kayzy qui va s'insérer, Kayzy qui va déchirer P4 tout simplement à l'insertion. Mowgli par contre va aller prendre Hertz et ramener la situation 4v4. Mowgli qui va tomber sous les balles de Nade. On essaye de pousser mais Kayzy est inarrêtable. C'est Shinka va le faire tomber, Shinka qui va enchaîner sur JV92 et maintenant à 2v2. On est passé à l'arme secondaire. Où est Deadshot? On s'est infiltré pour Nade sur la tick. Deadshot qui pour l'instant va se retrouver tout seul puisque Shinka a été récupéré par Felipox, mais on n'a pas le temps de planter ce désamorceur et ça va passer pour les Wolves qui vont récupérer la première balle de carte. Mais que ce match est tendu! Ah, il est tendu. Et qu'est-ce que cet homme est fort, Kayzy! Inarrêtable avec son ace qui détruit totalement P4 sur son insertion. Annihile! Littéralement, bibou sur le BP. Heureusement, Shinka très solide. Après, les WCDM hein, avaient quand même commis une erreur dans leur exécution, c'est de ne pas avoir géré la Solis en dessous, qui de toute façon, compte tenu du timing restant et de ses deux impacts en poche, oui, allait avoir un rôle évidemment déterminant sur la fin du round et nous permettre de vivre une fin de round un peu plus sereine. Mais bon, on s'en tire 33. Ah ouais. Tu le temps. On est peut-être à un round. Ouais, pas de carte. En kitchen, cette rencontre. On est parti, W7M à l'insertion et c'est Erd qui va prendre quelques dégâts face à Mowgli. Mowgli qui pourrait bel et bien aller faire la différence, une fois n'est pas coutume dans cette rencontre. 22 frags hein, pour Kayzy en 11 rounds, 2 par round en moyenne. 22 au total avec les premiers rounds. De ce que dit Mathis, si l'info Mathis est bonne. Ouais, on peut faire confiance maintenant je pense. C'est validé, 22 kills, il est énorme. Kayzy, si on va en overtime, faudra surveiller hein, pour un... Mathis, c'est toi Tisma ou quoi du monde. Yo Mabou. On espère qu'il n'y aura pas de overtime. On va dire que les Wolves vont emporter. Allez la rame. Avec le buggy qui ouvre évidemment la verticalité sur la kitchen, on dézone la défense des Français qui, bien sûr, ne défend plus la cuisine sur site. Ah, Baptiste de Lyon. De, ah. De toute façon, on va pas se mentir. On joue de loin. Et pour le moment, jeu de la verticalité du côté des W7M. Enfin, le tour pour JV. Lee Wendy pour fixer les positions. On ne trouvera pas preneur du côté des. Faudra quand même compter le nombre de battes de match. Tente une reprise en solitaire. Attention, Mowgli, inséré au niveau des dortoirs. Il est repéré, il est totalement repéré. Et là, on a Deadshot en compagnie pour la cover qui va se débarrasser de JV92. C'est le lion qui va tomber. Pas forcément le plus impactant depuis le début de la rencontre. Et attention à la réorientation. 7-16, PSG2. Une fois de plus, 7-7 égale. Tu pourras pas dire que l'une équipe est meilleure que l'autre. Cas décisif, allez, Axel dans la droite lignée de son round de précédent Deadshot qui va trouver Kayzy 5v2. 4v2 après que Felipox se soit débarrassé. Oh, la tête qui dépasse, il la voit pas. C'est l'insertion qui ne trouvera pas la tête finalement. Et Erd sur Mowgli, attention. On est en ligne frontale là du côté des Français autour du flag. Mais le désamorceur. 4 Faut pas faire d'erreur, on a un joueur au contact. Bon, Felipox a l'air de savoir. Felipox a l'air de savoir. Et c'est Shinka qui va remporter le duel, il reste plus que Erd.
Avec quelques points de vie, ça va être compliqué pour le Brésilien, le Free Fire qui va partir. Allez, faut s'assurer de terminer cette première carte. On est l'OHP pour Deadshot, on est l'OHP pour P4, pas de miracle. Côté WCTM, s'il vous plaît, restez concentrés, ne pas s'offrir, c'est ce qu'on est en train pour l'instant de réaliser parfaitement pour les Wolves. Et le temps est en train de filer, le temps est en train de couler, l'adjoint main, gros contact qui va... Merci évidemment Magic 87 pour les 7 mois, un monstre poulet. Ouais, est en train de dire adieu à ses chances de première carte. Magic 87, incroyable. Placé droit au campus. Avec, Français, on a été à la baguette globalement sur cette Oregon, on l'a vu avec une phase d'attaque très rythmée. Qui dire qu'il m'a trollé lui. Non, enfin, Frenchy. L'avantage des loups qui lancent bien leur BO3 face au WCTM. Sur ma tenue, sur mes streams. Vous envoyez au desk pour l'analyse pardon, de cette carte, c'est à vous, messieurs. La dialyse, ouais. Merci beaucoup pour la transition. Avec son dress code pyjama, fils de pute. De nos très chers. On est sur le pic de carte de l'adversaire. Le jeu vers où on est. Mal, ça va être Bibou qui tombe le premier. On reprend de l'activité au niveau du bleu pour Erz. On va arriver attends. Extrêmement. Il fait libre. À réussir à. On va sticker jusqu'au bout. Mais un peu haut quand même. On s'étend, on veut faire perdre une ressource assez précieuse. À voir comment Jimmy va réussir à l'utiliser. De l'autre côté, bah, c'est une composition d'équipe qui dénote assez précieuse. À voir comment Jimmy va réussir à l'utiliser. De l'autre côté, bah, c'est une composition d'équipe qui une ressource assez précieuse. À voir comment Jimmy va réussir à l'utiliser. De l'autre côté, bah, c'est une composition d'équipe qui dénote un peu puisque la jalousie. Sortir un gaz. Quoi? Mais attends, mais c'est quoi sa veste en peau de cul de en peau de cul de d'iguane là? C'est quoi ce pyjama, les gars? 92, on aime jouer la double ouverture, mais attention. Sous prétexte d'être drip, ça s'habille en jogging et en pige, les gars. Il se passe quoi, franchement? Où sont les gentlemen? Ça peut être dangereux de trop délaisser. Après, le split est parfait. Du côté des WCTM, on va mettre Erz et JV 92 d'un côté. T'as le droit de react en direct au Six? J'ai le droit. J'ai le droit si j'ai envie de perdre. Il faut réussir à peut-être chercher ce porteur du démorceur. On va sticker jusqu'au bout et ça ne passera pas. Nade qui se fera récupérer trop tard. 4 versus 5, Shinka réussira quand même à aller chercher Nade, le mal est fait. Ouais, le mal est fait, mais on arrive quand même à donner l'avantage numérique. Ah ouais, mais il y avait un glace quoi. Il y a toujours du joueur à l'extérieur, Casey, Philippe Ox, certes qui arrive dans le bac, qui s'insère au niveau du pilier. Il peut faire extrêmement mal et il va faire extrêmement mal. Ça va être Bibou qui tombe le premier, on reprend de l'activité au niveau du bleu. Pour Erz, on va arriver sur le joueur en escalier, mais Philippe Ox se débarrasse de Mowgli, il ne reste plus qu'un joueur côté W7M, c'est Philippe Ox. On est en train de désamorcer au contact du mur. On a mis un gadget, mais c'est Shinka qui sera là pour en terminer. D'où s'est passé ça? Ah, je l'avais pas vu du tout ce round. Certes, on n'avait pas Shinka pour deny cette plante avec son Warden au milieu de la smoke, mais derrière, la réponse française est cinglante. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Un jeu qui se maîtrise, divisé pour mieux régner. On a réussi à les contenir. Ah, je l'avais pas vu ce round-là. J'étais parti pendant certaines parties, donc je suis content de le revoir. Putain, la vache, comment ils perdent ça? Chercher et prélever le premier frag, on le voit du côté de Shinka. On tente et c'est. Ah, mais en fait, ils voient pas que c'est un Monty. Ok. Ça clique, du coup, il rajuste au niveau des pieds, mais ils voient pas grand-chose. Pas facile, quoi. Là, l'ombre qu'il trahit. Et derrière, on voit, c'est très compliqué d'aller propre. Reprendre en main le rythme qui, ça veut dire... Putain, je l'avais pas vu celui-là. De s'assurer une G2 à win. 8-7. Ouais, on transcrira pas les mots de P4 après. 1-0, hors en encre. De toute façon, pas de Warden dans la composition défensive. Ça ne va pas se battre sur ce terrain-là. J'y vais. Qui commence à mettre de la pression au niveau de qu'est-ce qui vient de casser là dehors? Une petite minute de jeu. La volonté est claire du côté des Brésiliens. Il faut aller faire tomber. C'est quoi qu'il a tiré dehors? Ouais, une clé mort mutée? Un top piano qui va nous donner un lésion? Une go mine? Il y a des insertions bibliothèques en général. On espère une go mine? Un petit peu de distance, se donner le temps une alarme de venir. Et on voit, ce sera le buggy qui est en train de manger le sol, qui va pouvoir eh bien, travailler la verticalité et de pourquoi pas après réussir à retrouver un petit peu. Eh bien j'ai deux wins la première map. Depuis la kitchen, ça va être très important de pouvoir tenir justement cette verticalité. Maintenant, ce sera en vrai, si Wolves continue et gagne contre Sonix, ce serait cool que G2 ne gagne pas. Très rapidement arrivé, ça peut être dangereux. Histoire d'avoir un peu tous les continents, quoi. Et d'avoir un Wolves versus FaZe qui serait incroyable, quand même. Bon, dans tous les cas, ce serait incroyable, mais... Ah, je sais pas, est-ce qu'ils se rencontrent? Si Sonix... Si Wolves bat Sonix, il joue contre qui après? Le vainqueur de quoi? T'as le droit de cast? Mais non, les gars, j'ai pas parlé à Ubisoft depuis 2020. Vous voyez quoi? J'ai le droit de rien du tout, moi. On est presque en train d'exécuter. Nate qui va aller positionner
son bouclier face à un joueur qui se trouve dans la salle à manger. Pas de verticalité sur lui pour le moment. C'est JV qui se trouve au-dessus. Le Talon Shield qui va être positionné. On l'a vu du côté de Jibou. Oh, on accrochera quelques balles, mais Nate peut aller planter le désamorceur pendant que JV et KZ sont en train de faire un carnage. C'est une attaque masterclass que viennent de nous offrir magnifique, les hein. W7M pour aller empocher leur première manche. C'est étonnant. J'avoue que je suis assez dubitatif là sur le style de jeu proposé par les Wolves parce que effectivement, on sait quand on a l'information de cette autre et sur ces affaires, on va au moment du départ, le piano et ce dès le début. Ce duel, le tout premier duel, est hyper important. JV92 qui libère le piano et ce dès le début. On en prend deux de cette façon et la pression pour les Wolves, la pression défensive n'a plus lieu d'être. Le comeback dans une rotation dans le roaming se fait tellement propre. Elle était belle l'attaque avec l'ouverture du termine qui vient coiffer l'objectif pendant que la OZ est en train de planter derrière son shield qui meurt pas en plus. Elle a de l'impact quand même. Anticiper l'arrivée de W7M et ce qu'ils veulent. Super l'attaque. Ouais, et ce, pas de chance là dessus finalement il est pas annoncé juste avant enfin il est annoncé juste avant l'exécution mais si FaZe win et Wolves win du côté des ils se rencontrent le petit préfire d'un Casey qui vient faire tomber des shots des loose leur exécution mais pas attends avant, il était où des shots dans la composition du côté il est où il est sur le piano là je vois pas non non il est sur le ah ok d'accord il est sur le et rebord de la salle de bain du bain de la baignoire que quand on a bouclier talon 8 sur c'est à dire on va moment où j'ai envie de voir ce spawn kill là ce duel le tout premier duel et la pression. Le roaming, cohésion d'équipe, fort, extrêmement attention à bien comprendre, bien anticiper l'arrivée de W7M et ce qu'ils veulent réaliser surtout. Ouais, et ce Talon Shield finalement, il est pas annoncé juste avant l'exécution. Enfin, il est annoncé juste. Ah ouais, double pic. Ok, sympa ça. Juste avant l'exécution, mais pas avant. On ne sait pas qu'il y a une OSA dans la composition. Du côté des. Non, il le voit, mais il le voit pas en fait. Oh là là, il le voit, mais il le voit pas parce que la tête est grise. S'il y avait le highlight, il le voit. Là, je pense que la tête elle dépasse. Il fait mal au crâne Casey aujourd'hui. Yo, Pacan, salut tout le monde. Cinquième frag du best of 3. Plus que sur les bases d'un record, il est juste monstrueux. Et W7M, ils ont eu cette puissance. Ah, gris sur gris. De réussir à converger sur les positions, à très vite travailler sur la verticalité. On voyait qu'en deux minutes, on était obligé de se décentrer un petit peu du bomb site. Malheureusement, dans ce décentrement, Léo, on se retrouve dans une position où. Bah, on est obligé de lâcher peut-être une des positions fortes, soit au niveau du main. Décentrement, putain, vache. A été lâché, combiné à un instant de solarium, la pression au niveau de la fenêtre. C'est une belle attaque des W7M qui est extrêmement compliquée à aller contrer. Voilà. P4, cette fois-ci, ça fait mouche. Et c'est sur Hertz que ça tombe. On le voit, Shinka aura son tour le C4. À voir si on arrive à les faire croustiller les pieds de ses adversaires. Pour le moment, ce sera Felipox hein, aussi qui peut représenter un danger notable. On le sait qu'avec le lance-ruche Kawan, on va avoir eh bien, peut-être quelques informations à se mettre sous la dent, notamment hein, au niveau de ce bar, au niveau du cocktail. Ça peut être un petit peu dangereux. Depuis le stock aussi, on sait qu'il va y avoir des positions assez enclavées, mais on a tout de même, quoi qu'il arrive, hein, des drones à utiliser. Il en reste 4 encore hein, pour la composition du W7M en attaque. Une minute 35, on est au carbone. On est en train de tricoter un petit peu. On le voit, les pour toi, Rainbow Six, c'est finito. Au niveau de ses insertions au niveau du couloir bibliothèque, la chose mec. Intéressante c'est qu'on décide voilà, de jouer aussi au niveau de cette frappe pour Bibou, ça veut dire qu'on va avoir une double convergence si jamais. Merci Imno pour les 7 points de frais de scolarité, merci Magic pour les 7 points, vous êtes des monstres les amis, vraiment. Depuis le top, si jamais, une vous êtes des fucking monstres. Notamment serait trop difficile. Est-ce que tu penses qu'il y a des cheats dans ce genre de compétition? Je sais pas, j'en ai aucune idée, je pense pas, j'espère pas. Je pense que s'il y a du cheat, c'est plutôt du dopage à la dérôle. Qu'autre chose quoi. Shinka qui va faire détonner son C4 prépositionné il y a quelques secondes maintenant, on l'a bien vu, une minute de jeu.
Un ping jaune qui est parti, un bibou qui est toujours dans sa position, puisqu'on ne peut plus avoir l'information sur lui. On a probablement du drone de back à ce moment-là, et bibou, il peut faire extrêmement mal. Bibou, au moment du drop à la trappe, normalement, il fait un carnage absolu. Ça va être terrible pour les WSTM, sauf si bibou se trouve. Il attend son heure et il l'attend bien. Ça va partir du côté du main pour Nade avec le désamorceur. Bibou peut orienter finalement la pause et la faire converger au bon point. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans cette position. C'est que même par son inactivité, il est en train de guider ses mecs vers la victoire. 4v2, 20 secondes à jouer. Et il va pouvoir revenir sur le top main avec Mowgli qui se débarrasse de Nade. C'est une masterclass défensive de la part des Wolves. On répond à une belle attaque par une belle défense. Il est content. J'ai déjà mis la première map, on m'a dit 8-7. J'aime le plus parce que, mis à part Case, au final, une fois que tu déverrouilles Case, on sait que il est en... Mais derrière, voilà, ce sera Mowgli. Merci Carbone95 pour les 3 mois, vous êtes des monstres, les amis. Merci Poulet. Carbone-95 passé droit au campus. Est-ce que l'espoir vous manque, proviseur? L'espoir, bah j'y suis dessus là. J'ai l'impression qu'on n'a pas tant verrouillé que ça. Tu vois ce que je veux dire? L'esport, la compétition, jouer? Ouais. Enfin, j'ai vraiment ouais, tout, chaque compétiteur. Chaque passionné qui arrête sa passion, forcément, à un moment. C'est pas anodin le fait que Bibou reste au niveau de cette bibliothèque. Est nostalgique de l'époque où il était dans le cœur de sa passion, je pense. Alors, Deadshot, non, parce qu'il s'est fait récupérer par un one-tap, mais. C'est un misdroning, hein, clairement. Mais en même temps, on a du drone de back parce que c'est une map où, à tout moment, t'as un joueur qui revient au niveau du Solarium, t'as un joueur qui remonte de son escalier bleu. Mais j'ai pas senti ce verrou non plus parce que Mowgli, il a une liberté aussi au niveau du top cheminée où il est jamais attendu, même si on a un gros déficit numérique à ce moment-là pour les W7M. J'ai jamais senti ce vrai verrou de « Ok, c'est notre position, c'est notre top et on travaille dessus ». Et on va voir si les W7M vont repartir un peu à l'assaut cette fois-ci. Pourquoi pas putain, Magnox. Essayer de chercher quelques informations, notamment l'IQ hein, qui pour Hertz sera un élément de la composition important. Maintenant JV92 sur A2KB, on sait les bombes logiques aussi hein, qui peuvent être assez intelligentes pour être déployées. Malheureusement, là, on les aura utilisés très tôt. Dans le round, 1 minute 55, on va essayer de se rapprocher. La mezzanine qui, encore une fois, sera lieu. Mowgli qui nous régale. La tête de Hertz qui va tout simplement sortir. Casey pour aller chercher P4. C'est 4 versus 3. Ce sera directement. Non, pas Revenge, pardon. Felipox qui sera là pour aller chercher Mowgli. C'est pas fini pour autant. Bibou pour temporiser un peu les ardeurs de son adversaire. Mais attention, on va le chercher. Voilà Bibou qui va aller chercher JV92. On va réussir à aller rétablir l'ordre dans la force. 2 versus 2. 1 minute. 27 et surtout ce démon de Hertz et ce démon de Casey toujours présent. Casey qui avec ses deux grenades à fragmentation va faire assez peur, d'autant plus que la Finca et ses nombreux boosts d'adrénaline va pouvoir permettre le sustain chez les W7M. Les ouvertures sont faites, maintenant il va falloir trouver les bonnes lignes. Ouais, le désamorceur est entre les mains de Nade. On balance une hache du côté de Casey, on se débarrasse de la caméra blindée, on a l'information donc sur le Brésilien au niveau de ce T1. Shinka ne bouge pas d'un poil au niveau de son bleu. Nade qui va prendre des balles par en dessous d'un bibou qui a des velléités offensives alors qu'il est défenseur et qu'il n'a plus que quelques points de vie. Ça, c'est mon capitaine. Allez, les gars, on le fait à 45 secondes de la fin. On est en train d'envoyer les grenades à gaz pour Shinka et ce sont les Français qui sont en train de verrouiller les positions. De mener. Yo, Chris Cass, comment ça, mon boulet? Face aux Brésiliens, on danse peut-être la samba, le ping jaune. Qui va partir sur la position, on s'insère, bibou, et laisser un HP, c'est un mort-vivant. On va pousser sur sa position, Nade est très très low HP, Casey va se débarrasser de lui. Oh Casey, on la connaît, sa position, ça va partir au niveau du pilier, mais le désamorceur, il est de l'autre côté, il va arriver au niveau du main, Casey, encore lui, pour aller terminer. Tous les rounds étaient quand même incroyables. Hein. Tu veux prendre confiance aussi dans un petit coin de la tête, faire tomber Casey. C'est se dire, ok, bon, bah, lui il est tombé. Moteur de frac quand même. Ouais, ah ouais. Il en a beaucoup trop là, ça fait 28. 28 frac. Oh, super, t'as le casse, t'es pas mal, j'aime bien. Ouais, là ça casse bien. Enfin, tout le. S'ils continuent comme ça, ils veulent faire toute l'équipe Futurefax, Frenchy, Furious, Fio. Swish. Cette fois-ci, le Capitao qui, je pense que là, c'est les meilleurs casseurs qu'on ait jamais eu. Évidemment, avec Felipox, hein, et ici, histoire de se donner un petit peu d'ouverture.
Et on va voir comment on décide d'attaquer. De toute façon, on a l'habitude hein, sur le mur office de Grand Forcé de le voir pris d'assaut. Généralement, c'est un double push qui peut arriver aussi depuis le top. Bon, et toi, ça va? Tu joues plus à Rainbow Six avec Chris Cass ou quoi? Est-ce qu'on a pris l'information sonore? Non, on a un ping rouge par contre qui est là. On va le noter. Et on va tout de suite arriver. Attention, Herds, depuis le top, on va essayer de s'insinuer. On sait que le piano, de toute façon, sera un lieu de combat. Et on va se rapprocher peut-être sur la décale. Oh là là, on se fait peur sur un timing. Googly qui se fera rapper à l'ordre. Pas de létal pour les W7M, mais ça aurait pu être une situation dramatique. Pour le moment, on arrive à se remettre en place. 8 minutes 45. On se rapproche encore une fois. Non, ouais, coupé par là. Double ligne. On se fait avoir un peu naïf là-dessus. Mowgli, malheureusement. Herz pour aller chercher P4 et Bibou pour reprendre un peu de fight face à JV92. Sauf que, eh bien, derrière, pas de refrag. On est complètement bloqué au niveau de Deadshot, au niveau de son positionnement dans la bass room. Et attention, parce qu'on envoie le Ratero derrière ça. On veut peut-être essayer de trouver une solution. On décide de ne pas abandonner hein, son lieu de défense. Mais Deadshot qui se fera flasher une deuxième fois. Et derrière, eh bien, sur l'entrée. Super bien joué, hein. Le pauvre Deadshot. Shot, quoi. Bibou, oh, Bibou triple élimination de Bibou. On est chaud, Swish. Il est monstrueux, Bastien. Il est peut-être en train de retourner la manche pour les loups alors qu'on était en 2v4 et énormément de stuff utilisé. On n'a plus rien du côté des W7M. Un Ratero qui va être envoyé par Casey. Nate qui va se repositionner avec le désamorceur. C'est une situation qu'on vient tout juste de vivre et c'était exactement les quatre mêmes joueurs sur le terrain. Nate et Casey. Casey avait sorti un doublé pour aller chercher Shinkai. On peut se pencher sans viser sur console, c'est fou. J'ai relancé le jeu hier soir. On entend les pas des joueurs juste au-dessus. Ouais, c'est clair. Hein. Ouais, c'était un gros changement visiblement nécessaire. C'est vraiment utile ou c'est un peu c'est pas ouf. Qualité à l'actif des W7M à 29 secondes de la fin, Casey qui va repartir avec Nate sur l'escalier, Shinkai en première ligne. Je suis pas sûr qu'on l'attende dans cette position, voilà. Shinkai. C'est extrêmement compliqué d'aller le chercher ici. On va devoir passer devant lui, on va passer à sa droite, bien à sa gauche, on ne passera pas. On drop le désamorceur, Shinkai qui en prend un Casey. 30 HP au compteur, ne peut rien faire pour le moment. On n'arrivera pas à trouver le joueur au contact. On ne va pas pique derrière la bombe très intelligemment. Les loups ne se laissent pas prendre. Shinkai, le pied est dépassé, ça ne passera pas. Casey, save le KD, frérot, vas-y. Pas de problème si tu nous laisses les manches à la fin. Dans ce sens-là, ça nous va. Il n'y a pas de souci. W7M ne parviendra pas à aller chercher un point supplémentaire. On l'aura vu, un round qui a été bien emmené. On se fait très très peur hein, sur le début avec Mowgli un peu trop mobile. Et derrière, eh bien, la double élimination qui passera. Deadshot complètement bloqué, verrouillé. Incroyable. Bibou qui sauve le round. Pam pam. De Bibou, on le sait, le diable est dans le détail. Et on le sait qu'à ce niveau-là de la compétition, un détail ça fait toute la différence. Et on le voit sur ce push pas du tout synchro. On donne une première tête, on va en donner une deuxième et derrière ça permet. Pour le gameplay shotgun, c'est ouf et pour le pick, c'est pratique. Je pense pas que ce serait aussi adapté. La manette, c'est bien implémenté. Ah ouais ? Ça, c'est incroyable. Donc, vraiment, je pensais que c'était un peu gadget quoi. Le fameux score 4-2 à la mi-temps, c'est loin d'être dramatique pour les W7M. Attention, ne pas les enterrer trop tôt. Évidemment, on a la capacité d'aller chercher quelques rounds supplémentaires, mais du côté des Wolves, on est peut-être en train déjà de remplir une partie du contrat. C'est quand même presque historique ce qu'ils sont en train de faire. De là va être pas évident à manager et là il faut évidemment anticiper, se mettre dans les meilleures conditions psychologiques possibles pour. En tout cas pour l'histoire de Wolves peut-être non. Et faire la transition sur un bon site qu'on a déjà perdu deux fois pour les Wolves. Voilà la mission. Deux fois on a été. Lilun, faut la changer. Wesh 4-1. Mais t'es ouf ou quoi? Ils viennent de défoncer Wolves et maintenant faudrait changer Lilun. Aïe, c'est parti. Hein. La deuxième manche, il aura fallu un. Il y a 4-1 sur l'autre, de l'autre côté, sur quelle. Sur quelle map? Ouverture. N'oublie pas, hein, si c'est en défense, s'ils sont en attaque, c'est normal qu'il y ait des 4-1. Les attaques sont difficiles à passer. Hein. La verticalité. Après, ça dépend de la map, ça dépend de plein de choses. Hein. Au niveau du main, voilà, on laisse sous les yeux par l'observateur Shinkai qui est en train d'électrifier derrière avec ses électrogriffes. Ah, ils sont en attaque, bon bah. Voilà, normal. Donc en temporisation, c'est intéressant parce qu'on. Ils vont remonter. L'adaptation du côté des loups avec cette clash dans la composition, ça permettra pas de grosses poussées au niveau du T1. On n'a pas la même composition que lorsqu'on l'a attaqué la première fois où on avait réussi une plante. Un petit peu plus dans la veine de ce qui était passé la deuxième fois. La phase de freeze, on est en train de se préparer. À l'attaque peut-être hein, du côté de W7M, les premières échanges d'Amabilité. Oh oui Mowgli, voilà, c'est ça
cette tête qu'il faut aller mettre face à Casey. C'est Casey qui vient de mordre la poussière et ça, ça compte pour tout puisque Hertz va le rejoindre dans la tombe. On est en train de ne faire qu'une seule bouchée de ses adversaires. WCTM, Felipox malgré tout pour aller chercher la tête de Deadshot. Allez, maintenant il faut réussir à tenir. On doit avoir des informations pertinentes à les donner, notamment sur les contre-insertions, puisque la Minefnat est en train de tout simplement annoncer l'arrivée au niveau de de cette mezzanine. On l'aura vu, la Goomine hein, qui vient de détonner aussi, donc double information sonore à utiliser. Maintenant, à voir si les Wolves vont avoir la capacité à entendre ce que propose les WCTM, mais le plan était clair, les faire ralentir le plus possible, leur faire perdre un maximum de temps sur la préparation de setup. Et malgré cette maigre tranchée au niveau de la Fireplace, eh bien voilà, il faut reprendre aussi hein, ce setup, ouvrir la hatch, récupérer d'autres informations de verticalité, ce que est complètement en train de faire Felipox d'ailleurs, sauf que à une minute... Putain, la rame, vraiment, ça fait un taf. Se lancer dans un goulet d'étranglement et on le voit, c'est ouf quand même, en train de se préparer. On va pas avoir d'impact trick cette fois-ci, on est trop loin. C'est la map pick par Wolves. Ouais, faudra voir ce que ça va donner plus tard. Sonic se joue bien ou quoi? La différence, d'autant plus que P4 est en train bien de contrôler tranquillement, ça va donner beaucoup d'informations pour les Wolves. Ouais, il y a un truc dramatique là-dedans, c'est que les WCTM peuvent pas aller ouvrir la trench, ils ont pas ce qu'il faut en termes de stuff, du coup ils sont bloqués dans une agression au niveau du terrain, ils ont pas d'autre choix que d'essayer d'aller planter au niveau de cette étagère. On le sait, on le sent peut-être, Felipox qui a pris le lead au niveau du connecteur, la plante va passer du côté de Nade, on n'a rien pu y faire, on est en train de remonter. Et Mowgli, Mowgli peut-être, pour aller en prendre un, pour aller en prendre deux, pourquoi pas, les deux sont au niveau du bar, Bibou se débarrasse de Felipox, les deux sont au niveau du bar, on va en prendre un, on va en prendre deux pour Mowgli, on leur danse la samba aux Brésiliens, ça fait 4-2 pour les Wolves, tout simplement. J'avais pas vu ce que ce round. Par le callback. C'est incroyable. Je l'avais pas du tout vu ce round. Vous l'avez vu, hein, ce play en train de se trouver 4-2. Ça permet chez les... bon planté en plus quoi. Donc oh la clash, la clash de l'année. C'est bien ridicule quand même. Double drop de Deadshot, ça nous permet de tenir en... Cette scène est quand même bien ridicule. Mesdames et messieurs, profitez-en, ça croustille sous la dent. Miel pour les yeux. On le voit tout simplement cette tenue, Mowgli qui vient aller prélever les deux petits kills derrière, P4 qui fait le rempart mobile. Que demander de plus finalement qu'une si belle clash et surtout qu'une belle célébration de la part des Wolves. Ouais. Et pourtant l'exécution, que je le dis, lorsque toi derrière le planteur, ouais, c'est possible. Si en plus t'as un quatrième joueur qui tient la verticalité et qui évite à P4 de faire absolument tout ce qu'il veut aussi, ouais. ton attaque elle est bouclée et peu importe le nombre d'ennemis en face, en fait, tu as toutes tes positions, t'as tes conditions de victoire qui sont posées. Donc faut pas non plus penser que les WCTM sont au fond du trou. Ils avaient de vrais plans de jeu, ils avaient de vraies attaques. On a eu des grosses réponses de la part des loups quand même, parce que il y a eu quelques plans de jeu où ils étaient bien malmenés. Et tu vois, avec la physionomie du match qu'on a eu, s'il y avait 4-2 dans l'autre sens, j'aurais pas été étonné. Non, effectivement, hein, c'est des rounds qui sont très pleins et c'est des rounds qui sont très riches en termes de jeu. Sauf que derrière, on le voit, au niveau des Wolves, on aura été un petit peu plus inspiré. On se rapproche, P4 pour aller remonter très rapidement au niveau de l'escape principal. On n'a pas d'information. Hertz qui va trouver le Shinka pour aller prendre la domination derrière, Deadshot pour aller prendre la main 3. Ça avance très vite du côté des Wolves qui mettent déjà à mal la configuration défensive des WCTM. Ils n'y sont pas, les Brésiliens. 1 versus 5, Mowgli pour aller finir. Est-ce qu'on va avoir le perfect classique, la décale? Non, ça n'arrivera pas. JV92 qui finira par trouver la tête de Mowgli, sauf que à 1 minute 40 il est bien seul ce JV92, il a l'information dronée du côté des Wolves aussi, on va pouvoir avancer. Allez messieurs, voilà, il faut aller Shinka chercher double ligne, le crossfire absolument impérial. Mesdames et messieurs, les Wolves tapent du poing. C'est un replay? Non, c'est un live, c'était abonné. Pour le moment, en découvrant finalement, c'est que qui sont les deux derniers. Là j'avance, je suis déjà dans le futur en fait. On les secoue. Il n'y a pas cet effet frag movie qu'on a pu voir chez tant d'équipes qui passent d'un 5v2 à... Il y a quand même des trucs, j'aurais dû mettre des copyrights avant de partir du casque quand même. Ils ont mis la manière avec. Verticalité, effet frag movie. On n'est pas passé loin d'un perfect. Hein, tout le coup des stockades. J'aurais dû mettre des copyrights sur certains termes. Trigger discipline. WCTM et de les envoyer bien bas dans le lower bracket. On est parti avec un P4 qui nous sortira le sniper. Glatz qui sera de la partie. Je serai riche maintenant. Densité, ça va sortir un énorme chouchou et on le voit, il n'y a pas de renfort du côté de ce garage motoneige. On décide d'abandonner le secteur, mais attention parce qu'il s'était déjà fait avoir à l'époque, les WCTM qui se laissent désemparer et surtout qui n'envisagent pas du tout la tenue de ce site. Pouf là, c'est parti, l'ouverture 2 minutes 30, on va mobiliser un petit peu JV92 qui est là pour aller tenir la pression et
bah, appeler ses coéquipiers en force si jamais il y a besoin. Ça peut donner un faux sentiment de sécurité, sauf que derrière, on sait, il veille au grand. On décide quand même d'avoir cette composition assez mobile. 5-2 pour les Wolves, c'est aberrant. Ils gagnent 5-2. Bah c'est parfait du coup. D'aller prendre des informations. Ah, il y a un petit selfie pour la caméra directement. Petit selfie. Et le C4 face à Shinka, mais attention derrière, parce que Bibou qui va réussir à les trouver deux. JV92 en D2 en DBNO, puisque Nade va le rejoindre tout simplement. C'est encore une fois un blitz qui fait la game. 3 versus 4, KZ pour aller reprendre tout de même. Oh le blitz, que ce soit Bibou. On va être bien cover au niveau de cette cave à 20. On va essayer de se rapprocher, mais Felipox, il est bloqué au niveau de cette rotation. Est-ce qu'on va avoir la tenue d'une ligne au niveau de cette rotation? On a toujours du monde. Deadshot peut-être. Airs pour aller revenir, mais le désamorceur a déjà planté 45 secondes de money time. Et les WCTM qui sont peut-être en train de le faire. Pardon. Allez, Deadshot en situation de 1v2. Allez, Jimmy, ça passera pas. J'ai l'impression qu'on a poussé sur le bon site, qu'on a perdu trop d'hommes et qu'on a tergiversé un petit peu à aller planter ce désamorceur. On avait un Deadshot et un Mowgli au HP, on avait un qui pouvait être le seul à avoir de l'activité de son côté. Le site, on l'a eu. C'est facile, on a la vue observateur, on voit qu'il y a absolument... Ah, pour Sonix, il y a quelqu'un qui dit 5-2 pour les Wolves. Ah, sur ce match-là. Ah, autant pour moi. Oui, 5-2 pour les matchs. Oh, ok, c'est bon. Je l'ai. Sonix, ils sont forts. Putain, la vache, j'aimerais bien voir ça. Qui va lancer le push et qui se dit, les gars, c'est clear, on peut y aller. Sauf que derrière, je pense que tu vois, on veut s'avancer. Oh là là. Même si on fait la moins 2, derrière, on va essayer justement d'aller tenir un petit peu cette pression et surtout d'aller redonner un peu de mobilité. Sauf que derrière, t'as KZ qui arrive et qui ferme la marche, qui coupe un petit peu l'élan de narration. Oh, le niveau de jeu. On clear totalement, c'est aussi loin au niveau de la cave. Bien derrière, c'est très compliqué à tenir. Il prend où les dégâts? Malheureusement, ce qui pose problème quand tu vas pousser aussi loin au niveau de la cave 1, je pense que c'est une bonne chose d'avoir poussé. Ah, sur la montagne, carrément. On clear totalement le bomb site, on s'assure qu'on peut planter à peu près où on veut sur ce bomb site et passer en tant que défenseur. La problématique, c'est que 6-1, la vache. Bah après, ça arrive, hein, tu passes à côté d'une map. Rainbow Six, c'est quand même vachement map oriented. Avec son bouclier. Mais ça va c'est quoi la deuxième map de gros deny de zone. Donc, les joueurs qui en fait ça fait chier parce que c'est le pic de Wolf quand même duel, apparemment tu vas devoir les subir de plein fouet. Donc, café au moment où on prend la cave à 20, on le sait du côté des loups, on doit en être averti. Il n'y a aucune préparation du bomb site si ce n'est la brèche T1 qui a été réalisée par Shinka, donc tu peux pas vraiment te dire il y a un moyen, je vais aller dans le garage inutile tout au fond me retrancher pour prendre une coupe. Non, parce que cette coupe là tu l'as pas, parce que tu l'as pas préparée. Donc c'est aussi le pari que tu prends quand tu tentes ce genre de rush. Et à voir si le pari sera gagnant cette fois-ci ou le ping rouge. Oh, la première Deadshot. Tête, Deadshot qui va sur Nade. Nade en 0-7 hein. Pour le moment, on est plutôt agent secret. Oh là 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 là. 6, attention, KZ, c'est pas fini pour le temps. Oh là 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 là. Celle-là, elle aurait été incroyable cette tête. AP4 cette fois-ci, c'est un prêté. Deadshot, il est ouf. Hein. Pour 1, 3 versus 4. Ah, tout le monde, mais... Ils vont avoir l'avantage face aux adversaires. Attention, depuis la kitchen, on est déjà en situation. Oh, cette pause. On lui laisse le boulevard, il y va, toute berzingue. Incroyable. 1 minute 30 dans le round, et bien, la situation de planter amorcée. Incroyable. Qu'est-ce que j'aime quand les bombes sont plantées, putain. Ils vont être évidemment tenus. Attention, puisque depuis l'escasse Overium, il peut y avoir un comeback. Bibou tiendra la fenêtre et on a effectivement toutes les clés en main pour peut-être mettre une pression. Une bombe plantée, ça devrait compter deux rounds. On va réussir à passer au niveau de l'escalier. Est-ce que Bibou a l'information? Ah, bonsoir, je viens de regarder la vidéo sur Broken Arrow, ça a l'air vraiment pas mal. Tu as prévu des streams dessus? Bah, c'est toujours c'est pareil, c'est pas un jeu qui plaît à tout le monde, quoi. Défense, moi, si. Reste donc que Erz, on va se présenter. Au si ça ne tenait qu'à moi. Une petite balle, mais Bibou au-dessus. Si ça ne tenait qu'à moi, je ferais que du Broken Arrow quand il sort. Genre vraiment, je suis amoureux de ce jeu, j'y ai encore joué jusqu'à 3h du matin parce que c'était la fin de la bêta aujourd'hui. Je suis amoureux de ce jeu, quoi. Je terminerai avec un 60% de ratio. Et entre samedi et dimanche, du coup. Samedi-dimanche. Je crois que j'ai fait une trentaine de games à vérifier, hein. Mais entre 20 et 30, on va dire, et j'ai 100% de win. J'ai un draw. Donc en plus, j'ai vraiment essayé de level up sur le jeu, de devenir meilleur, parce qu'il y avait vraiment des joueurs très très bons sur Broken Arrow, ça me faisait chier, ça me frustrait. Et je m'y suis mis et j'adorais ça, quoi. J'adorais, mais c'est pas un jeu... Ça fait partie des jeux niches, en fait, quoi. Donc, est-ce qu'il y en aura? Oui. Le problème, c'est qu'en final, c'est le genre de jeu sur lequel je déteste être moyen. Tu vois? Donc je sais comment ça va se passer Broken Arrow. Ça va être le jeu sur lequel j'ai envie de dire les gars, let's go. Je vous montre que je peux être un excellent joueur sur un jeu sur lequel vous n'avez jamais vu, et en particulier un RTS. Sauf que ça ne plaira pas. Le chat sera rempli de... l'important, c'est que tu te fasses kiffer venant de personnes qui ne reviendront pas la fois d'après.
Et au final, je suis tributaire du chiffre qui est au-dessus de moi, tu vois. Quand il commence à passer en dessous de 2000, c'est assez compliqué quand même. Et derrière, je me dis, bon, bah, faut que je retourne sur d'autres jeux qui attirent une meilleure audience. Et après, je pourrais être dans une logique à demi-mesure, hein, de un peu de Rainbow Six et un peu de Broken Arrow. Le problème, c'est que c'est des jeux multijoueurs avec des joueurs en face de moi et je me connais. Si je suis pas à 100%, voilà quoi. L'un des trucs les plus difficiles pour moi sur Rainbow Six, ça a été d'être OK avec le fait de pas forcément partir en ranked. Ça a jamais été un truc aussi compliqué pour moi que d'arriver à jouer à Rainbow Six et à prendre du pied, à prendre mon pied, indépendamment de la capacité, indépendamment de l'aspect compétitif du jeu. C'était très dur. Donc, faire du Broken Arrow en mode cool, tu vois, c'est voilà. Et du coup, après, se faire battre par des personnes que tu sais que tu peux très bien battre quand tu veux, mais que l'effort nécessaire pour y parvenir, ton audience n'a pas envie de voir cet effort et de facto créer une énorme frustration chez toi, bah voilà. Donc, c'est un peu, voilà, un jeu comme Broken, c'est un peu 100% ou 0%. Souvent, ça va être 100% pendant quelques jours et puis après, tu es obligé de le drop, en fait. Parce que, bah, parce que les joueurs qui continuent de prendre du niveau et toi, quand tu reviens, tu as la frustration d'être en mode « j'y joue un peu de temps en temps ». Je déteste jouer à des jeux un peu de temps en temps. Ça m'insupporte. C'est soit j'y vais pas. Point. Léo, tout le monde se tourne vers moi, attention, on me pointe du doigt, je suis en danger dans le studio, attention, on me pointe du doigt, c'est pas fini, le 2 à 0, c'est vrai qu'il est pas encore arrivé, je les vois peut-être un peu trop... T'as pas un mode simple sur Broken Arrow ? Non, c'est pas fini, mais... Ça plaira pas le mode simple, parce que c'est toujours la même chose. Quand tu pars par exemple sur des modes... Dès que tu... S'il y a un mode compétitif dans un jeu, le chat ne regarde pas le streamer sur un mode qui n'est pas compétitif. Voilà. Moi, je fais deux fois plus de viewers quand je switch de Quick Match à Ranked. C'est aussi simple que ça. Tiens. Donc, c'est toute une... c'est pas facile, hein. C'est pas mal de petits trucs à prendre en considération. Donc, on verra. Quand Broken Arrow, il va y jouer, je vais y jouer pendant un certain temps, quoi. Après, si j'arrive à toujours avoir un niveau qui me suffit en y jouant chaque fin de stream, pourquoi pas. Mais moi, c'est le genre de jeu que j'ai envie de mettre à 100%, quoi. Genre 100%. Les W7M, c'est clair. Oui. Plus sérieusement, on voit... En fait, un V1 contre Mary. Prends un sub, toi. Me semble être tellement en place et surtout tellement bien. Là, il faut lancer le hashtag, faut y aller. Hein. De toute façon, c'est la composition d'équipe qu'il faut. Ah là, j'étais là parce que j'ai mis le hashtag, faut y aller. Peut-être doute un petit peu. Un V1 contre Mary. Prends un sub, toi. Tu te l'as fait payer, c'est pas toi qui l'as payé. Maintenant, KZ, 34 frags sur ce qui est pour l'instant un best of 2. Va-t-il se transformer en best of 3? Ça ne tient qu'au taureau de W7M. 30 secondes de jeu, prise du top, peut-être, pour les Français. Un plan de jeu diamétralement opposé. Et là, il y a quand même 6 à 3, quoi. Il y avait 6-2, 6-2 du coup. Il y a eu une balle de match de sauvé, plus... Là. Il y a 4 balles de match, là. Il y avait 6-2 ou pas? Chez Coach Cheater encore? Non, c'est qu'on a fait le react de la vidéo qui parle de ça. Et justement, en train de prendre l'information sur celui-ci. Il n'y a pas de sub, tu vas faire quoi? On ne comprend pas ce que tu dis, Katem. Tu dois être jeune, hein, ou alors tu dois jouer à FIFA. Du coup, ton français, il pue la merde. Katem, dis-nous tout. Essaye. Moi, parler français, possible ou pas? Ce musée, une flash, deux flashs, ça s'insère, j'y vais, se débarrasse de Deadshot. Raison, toi. Qui va aller prendre JV, mec, tu parles comme Yoda dans... Ça se push, là. La flash, elle était tellement incroyable. Mais KZ derrière. C'est KZ, le poison dans cette défense, qui viendra chercher deux joueurs, 2v3 à les gérer du côté de Bibou. Le tout droit qu'il avait fait là. Moi j'ai cru, hein. J'ai cru qu'il allait faire un tout droit et mettre 5 têtes. La manche, cette fois-ci, il est avec Shinka. Et les deux meilleurs clutchers des Wolves sur l'année 2023. Bibou premier, Shinka troisième mondiaux dans l'exercice. Sont-ils capables de... Quelle est la team préférée? Bah là, c'est les Français, c'est Wolves, donc faut les supporter quand même. Je pense que c'est important.
On va voir à proprement parler, après moi je m'en fous, je suis là pour le beau jeu, tu vois. J'aime le beau jeu sur Rainbow Six. J'aime Rainbow Six. Tant qu'une équipe n'est pas la mienne, alors je suis pas vraiment un... Sauf que sur ADK, il faut avoir l'information et on voit cette caméra, elle est dangereuse. D'autant plus que KZ est là pour aller la chercher et on a ping en plus. Hein, donc ça veut dire que la position elle est compromise pour Shinka. Bibou va devoir eh bien, tenir un petit peu la pression. Non, on va le perdre. Pour la double élimination finale. Ça permettra aux joueurs des KZ, incroyable. Incroyable ce joueur. Français, l'avantage s'est effondré sur bam, ces bam. Encore lui. Et le doublé final de Hertz, donc. Incroyable. Il y avait un triple cross. La deuxième se trouve. Shinka sur une hache. Oui, c'est vrai que c'est pas trop son opératrice de. Tu t'intéresses à Valorant hors stream ? Pas du tout, absolument pas. À CSGO, à la limite, le vrai Valo. Pas à CS2 en l'occurrence. Ouais, je regarde les majors de CS. Ouais. Mais Valo, alors là. On va surtout essayer d'aller pas du tout. Chercher des informations, notamment. Red Arnold, c'était pas mal aussi. Sur, hein. Cette map de Chalet. Attention sur Dekar. Hein. On va avoir peut-être quelques informations, notamment sur le positionnement de Felipox, qui va pouvoir activer d'ailleurs ses mines FNAT. Donc, ce qui veut dire que eh bien, une zone de peur va se déclencher au passage des défenseurs. Pour les Wolves, ce sera sur. Pourquoi pas Valo? Parce que c'est mainstream de tirer sur Valo. Attaquer toujours aussi rapidement, on l'a vu hein, sur les rounds qui sont passés en attaque, c'était encore une fois à tambour battant. Bah toujours G2, Animatoon, hein. Très rapidement, ils sont des favoris. Éviter. G2, FaZe, Wolves. On sait qu'il y a du monde au niveau de cet escalier. On se méfie. Bon, difficile de pas citer BDS, même s'ils sont pas qualifiés à Six Invitational. On va se rapprocher si on arrive à avoir un double mouvement sur son positionnement. Sonix, visiblement, en ce moment. Ça pourrait être intéressant. On n'a pas forcément d'informations sur ce qui se passe au niveau du couloir juste au-dessus, mais il me semble avoir vu que la zone était clear. Des aides aussi, hein, à voir avec Bolo. Qui aura fait les ouvertures nécessaires. On va pouvoir se rapprocher, P4 aussi. Et attention, parce que là, il y a bel et bien du monde. On va essayer de se rapprocher. L'Aquasa Persagma qui va être envoyé. On va pouvoir déloger ce petit monde au niveau du stock. Et les grosses équipes qu'on livre la scène. On décide d'y aller plus méthodiquement. Ah bah ouais, il y en a eu. Bah, comme dans sur chaque jeu. JV92 qui est obligé de se retrancher sur le bon site si on arrive à prendre la Millennium Vitality. En France, pour ne citer que. C'est jackpot, normalement. Mais la verticalité, pour l'instant, on ne l'a pas travaillé. C'est Deadshot qui va essayer d'aller fixer cette première position. Pengu joue toujours. Non, il est créateur de contenu, Pengu, je crois. Du côté de Mowgli, ça décale dans l'escalier. On a compris la position, mais Felipox va tomber sous les balles de Mowgli, qui n'ira pas en prendre un deuxième. Incroyable. C'est Erds qui se débarrasse de Yanis. On continue, on envoie les pré-fire. Mais Erds et l'OHP, Erds et l'OHP, Erds et l'OHP. Il va quand même aller chercher la tête de Shinka, qui avait le désamorceur entre les mains. Mais il y avait un deuxième joueur derrière lui, P4, qui va tenir toujours le closet. Merci Islam. 5 petites secondes, les Français. VVS 10. Nouvel étudiant du campus. Bienvenue Poulain. Qui va de son kill sur P4. On ne s'est toujours pas inséré pour Deadshot. Le pré-fire qui part. Bibou est à ses côtés. J'ai l'impression que ça ne passera pas sur cette 11e manche non plus pour les Français. Le Français et le Suisse en tout cas. Deadshot qui prend des balles. Il peut pas s'en c'est vrai qu'il est Suisse, Deadshot. Ouais, 19 secondes là. Ça commence à devenir compliqué effectivement. Et ça m'étonne de voir cette rupture de rythme hein, dans le jeu des Wolves. On avait mis M80 est pas mal aussi, exploit non. Et cette fois-ci, on essaye de déstuffer, de faire un jeu un peu plus classique. Sauf si que, c'est une blague, elle est très drôle. Hein. Si c'est pas une blague. On va surprendre, -1, -2. Allez, on finit le travail. Bibou qui n'a pas le choix, il faut stick. Sauf que derrière, on va avoir, hein, je pense, la remontée des autres joueurs. Ça va être trop tard, ouais. La tête qui n'aura absolument pas douté cette fois-ci. M80, ils sont nuls à chier. Le travail, ça on en est à peu près sûr quoi, ils se sont fait éliminer du coup du match du Six Invitational. Ça m'étonne de voir ils sont venus ce changement de rythme et ce changement d'intensité quand même. Et ils sont repartis avec leur gros chèque. Hertz, il a été sa tête à cet endroit là et c'est bien de l'autre. Ouais. Ce qu'on avait par le billard, pourquoi pas, pour un bibou. Un tranquille. Ouais, putain. Le 6-2 qui se transforme en 6-5. WCTM qui a été. Première map win pour Sonic. Oh très merde. Sur cette 11ème manche. Six entre nous, t'es meilleur que tous, non de eux là mise sous oui. De la défense non plus par les Français. Je l'ai en V10 là. On voit souvent des équipes s'insérer sur l'Orium, essayer de prendre le contrôle. Ils sont bien mignons, les petits jeunes et tout, mais bon, ils ont un level de caquette.
C'est peut-être justement pour ça qu'on veut reposer un petit peu le jeu du côté de P4. Deux bombes logiques entre les mains, la chasse au roamer peut-être qui va s'officier sur le terrain. J'y vais face à Deadshot. Et Deadshot qui attrape la tête au drop de la trappe. On a joué avec le feu, on vient de se brûler pour JV 92. Ouais, ça fait du bien. Attention, hein, Felipox avec la Hilda, il est dangereux aussi. On va avoir pas mal d'informations à prendre avec les drones sur les décals. Googly pour aller chercher Casey. Allez. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, on va essayer de se rapprocher. On va essayer surtout d'aller continuer un peu dans cette lancée. Attention, deux minutes au timer. Ce round. Bien continuer sur regardez le nombre de personnes. 6 à 5. Balle de match. Voilà. Hertz qui le sait, son positionnement va peut-être être compromis. 3v5. Informations et ça va tomber. 2v5. C'est bon. C'est fait. Les Wongs pour aller chercher la victoire. Attention, c'est pas fini pour autant. Nade et Felipox ont laissé dangereux. Nade pour aller chercher le fight face à Mowgli. Est-ce qu'on va réussir à les retrouver? Peut-être un petit peu de lion. On va avoir de l'information. Nade, la domination va guider. 2 versus 3 maintenant. On va essayer de se rapprocher. Et on est en train de reconverger au niveau du bombsite. 1 minute 30. On a les bons timings en tête pour les joueurs W7M. Est-ce qu'on va peut-être reprendre un peu d'informations? Cette verticalité, elle est travaillée. Il faut faire les choses dans l'ordre pour les joueurs des Wolves et surtout ne pas délaisser le plan de jeu. On le voit, P4 qui attend l'insertion, 1 minute 20. On va avoir surtout quelques verticalités et des stuffing à aller chercher, d'où l'utilisation du RCE Ratero. On se mettra à cover et on se mettra surtout en situation de pouvoir attaquer et de lancer cette phase de... C'est qu'ils pensaient qu'ils étaient dans le gaming, ils avaient aucune idée que les mecs étaient sur site. C'est ce qui me fait un petit peu peur dans les repositionnements de Felipox, de Nade. On n'a aucune information sur les repositionnements des adversaires. On est obligé d'envoyer les ratéros pour aller prendre de l'information et c'est ça qui est un petit peu dramatique. Vous le voyez à droite de votre écran, un seul drone, on l'imagine. Shotgun de quoi. Shinka, un aide qui se repositionne au niveau. Shotgun, shotgun. Il va falloir s'offrir un 2v1 dans une. Oh my god. Tout simplement. Pour les Français, Shotgun CZ. C'est pas forcément facile à faire. On va envoyer Deadshot avec un nouveau ratéro. Le ratéro ne sera pas détruit par Nade pour le moment. Ça va faire avancer sa position, pourquoi pas, au niveau de ce bleu. Le Brésilien qui reste extrêmement agressif à 20 secondes de la fin. On n'a pas les clés en main pour aller remporter la manche. Un Volcan qui vient de détonner au niveau du bon site. On est en train d'envoyer tout le stuff côté brésilien. Ça va être extrêmement chaud pour les Français d'aller planter ce désamorceur. Est-ce qu'il y a une opportunité, une fenêtre de tir? Non, on ne l'aura pas. Felipox en prend un, Felipox en prend deux, Felipox en prend trois et nous envoie en overtime. Des Brésiliens agressifs qui jouent crânement leur chance sur la contre-information. Celle-là, elle a fait mal. C'est en 2v5. Ah là, la Elda, c'est tellement rude. C'est 4 questions, on le voit, de relâcher la pression trop tôt des W7 à se défaire de deux adversaires d'un coup. Et oh là là, cette tête avec cette arme de merde en plus. Dans ces quartiers et on a une lecture de jeu et surtout. On a tellement bien réussi à gérer cette pression, du coup, très très dur. Le 2v5 était incroyable quand même. Sacré flash. Ouais, je pensais que la flash était un peu foirée. Et en fait, on entend un Wamai. J'ai pas regardé exactement où était le Wamai, mais étant donné qu'il y avait la position du... Je sais pas. Ça m'étonnerait que le Wamai était sous la caméra quand même. Après, c'est compliqué. Hein. Franchement, t'as envie de balancer du stuff. T'as envie de. Voilà quoi. Je sais pas. Je sais pas si c'est. Ou alors c'est un Wamai qui était derrière l'étagère qui pète dans la gueule. Qui fait péter la flash dans la gueule. En tout cas, il y a clairement un Wamai qui est activé. Est-ce que ça a un rapport avec la flash ou pas? Mais oui, j'avais vu ça dans le chat, des gens qui mettaient « Oui, la flash, elle est ratée. » Ça se trouve, elle ne l'était pas, en fait. Est-ce que c'était une bonne idée qu'il rentre au même endroit? C'est toujours trop facile de... Ils n'avaient pas l'information, ils ne savaient pas vraiment où pusher. Donc du coup, ils se disent « Où est-ce qu'ils sont ?» on essaie de freeze parce que on n'a pas envie de se donner. On vient de perdre très rapidement deux personnes. Les gars, stop, on freeze. Le problème, c'est que quand tu freezes, tu perds la dynamique du truc. Tu es toujours dans un jeu avec une énorme asymétrie. Ou si les deux mecs sont sur le site, des défenseurs bien en place, ils peuvent arrêter 10 attaquants en fait. Hein. Là, ils auraient été 3 ou 6 ou 12. Bon, j'abuse un peu, mais à pusher dans les SCA main avec un Goyo qui est en train de brûler une flash dans la gueule, bon. Ça va pas changer énormément de choses, quoi. Donc, ils essaient de se dire, plutôt que d'être des débiles hein, et d'y aller dans une logique de groupe, on est trois, faisons trois groupes de un
ils se disent venons, bouchons au même endroit et jouons sur la revenge. En particulier, s'ils prennent l'information puisqu'il y a un mec qui est dans le blue, ils se disent l'autre doit être très probablement soit sur le site puisqu'on a joué sur la verticalité, soit au niveau, soit sur l'autre site, donc au niveau de la cave à vin, soit au niveau du closet. Donc c'est assez facile de se dire je descends dans l'escalier, tu plantes en face contre le, tu plantes en face de moi, donc contre l'étagère, position assez classique de plantage. Je flash au niveau du blue pour éviter que le mec blue qu'on ait vu puisse tenter n'importe quel décal. Et le fait de flasher en face de moi au niveau du blue me permet d'ouvrir ma ligne pour venir enculer le mec qui va vouloir te tuer très probablement au niveau du en faisant une décale, soit au niveau du trou de rotation, soit au niveau du connecteur. Donc je flash en face, j'ouvre ma ligne, je regarde à droite. La flash, elle prend, il la prend en pleine gueule. Ils ont les goyots dans les pieds. Ils n'avaient pas forcément vu qu'il y avait non pas un goyot, mais deux goyots. Ça change un peu la donne. Et au final, bah voilà quoi. Donc c'est trop facile. Quand tu vois trois totos qui poussent au même endroit en te disant « Putain, la vache, les mecs sont vraiment débiles. » Bon, c'est aussi trois mecs au final qui ont bien joué par rapport aux informations qui leur restaient et par rapport au temps qui leur restait de jouer dans une logique de revenge. Parce que s'ils étaient allés à trois endroits différents, on aurait dit pourquoi ils poussent pas ensemble. Les quatre avaient l'idée. Le Capitao revient dans la partie. Côté Shinka, on a l'information. Sur un passage au niveau de. Pourquoi le roster BDS a complètement changé ? Je sais pas, poulet. Il n'y a pas d'information officielle. Moi, je sais rien. Avec sa Twitch DMR depuis. Je sais pas. Est-ce qu'il a changé ? Pour moi, il a pas changé. Officiellement, il est toujours le même, tu vois. Pourquoi pas ? Le Prefire et le gadget qui doit être dans la bibliothèque, ça pose une problématique. Deadshot qui, de son côté, est en train de droner. Du coup, une balle de match sur Oregon sauvée. Et là, 4 balles de match, ça fait 5. C'est la volonté. On avait eu quelque chose de très frontal tout à l'heure. Eh bien, ça ne passera pas. Mowgli, tout seul. On joue pas ensemble du côté des loups. Et Hertz qui réagresse, Casey qui se débarrasse de Deadshot, ça tombe, c'est l'hécatombe. Tout simplement côté français, ce round il est poubelle et il va falloir aller en chercher une défense et balle de map derrière pour aller chercher la map. Incroyable. Ouais, ça s'est complètement interverti. Méconnaissable hein, les Wolves là sur ce round. C'est vrai pour le. Belle dynamique. Trois fois joué, trois fois compliqué. Sur ce bon site pour les Français. Putain, la clash, c'est vraiment drôle. Deadshot au roaming avec Mowgli, on peut l'imaginer. C'est ce qui avait officié. Il n'y a pas eu de balle de match sur Oregon. Ils ont conclu direct, je pense. Bah, ils ont sauvé une balle de map, quoi. En situation de 3v5 pour les W7M. Ils ont sauvé une balle de map, W7M. En nous faisant un plan de jeu, somme toute classique. Hein, une prise du top par la double porte cheminée. Il y avait un truc genre. Oh, je sais plus. Hein. Vraiment, mais ils sauvent une balle de map. Travail de la verticalité avec la. La rame, l'ouverture est faite au niveau du T1, P4 prend l'information directement visuelle, Bibou est sur le Warden. Normalement, il y a ce qu'il faut autour du bon site. On se prépare. On se prépare, on le voit du côté de Hertz avec l'IEM. On va essayer d'aller se frayer un chemin et d'aller avancer rapidement sur le positionnement des défenseurs. Allez les Wolves, c'est maintenant qu'il faut aller chercher les kills qui comptent. Et se repropulser, se relancer dans le match. 5 versus 5. On va surtout regarder hein, le positionnement Nain et de Felipox pour voir comment est-ce qu'ils vont faire pour peut-être donner de l'avantage et essayer de faire avancer la situation. On le voit, la clash qui est en place aussi, qui va essayer de ralentir la progression des joueurs. Et voilà, Mowgli pour aller chercher la tête de Casey, c'est très bon. P4 qui prendra quand même de lourds dégâts. Mowgli qui finira par tomber. Allez, c'est un prêté pour un rendu 4 versus 4. On va essayer de se chercher de la décale. Et le ping rouge, il est là. On voit le canon qui dépasse. Felipox qui va avoir une contre-ligne. Sauf que dans cette situation, ça va être compliqué parce que, eh bien, Hertz réussit d'avancer au niveau de la cave à 20. Le C4 qui détonnera trop rapidement. Hertz qui ne sombrera pas. Nate pour aller chercher quelques dégâts. Oh, ce C4, pardon, de Shinka. Il faut y aller. Il faut y aller. Domination validée pour Shinka. C'est pas fini pour autant. 40 petites secondes. Le deuxième morceau est planté. On va essayer de prendre l'avantage. Bibou pour aller faire tomber la tête de JV92. Ouais. Ils sont bien lancés cette fois-ci. Le DBNO qui sera donc cherché. On va récupérer Deadshot. Les pings rouges qui pop de partout. Nade. Et là, il y a quand même un truc qui va se passer dans le chat. Hein. Le pré-fire, sauf que son positionnement est compromis. Ça, je l'ai vu en live.
GG. Versus 2, on perd Bibou dans l'équation. 21 secondes maintenant, il faut aller s'occuper du désamorceur sur la décale. On n'est pas dû pas aller sur la décale, on a un contact. Triple élimination de Shinka qui va aller chercher l'élimination ultime. On va aller jusqu'au bout du bout de Chalet. Il sort d'où là? Il sort d'où ce GG? C'est un fou, Erd. C'est un fou, lui. Faut l'enterrer. Waouh. Je sais pas s'il l'a fait exprès, j'aimerais bien savoir quel est le mindset derrière. Est-ce que c'est du troll ou il s'est gouré en fait? Et il pensait que c'était gagné. De passage W7M, t'es pas l'antagoniste principal, frérot. Allez, 7 partout, la manche décisive, peut-être pour les Wolves. Le jeu, à peu près, tout est aussi fait défaut, faut trouver l'angle. Et ça, c'est une bonne 3 fois qui fait faire sombrer. C'est un KZ qui avait fait la manche tout à l'heure qui avait fait mal au loup. Il faut réussir à le museler, ça dépend si on va venir au niveau du solarium, est-ce qu'on va venir plutôt jouer au niveau du T1 en prenant la librairie d'assaut. Il y a plusieurs possibilités. On va voir comment les loups vont l'aborder. Le mental, c'est maintenant. Les 3 minutes qui arrivent sont extrêmement importantes pour la suite de la compétition. 3 minutes pour faire la différence et 3 minutes pour avancer dans ce upper bracket du Six Invitational 2024 avec un C4 du côté de Felipox avec une composition intéressante pour les joueurs Wolves, la Brava notamment de Mowgli avec la para. On va se retrouver avec évidemment le Buck hein, qui fait partie intégrante de toutes les compositions désormais. Et pourquoi pas avec le Flores pour aller reprendre de l'information et reprendre du stuff du côté des Wolves. On le sait, si cette Brava, si le clutch drone de Brava réussit à aller hacker un Evil Eye, et bah c'est GG. On va pouvoir et bien continuer sur de la bonne prise d'information. Le premier qui va tomber. Oh le Wallach qui s'insinue, on a des informations à se mettre sous la dent. Est-ce qu'on va réussir à aller mettre de la pression? Est-ce qu'on va réussir à aller avancer 2 petites minutes maintenant? On va essayer de se repartir. On a l'info. Pourquoi? Non. Felipox qui en prend. Ah oui, allez, vas-y, c'est pas fini. Mowgli pour aller chercher Felipox. On se prend les pieds dans le tapis. Moi j'étais pareil que Swish là tout à l'heure. J'étais en apnée chaque round. Agressif sur son bleu. Et c'est l'homme à abattre. Ouais, franchement Casey était le 22 frags sur la première carte. On en est à 17. Indépendamment de la défaite, il est un peu le MVP quand même du match, c'est. Mais bon, comme quoi, une équipe, c'est plus fort que... Une bonne équipe vaut mieux qu'un très bon joueur. Potentiel. Des Français, on a un joueur encordé, on est en train de reprendre l'info. 6 drones encore sur le terrain côté français. Et on est en train de travailler avec le Buck par en dessous. On est en train de fixer la position du Maestro qui est passé sur l'autre bomb site. Le site est quasiment totalement libre. Qu'est-ce qu'on a en termes de stuff du côté de la défense? Pas grand-chose pour empêcher une exécution. Si on vient prendre le jacuzzi, si on vient prendre le contrôle au niveau de la fenêtre, on va boucler le bomb site. On va peut-être avoir un joueur qui va jouer au niveau du closet. Le duel est important pour P4, mais il ne le gagne pas. On est en train de s'insérer au niveau de ce solarium. Il y a un joueur au niveau du jacuzzi. On va aller essayer de le secouer. P4 va finir au sol sous les balles de Casey. Le coup de fusil à pompe qui ne passera pas. On s'est couché. JV est au sol. C'est un 3v3. Sur le terrain, un joueur qui régresse au niveau du piano. On n'a pas la coupe au niveau de la grande fenêtre. Du côté des Français, Mowgli qui va aller terminer le travail sur la Frost. Est-ce qu'on peut aller planter? On va s'offrir la rotation avec le fusil à pompe. C'est Erd qui est en première ligne. Erd qui va aligner, mais n'arrivera pas à trouver de tête avec son UMP. On envoie une grenade du côté... Oh, la sortie, elle est tentée, elle ne passera pas, on est en train de planter, côté Shinka, on est en train de planter, il n'y a aucun stuff. Allez Shinka, tu peux aller le faire. Non, ça ne passera pas. Mowgli n'est pas là pour la revenge. Casey va tomber au sol en dessous, c'est un 2v2. Avant seconde de la fin. Oh Mowgli, il y a un move à faire, il y a un joueur à sa gauche, il y a un joueur à sa droite. Non, pas face à Nade, pas comme ça. Les Wolves n'arriveront pas à aller chercher ce match comme ça. Ça fait un partout. C'était incroyable ce match quand même. Sortent. Les loups de la tanière et les éjectent pour le moment le chalet. Et le mec à la prod qui met cette musique. Oh. J'ai pas les mots, je comprends pas. On était tellement bien lancé dans son match, on avait... C'était quand même pas parfait le passage sur la chaise avec... J'ai pas les mots, je comprends pas. Faudrait le faire en mime celui-là. Il est quand même incroyable. Côté des Français. Que le style de jeu on est la situation du côté des W7M. Il s'est passé beaucoup de choses sur ces quelques rounds et ça fait du mal, ça fait beaucoup de mal puisqu'on va partir sur un clubhouse sur le Decider, mais cette map de chalet, on y a cru jusqu'au bout. J'y ai cru le premier d'ailleurs et pour moi ça partait. T'imagines, tu viens de perdre et on te met ça dans les oreilles. Et pourtant,
Ils ont douté et ils n'ont pas réussi à aller chercher la fin de map. Et bah écoutez, mesdames et messieurs, vraiment navré parce que pour le coup, je la voyais. Je pense que le style de jeu arboré et surtout la façon dont ils... J'arrive, je vais aux toilettes. Mais le temps du... Comme ça, j'avancerai en deux secondes. Ils avaient fait le travail. Ils avaient fait je vais aux toilettes, je prends une banane et j'arrive. Ouais, mais un match n'est jamais terminé tant qu'il n'est pas terminé. Et ouais, ça, on l'a appris, hein, Julien, si tu nous regardes. Avec toi, c'est terrible, il va falloir batailler sur un clubhouse d'ici quelques minutes. Mais quel match, quel kiff quand même sur Rainbow Six là. Oh, c'est rien de le dire. Honnêtement, si on oublie un petit peu le côté chevin de... voilà. Quel match on est en train de suivre. En tout cas, on va voir avec les analystes ce qu'ils ont à en dire. On vous renvoie vers le desk. Merci, merci Switch, merci Léo pour ce cast. Bon, bah, messieurs, forcément un petit peu de frustration, mais comme disait Switch, on a quand même vécu une carte... incroyable, forte en rebondissement, Fufu. Je disais de la frustration, des regrets aussi. On mène 6-3 pour les Français. Il y a ce round du 5v2. On avait quasiment tout fait sur ce chalet pour aller conclure. Et il a manqué ce petit quelque chose. À ce moment où on laisse passer 5 secondes, effectivement, d'inattention. Et il y a cette remontée de Nate qui fait tout de ce round-là. C'est terrible parce qu'on avait... C'est le round de la bascule, hein, clairement. On avait tout bien fait depuis le début de ce chalet. On s'était montré décisif en attaque. On avait été costaud en défense. 3 balles de match. Et il y a ce 5v2 qui change un petit peu tout. Je pensais même que l'overtime allait passer largement à la faveur des Brésiliens. Il y a eu cette reprise sur cette défense basement qui finalement se passe bien. Et c'est bon, ce dernier round qui est... un peu malheureux, il se joue à pas grand chose évidemment, peut-être qu'on peut tenter la plante jusqu'au bout du côté de Shinka, il choisit de la lâcher parce que la couverture n'est peut-être pas forcément du bon côté. On a... Je vois pas. Et l'avantage, tu le disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont gagné le coin flip pour la troisième carte et les débutants en défense sur club. J'ai pas compris pourquoi il a planté à la fin alors qu'il avait un move à faire. Casser la dynamique parce qu'il savait pas où étaient les joueurs. Il pensait qu'il y avait un mec qui était au contact à droite, mais il savait pas que l'autre était en face. Avec un petit fuse du côté de Nade. Intéressant. Allez, avant que ça commence vraiment, les chauffourés dans le chat, vous balancez. C'est facile, hein, tu sais, quand tu connais la position des joueurs. Et vous balancez toutes les émotes que vous avez pour supporter les Français et la baguette. C'est maintenant que vous nous affichez un mur jaune dans le chat. On est parti, donc, comme tu le disais, de jouer sur Clubhouse. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Faut pas jouer non plus trop timoré. Faut quand même rester un petit peu agressif. On peut pas avoir des loups qui vont juste essayer de laisser passer l'orage qui vient de s'abattre sur leur tête. Yo, je pense que c'est pas non plus la bonne solution. Non. Une minute de jeu, on a déjà sécurisé les deux étages supérieurs côté W7M. J'espère vraiment que cette première manche... N'empêche, au-delà de la remportée, au mental, là, hein. Ils vont pas au mental à la mi-temps, avant le changement, avant la troisième map, je me suis dit c'est impossible que Wolf y gagne quand même la troisième. T'imagines ? Il y a un truc genre 6-2, 6-3, tu te fais remonter, il y a un overtime, 7-7, et au final pour perdre 8-7. C'est assez dingue quand même. C'est assez dingue. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Là, tu sentais l'équipe qui n'avait pas juste la capacité d'avoir ce dernier truc, là. Le fait de mettre à mort l'équipe en face au moment le plus... ce truc que seules quelques grandes équipes, et pas tout le temps en plus, ont, quoi. Comme G2, par exemple, qui ont la possibilité de se dire, j'ai l'opportunité, j'ai une balle de match, je la prends. Terminé. Est-ce que c'est parce que, indépendamment de chaque... ils arrivent à gérer chaque round indépendamment de l'issue du round, ou en tout cas du résultat? C'est possible, tu vois. Mais je pensais vraiment que Wolf n'y arriverait pas. Quand j'ai vu la deuxième carte, j'ai fait... Vas-y. Ils vont pas réussir. La troisième, derrière... après, la résilience nécessaire pour arriver à oublier ce qui vient de se passer et de pas du tout... à un seul moment, commencer ta troisième map en te disant un truc du genre d'avoir le début du commencement d'un regret en te disant putain, merde, la deuxième, si, ah, la deuxième map, ah, machin. D'arriver à faire preuve d'une résilience absolue, d'oublier ce qui vient de se passer et de se focaliser sur la game. En sachant qu'en face, les mecs, eux, ils ont le momentum qui va comme as, quoi. Eux, ils viennent de sauver des balles de match. Ils ont l'impression que, indépendamment du fait qu'ils jouent contre une équipe qui est très bonne, ils ont presque une logique un peu d'invincibilité, quoi. Et de se dire, ok, on aborde la troisième map vraiment avec sur une belle note, pour le coup.
je me suis dit, c'est impossible qu'il fasse quelque chose. Enfin, c'est pas impossible, mais j'y croyais pas, quoi. Je me suis dit, putain, mentalement, et... comme quoi, j'avais tout fou. Ouais, alors qu'intéressant, hein, l'utilisation... Parce que, j'ai fait... Il y a une vidéo sur YouTube, Presse Big, hein, sur l'histoire de Checo, et qui parlait du ban de Checo. Et on a react sur cette vidéo. Merci infiniment, Tom Tom, nouvel étudiant. Xumaxder, nouvel étudiant. Vous êtes des monstres, les amis, vraiment. Je viens de le remarquer ici, ce qui va permettre très facile. Ouais, c'est Naïd. Ouais. En premier mort, on l'a. Allez, Erz qui se débarrasse de Deadshot. On est en train de subir la pression, effectivement, du côté des Français. Mais Bibou qui répond avec un C4. JV92 qui va aller faire tomber Shinkai. Il ne reste plus que 30 petites secondes. P4 pour aller chercher Philippe Ox. Il y a un joueur au niveau de la Dirty. Un joueur surtout inséré sur le bon site. Les Rushkawan qui vont. Activé sur le bon site. On est en train de pousser sur la position de Bibou et on va le faire tomber. Il ne reste donc plus que P4. Deux impacts. Merci Dr. Lywans Lorenz. Nouvel étudiant du campus, bienvenue les poulains. Sera récupéré par Casey. 1-0 pour les W7M sur cette première attaque. Cette fuse. Attention à ne pas subir du côté des Français. Bah, le fait finalement de ne pas avoir joué de roaming, on a été... Et le pire dans tout ça, c'est que non seulement ils ont eu le mental, mais le niveau de jeu était incroyable. Quoi. Les plantages de bombes, moi, ça me fait bander. Qui arrive à faire la différence. Et on a totalement surpris, c'est... tenté d'aller... On est parti au niveau de la... What the fuck, c'est quoi cette merde en bas là ? On change tout de suite de BP d'ailleurs, du côté des Français. On est parti au niveau de la gym cette fois-ci. Ouais, c'est la première fois que je vois une réparation de position d'écran, un coup de gaffeur, Fio. Et surtout que ça m'a surpris parce que j'ai rien touché, je l'ai vu descendre. Non, mais en fait, si vous voulez... Un face G2 Waouh. Posé sur la table, il y a une barre qui tient les écrans et la barre qui tient les écrans a cédé. Et du coup, à coup de gaffeur, la barre ne cède plus. Et diaporama proposé par... Et... peuvent être extrêmement... Si on sait celui de l'adversaire, pour voir une belle attaque collective qui a été menée. Ah, alors qu'on a Felipox joué de la verticalité. Intéressant pour aller déloger le stock. Un Wall Sonics aussi. Hein. Deadshot, qui c'est vrai là, en fait, Felipox. Putain, la vache, la deuxième game, elle était incroyable. Ouais, Deadshot qui va mettre deux grosses balles sur Casey en face. Laisser environ un 30 HP. Felipox qui va en faire tomber un. J'y vais le deuxième. 5v3 à l'avantage des W7M Erz. Qui va se faire récupérer dans le repositionnement d'un... Les W7 merde. Toujours agressif. Wow. Au niveau du bomb site, il y a toujours un... Attends, toujours agressif, c'est enculé. Putain, enculé. Quoi ? Swish, c'est trop. W7 merde. Qui va se faire récupérer dans le repositionnement d'un Mowgli. Toujours agressif, ça va reculer. Ah. Au niveau du bomb site, il y a toujours un Volcan du côté de la défense. Felipox qui tient la verticalité. Il n'y aura pas Bibou, il est chez Walsh depuis quand ? J'ai pas suivi. En dessous, 1997 au moins, ça fait longtemps quand même. Hein. Il y a un C4 entre les mains. Ça fait quelques temps quand même. On a vu P4, me semble-t-il, mais on n'a pas vu Shinka. Il est au niveau de l'office, je crois. Ouais, il y a moyen. Ouais, non, je le vois en haut à droite. Il ouais, dans le closet, c'est comme ça. À son habitude. À jouer de la SMG et puis utiliser le C4 si besoin. Mais non, Sonix 1-0 Wolf. Ah ouais, je me disais, putain, la vache, la deuxième round c'était que des sprints ou quoi ? Ou tu vois, la deuxième map ? Ok, Sonix 1-0 Wolf, mais 1-1 sur les rounds. Ah ok. Alors que FaZe G2, 1-1 en termes de map, on est d'accord ? Non ? Oui ? Des positions très intéressantes. Ah, c'est bon, on a entendu. Obligé de fuir et c'est parti pour l'envoi de carreaux fumigènes. P4 effectivement qui arrive à éliminer Casey. Ce qui peut faire la différence pour ces 35 dernières secondes. Attention au retour de P4 qui peut faire P4. La différence. Oh oui, P4, la bonne idée. P4, la bonne idée. P4 qui va aller faire sombrer. JV92 au niveau de cette fenêtre. Et l'époque qui remonte au niveau du main qui n'a rien eu à se mettre sous la dent pendant de longues minutes. Et qui va devoir clutcher un 3 mais Mowgli swing à gauche, swing à droite. Et vient terminer sur le Brésilien pour remettre l'équilibre numérique. Notre Mowgli sans la transmettre et c'est ça qu'il regrette un petit peu. Bon, P4 nous fait un double move par contre exceptionnel et une partie de la manche est pour lui même si Mowgli vient prendre le doublé final. En fait il prend les deux à gauche, il swing pas à droite, il swing pas à gauche, il swing à gauche et à gauche encore. Comme ça qu'on le jouait avant l'utilisation, remise en... d'utilisation.
l'équipe adverse était déstabilisée, qu'on venait presser. Ça pue pour Wolves. Ça, c'est intéressant. Il y a 1-1, les gars. Pourquoi ça pue ? L'objectif pour Mowgli, c'est tout simplement d'aller le chercher, ce buck, hein, d'envoyer quelqu'un. Aller le récupérer. Il a des chairs dans Wolf, le commentateur. C'est normal, c'est la seule équipe française. C'est un peu normal que les gens soient chauvins. Bon, en l'occurrence, oui, c'est créateur de contenu pour Wolves, donc c'est sûr que ça n'aide pas à l'objectivité. Mais bon, personne n'a envie qu'on soit objectif, quoi. En face, ils sont pas objectifs, les Brésiliens. Alors qu'on est parti pour le moment sur l'utilisation du garage, en essayant d'aller déloger ce qui se trouve au niveau de la passerelle, et sans Capitao, donc ça va se jouer au duel. Ils perdent et son défense café. Ouais, mais les attaques de Wolf étaient impressionnantes, donc... On aura quand même le revenge du côté de Chinka. Mais on va pas vraiment pouvoir aller relever Bibou dans sa position, c'est trop compliqué là où il est. Mowgli est obligé d'être agressif, il y a un drone, deux drones qui sont en train de monter la passerelle. On va essayer peut-être de s'en débarrasser et de reprendre la passerelle sous contrôle. Ça c'est intéressant ce qui est en train de réaliser Mowgli, mais c'est à double tranchant. On se remet au niveau de la porte de chaque côté, Bibou a été relevé. On sauve les meubles quand même. C'est bien de reprendre les trucs comme ça, quel niveau de jeu quand même. Très vite. Ah, et d'aller reprendre le catwalk et de pas être dans une logique toujours reculée. En plus, hein, qui va pouvoir avec le Tavchenka. La verticalité bien jouée du côté de Hertz qui empêche Bibou de poursuivre son bandit trick. On pourra donc continuer d'ouvrir, hein, du côté de Nade avec la Selma. Il lui en reste plus qu'une, hein, d'ailleurs, donc ce sera pas non plus quelque chose de fantastique sur l'ouverture. Alors que Mowgli est toujours l'homme clé, hein, pour l'instant de la passerelle tant qu'il ne sera pas délogé. L'attaque des double systèmes risque d'être compromise. Allez, on est en train de s'organiser pour aller le chercher, mais on manque clairement de stuff. Plus qu'une seule flash dans les poches de Herz. Mowgli, vraiment sur un fauteuil pour aller les chercher. Ouais, Mowgli fait du bien parce qu'il fixe un petit peu la position. Mais à partir du moment où il va tomber, on voit que toutes les autres positions sont bouclées de la part des W7M. Ce sera une bridge où on pourra volt du côté de Nade. Il se trouve là avec le désamorceur à 50 secondes de la fin, ça veut dire qu'on va avoir un gros travail à faire et le garage vient de tomber. Casey se débarrasse de Mowgli, Deadshot qui n'arrive pas à ajuster sur le joueur qui montait depuis le lounge et ça subit de la pression. Oh, pourquoi pas. Le repositionnement de Deadshot est intéressant, on arrive au niveau de la fenêtre de la construction, non de celle de la Master et l'étau va se resserrer sur les deux Français. Oh oui, Shinka, la bonne idée. Oh oui, la bonne idée, Shinka, la bonne idée, Shinka. Une fois, deux fois, ça passe pas. Ça passera la troisième. 1v4 transformé en 1v3 de la part de Shinka. Ça ne passera pas non plus sur Ernst qui a fini. C'est ouf, hein, parce que ça jouait vraiment bien des deux côtés quand même. Hein. Ah, cette position initiale qui... Ça y est, elle est droit. Non, c'est la VOD. On relève à tout prix, qui finalement tombe parce qu'il n'a que 20 points de vie. C'est un enchaînement de petits détails qui, à la fin, coûte cher. Ouais, c'est dommage. On avait peut-être. Et n'oubliez pas, les amis, si vous aimez Rainbow Six, l'argent que vous voyez, le coffre, point d'exclamation coffre, c'est l'argent qui part là-dedans, en haut de l'écran, là. C'est l'argent qui part pour le cash price de la première LAN que j'organise, à savoir l'Hexagone 6 qui aura lieu les 2 et 3 mars à Paris, et pour lequel, si vous êtes dispo, eh bien, il reste des places, 2 et 3 mars à Paris, point d'exclamation spec, si vous voulez venir en tribune. Et point d'exclamation coffre si vous avez envie de participer, parce que c'est le cash price. 100% de cette thune-là sera utilisée pour payer les joueurs. Et encore une fois, hein, c'est un effort collectif, hein, qui a été effectué ici. C'est parce qu'on a attaqué ensemble qu'on a réussi à... Et merci à Oli, du coup, qui nous file un coup de main pour ça. Même si c'est vert sur fond vert. Tout simplement bien rentré sur la case. Buvez. Et en train de corriger les petites erreurs. Du point d'exclamation H-O-L-Y. Est-ce que Club est toujours la map la plus défensive du Six? C'est peut-être passé derrière Sky. C'était Oregon. Ah, de ce Six. Ah oui. Phase Bliss, ou quasiment toutes les attaques sont passées. Je pense que les statistiques ont dû faire en sorte que la carte soit beaucoup plus équilibrée. Ouais. Tachanka, maintenant, ça se joue un peu comme une hache pour l'arme. Hein, Tachanka ? Non, bah t'es ouf ou quoi ? Son gadget, il est incroyable. Hein. La capacité de deny, maintenant, il balance du feu. De toute façon, P4 l'avait dit. C'est une espèce de... C'est une espèce de Capitao, Goyo... Oh, ça peut être intéressant. Le push, oui ! Bah oui ! Jouez ça. Oh oui, non. Ah, non, faut arrêter maintenant. Oui. Bon. On leur a mis la pression, on leur a fait peur, on leur a fait perdre de précieuses secondes. On part descendre au niveau du rouge.
C'est exactement ce qu'ils n'avaient pas fait lors de la première manche. Et les pros sont autorisés à la LAN. Là, le plus ouais. Bah, il y en a deux. Il y a deux joueurs. Enfin, il y a pas de pro à la LAN. Il y a deux joueurs un peu bons. Il y en a un qui s'appelle Sheiko. L'autre qui s'appelle Likefak. Je sais pas si vous connaissez sur Rainbow Six. Ça va. Du côté des ils sont pas mauvais, hein. C'est des jeunes talents, disons. L'Aibana, et on sait, hein, pour l'ouverture des trappes, elle est extrêmement intéressante. On pourra maintenant se servir seulement du Capitao avec Nate, donc il faudra faire un choix. Il n'y aura sûrement pas d'attaque au niveau de l'église, hein. On ne pourra pas détruire les trappes et s'occuper du mur derrière, donc c'est plutôt intéressant. Finalement, on va peut-être se rétracter comme tout à l'heure, hein, sur un push Blood Dirt, sauf que cette fois-ci, il n'y aura pas d'effet de surprise. Ah oui, quand même. Ouais, il y aura du niveau. Et il y a la Team Valor. La Team Valor, c'est un peu la troisième équipe. Ah, je sais pas si je puis dire ça, mais c'est un peu la troisième équipe en ce moment dans notre championnat. Si on faisait un peu un ranking mode tennis, tu vois, si on faisait un ranking à l'heure actuelle en mode exactement comme le classement ATP au tennis, je pense qu'avec avec les victoires de Wolves et la non-participation de BDS au Six Invitational, bon, ça sert à rien comme classement. Mais bon, Wolves peut-être passe pour la première fois premier au final, hein, des meilleures équipes Rainbow Six francophones. BDS serait deuxième et la troisième, du coup, parce que c'était là que je voulais en venir. Ce serait Team Valor qui défonce un peu tout, quoi. En tout cas, qui domine le sub-top, clairement. Après, il y en a d'autres. Hein. Il peut y avoir qui arrivent assez rapidement. Il peut y avoir MYD, par exemple, ou d'autres que j'oublie. Ça va être compliqué pour eux. Hein. C'est serré en termes de timing du côté des WCT. Et mis à part Wolves qui ne sera pas à l'Hexagone, les autres y sont en revanche. La dirt n'est pas ouverte, en tout cas pour Team Valor et. Et certains joueurs de BDS. Du stuff sur la verticalité, t'es obligé de faire des choix et des choix forts. On a décidé de barricader au niveau de la dirt en se disant ok, bon, on est conscient qu'à la dernière seconde ça peut venir nous pousser par là. J'ai l'impression que ce ne sera pas le cas pour le moment du côté des WCT, mais de toute façon là aussi c'est un choix. Et le choix c'est de faire tomber Shinka. Depuis la ligne top escalier bleu, le premier joueur français à tomber qu'on va pouvoir aller relever. On est en train de mettre de la pression au niveau du mémorial. Oh, Casey. Il se fait récupérer par un Mowgli. On check les pieds au milieu du couloir. Qu'est-ce qu'on fait? JV92 qui va quand même aller chercher Mowgli. Felipox qui s'insère, mais son contact se trouvait Bibou. 20 secondes. Bibou qui continue à mettre de la pression. C'est Nate qui va aller le chercher. 2v2. Le FNAT donne l'information sur la position au niveau de la moto. Shinka est au contact. Oh, mais non, deadshot qui va aller chercher la tête de Shinka. Ah, j'avais pas vu ça. Tête, le corps à 6 secondes de la fin. On est en train de planter derrière le bar. Le travers qui va partir. On n'a plus le choix. Il faut stick. C'est bon, ça va le faire. Allez, Jimmy va pouvoir y aller. Tout simplement, ça à 2 secondes faire. De la fin, chercher JV92 en face de lui. Oh, c'est tendu. On se fait peur aussi du côté de... C'est le deadshot, j'ai l'impression qu'il a jamais de... Il n'y a jamais d'émotion. C'est comme des Renshiro ou des Sheiko, les gars, ils joueraient les finales du Six. Ils sont moins stressés que moi qui joue un quick match, quoi. Notamment au niveau de l'église, et ça, on l'a lu au niveau des drones, et c'est ce qui leur a permis finalement de... Incroyable, quand même. Intéressant de demander la pause tactique côté Wolves. On a dû repérer là. C'est très commun avoir une ligne sur le bas main pour essayer d'épauler la méta agressive. Donc je pense que le choix fort en 2024, c'est finalement de renforcer triplement le mur et de se dire ok, on va faire un bunker et on va peut-être un petit peu plus jouer sur le stuff au niveau des portes, jouer sur le trick, pourquoi pas, avec un bandit derrière, mais tu t'exposes potentiellement à des grenades sur la verticalité. Mais ouais, le choix fort, c'est peut-être justement de se barricader parce que tu après, peux subir une grosse pression. Sur les matchs même de ce Six, ouais. On a eu pas mal d'équipes qui ont essayé de le jouer à électrifier. Le stress de ouf, perso. Ah, moi aussi. Là, c'est intéressant. Et encore une fois de plus, ça montre que les WCTM sont bien dedans parce que ça nous demande une bonne lecture de drone. Finalement, on était parti avec très très peu d'Art Breacher, donc on le savait, sinon on aurait pris beaucoup plus. Et puis, il y a aussi cette volonté de ne pas montrer le plan de jeu tout de suite au niveau des Wolves. Par exemple, Felipox qui va au niveau de la cuisine, qui est en train de jouer la verticalité alors qu'on sait très bien que la trappe ne sera pas ouverte. Mais pour aller chercher un kill, pour faire croire que potentiellement il y aurait un drop plus tard, essayer d'attirer à lui des défenseurs. Donc c'était intelligemment joué côté WCTM. Et il faut le souligner hein, parce que autant sur Chalet que sur Oregon, on avait très peu vu leur jeu d'équipe. Alors un petit peu plus sur Chalet tout de même, mais ça n'avait pas été pour autant efficace. Et cette fois-ci, on ne fera pas la même erreur sur ce BP du côté WCTM, puisqu'on ouvre le mur de la jacuzzi bien rapidement. Ouais, double ouverture. Même en belle ouverture. Hein. On a envoyé une charge exothermique. On a vu Bibou en early se mettre au niveau du mur solo de la construction et finalement se retrancher
vers le mur jacuzzi, sans pour autant qu'il n'arrive à trick de ce côté. Le mur de la constru, justement, on va aller l'ouvrir pour Nade. S'attendait à une agression depuis la cuisine qui n'est jamais arrivée. C'est aussi là que les loups arrivent à mettre le doute dans la tête de leur adversaire. On est en train de se défaire des barrières de la Azami. Et ça s'insère, mais ça s'insère sur la position d'un P4. Qui en prend deux dans l'affaire, il a fait le travail. 4v2 à l'avantage des Français. Felipox qui est en train de prendre la sauce aussi de son côté. On a essayé d'accélérer du côté des Brésiliens, mais on n'a pas réussi. Dans la douche se trouve le dernier, il va se faire laver. La douche est prise, les Wolves étaient là pour répondre. Ah, c'est bien de mettre du rythme du côté des... Incroyable. Incroyable de venir s'allonger sous le... Du côté des fliqués, ça permet de récupérer... Allez, la deuxième tête sur le pré-fire, elle est magnifique. Là, poum. Ça permet de récupérer l'avantage. Tellement jouissif, tellement satisfaisant de mettre ça. Après, j'allais dire, il restait aussi qu'il faudra travailler. Bah voilà, en parlant, ça peut coûter cher. Alors après, c'est pas forcément. Il y a des agents particulièrement forts, genre quasiment obligés de l'avoir dans un round. Parce que vu les agents jouer à la jeu, un heure plutôt balance que jamais. Ça dépend de ton niveau de jeu. Ce qui est valable pour des joueurs pro n'est pas valable pour des joueurs champions, n'est pas valable pour des joueurs gold ou en dessous. Voilà. Qu'on avait très peu vu ça, c'est important de le rappeler, je pense. Auquel on répondra Capitao du côté de Felipox. Il y a pas mal de choses à apprendre quand on regarde des pros, mais il faut essayer de comprendre et de savoir du coup pourquoi est-ce qu'ils le font et du coup est-ce que c'est adaptable à un niveau de jeu qui serait en dessous, quoi. Quand on est dans une logique où depuis 2016, on a... C'est parfait ce qui vient de se passer. On renvoie ça. Oula. Et on renvoie quoi, là? On va renvoyer deux. À droite puis à gauche. Il sera pas du bon côté. Ouais, à droite c'est terrible. Et à gauche. Si, à droite il va là. Non, il va pas. Enfin, il préfère se rétracter finalement. Et on l'aura enfin. Quand depuis 2016 on a des joueurs qui inventent une stratégie et d'autres qui counter une stratégie et d'autres qui counter la stratégie qui a été créée. Donc là, on en est à la stratégie Z qui nique toutes les stratégies d'avant depuis 2016. Ce genre de truc-là, alors qu'on en est encore dans des niveaux ranked de gold à la stratégie A de 2016, ouverture d'un T1 et prise d'un catwalk pour pouvoir planter sur le B, quoi. Ça, bon, pas depuis 2016, puisque Clubhouse a changé. À l'époque, on prenait pas ce bon site-là, puisque c'était impossible de le tenir. Mais l'idée est là, en fait, tu vois. Donc, les éléments dont je vais avoir besoin pour avoir cette strat ne vont pas être les mêmes si je suis joueur gold que si je suis, un joueur professionnel, en l'occurrence. Néanmoins, à ce niveau de jeu, à l'heure actuelle, Fenrir en niveau pro, Fenrir, c'est très très fort. Azami, c'est très très fort, presque trop. Grimm est devenu très très fort. Capitao, du coup, bon, voilà, un peu plus situationnel pour le coup. Mais déjà, rien que les trois que je viens de citer, là, c'est déjà pas mal. Voilà. Après, il y a quand même des opérateurs qui sont utilisés par des pros et qui sont valables pour genre Valkyrie, par exemple. Bon, c'est un truc qui est utilisé autant à un niveau pro qui pourrait être utilisé aussi à un niveau râle et pâquerette, pour le coup. Hein. Mais attention, quand même. Ace, par exemple, bon, ça, c'est un opérateur qui devrait être quasiment sorti sur toutes les... tout le temps, en fait, à un niveau... à quasiment tous les niveaux, en fait. Voilà. Alors qu'on est en train de faire la rotation côté double système pour aller jouer la passe. Il n'y a pas d'opérateur magique qui font des têtes à ta place, quoi. Il en reste déjà plus que 4, attention. Allez, Felipox qui est parti, c'est sûrement pour l'utilisation du Capitao. Il va se positionner et pour aller jouer par au-dessus. Et P4 va tomber avant même l'utilisation du Capitao, ce qui est dommage. Felipox qui va donc garder. Tu vois, par exemple, là, on voit pas énormément de capcans. La dernière, on en voyait encore pas mal. Là, on voit 0 capcans. Bon, si t'es gold ou en dessous, capcans, faut en sortir quasiment tout le temps. Allez, Shinka, peut-être pour aller mettre des balles sur JV et surtout pour récupérer Erd qui vient au suicide, Deadshot qui se débarrasse de Nade en dessous et pourquoi pas, non. KZ sur Shinka, on s'insère sur le bon site, on prend la coupe sur celui-ci. Les tirs viennent depuis la porte construite. On boucle totalement la position avec le stuff qu'on n'a pas utilisé sur la position de P4. Ça fait mal. On est en train de planter, pas sur le défaut, côté JV de l'autre côté du serveur. On ne pourra absolument rien y faire et c'est KZ qui viendra terminer. Alors que ça... Le kill est impressionnant. Et après, bon, bah, forcément compliqué en situation 1-2 contre 3, surtout sans la possibilité d'avoir de C4 du côté... Des erreurs de débutants, je comprends bien. Non, pas du tout.
Je disais juste, il n'y a pas d'opérateur magique, que coup, tous les opérateurs sont un peu situationnels. Alors ça, par exemple, à beaucoup de niveaux, il faut la sortir. Elle, hein. Mira, ça passe bien quand même. Voilà. Donc attention à ne pas voir ici, à ne pas copier des personnes sans essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est utilisé. Quoi. Voilà. Si tu prends un opérateur en disant « Ouais, mais lui, il l'utilise, mais tu ne sais pas pourquoi il l'utilise », bon, ça ne sert pas à grand-chose. Si tu commences à comprendre, tu peux te dire « Ok, peut-être que c'est adapté à mon niveau de jeu ou pas. » Voilà. Plutôt bon hein, du côté des Brésiliens. Mais c'est genre la méta. Terminer, ouais, ouais. La méta. Attaques, notamment sur Oregon tout à l'heure. Mais sauf que la méta n'est pas la même avec, en fonction des niveaux. Face, donc, on peut toujours y croire pour les Français. Ouais, et on rappelle que le gagnant de ce clubhouse rencontrera Sonics plus tard dans la journée. Ouais, ouais. Double enjeu à ce clubhouse. Se motiver aussi pour aller faire tomber. Le numéro 1 dans tout dépend, c'est comme Lyon était instaban en Pro League, mais pas forcément joué au niveau casu ranked. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Ça, c'est une très bonne remarque. Hein. Lyon, c'était pété, etc. Mais c'était surtout pété. Bon, alors, il était pété pour plein de machins. Mais si tu le jouais pas avec une communication derrière de tes teammates, bon, ça sert un peu à rien, quoi. Enfin, pas à rien, mais c'est moins très puissant, très quoi. Mais en termes de spacing, on parle énormément du Capitão ensemble, notamment, Fio, puisque tu apprécies énormément l'opérateur brésilien. Et c'est vrai qu'avec la disparition des grenades, en termes de spacing, Grim devient extrêmement intéressant. Oui, parce que ça permet de bloquer en plus certaines zones. Ouh, oh là bien non. Joué de la part de Hertz qui arrive à éliminer Deadshot. Et drone qui circule, le travers qui est tenté. Ah, il s'en sort bien, Hertz. Il arrive à pouvoir fuir. Et on sait, il faut le traquer, c'est la Solis. Allez, on a l'information. Oh oui, solide, Mowgli sur son duel. Superbe. Allez, ça permet de rééquilibrer en 4 contre 4. Alors certes, on va perdre un peu de temps maintenant sur le jeu sur la verticalité. Oh, ce pré-shot. Drop est activé ici. Ouais, point d'exclamation. Mais c'est uniquement pour les subs ici. Hein. Sub. Point d'exclamation sub. Et si t'es sub, du coup, tu peux avoir... qu'on a quand même vu lors du dernier Major, mais effectivement, avec la drop des trucs. Il fait partie quasiment de... Bah, au moins d'une bonne 2/3 des compos d'attaque hein, et souvent joué par plusieurs. Les Wolves se font rouler dessus. Honnêtement, Sonic sont bons, mais sont clairement la fatigue mentale côté loup. Ah bon ? Il y a combien ? Intéressante. On va essayer de jouer un peu sur la verticalité si jamais on a certains joueurs. Mais bon, côté français, ouais, le fait de ne pas jouer la verticalité, ça va permettre surtout aux Brésiliens d'avoir des positions extrêmement fortes. Bon courage pour venir les déloger. Mowgli, peut-être par le bas, mais Case, très gros joueur, incroyable. De la cuisine, reprise d'information de la part de Nico. Incroyable, Case. 50 petites secondes à jouer. Mowgli qui va aller prendre la coupe sur l'autoroute. On veut pas que ça traverse, on veut pas que ça puisse venir poser le C4. Ah, Mowgli qui a pas le réflexe nécessaire pour aller la coller entre les deux yeux. De c'est là le plantage incroyable. Il ne va pas arriver pour le moment. Un joueur derrière ce Black Mirror et... Ah non, je crois pas. Ça va être extrêmement compliqué, oui, mais au contact de Bibou, qui arrive depuis le bleu, qui surprend Mowgli, qui va aller prendre Nade à revers, Mowgli, qui en prend un deuxième. J'y vais bloqué dans sa dirt, on est en train de planter au niveau de la base. J'y vais qui va avancer, mais c'est P4 qui va terminer. Une première incroyable attaque où Mowgli et Bibou en bidon. Ils ont perdu la première 7-3, et là, ils perdaient... Ah, on a totalement ils perdent 5-2. Ah oui, putain, la vache. Pas ce plan de jeu. Oh, on en parlait de Grim juste avant, en Grim qui force le... départ au niveau du bleu, de venir se réfugier derrière la Mira et j'ai 6-2. L'impression qu'on a ah ouais, putain, la vache, le niveau de Sonic, c'est incroyable. Et après, tu en parlais hein, avec ta soeur qui était du côté, t'as entendu prendre le toucher. Cette tête, putain, elle était magnifique. Et non, c'était pas Philippe Ox, hein, finalement, qui était derrière derrière la première Black. Ouais, bon, pas CSA Friendly, ça. Hein. Français, le basement cette fois-ci soit du côté des... Laquelle, ouais. Très belle synchronisation, ah, utilisation du stuff parfaite. Et puis Mowgli, les gros duels aussi. Hein, dès le début, on le disait hein, sur la Solis, il fallait aller chercher. Certes, il avait l'information, mais c'est pas n'importe qui. On disait les Brésiliens en duel. Très intéressant. Alors qu'on va aussi ouvrir. Azami dans les mains d'un pro, c'est incroyable. Hein. Du côté de Bibou. Oh, Bibou, ça peut être intéressant. Oh, Bibou, oh, tellement Bibou beau. Ce round de Bibou est. Incroyable. Kizzy qui s'effondre. Oh, le C4 qui fait quand même double kill de l'autre côté. Mowgli a pu éliminer Felipox. Ce sera donc une situation de 3 contre 3. Mais on va tenter d'aller le chercher. C'est très bien joué de la part de Bibou. Et j'y vais, Bibou qui arrive à faire en plus un nouveau kill. Il reste plus que Bibou face à Nade. Oh. Et non, c'est Nade qui arrivera à prendre comment le kill sur le Bibou. Prend. Oh, c'était totalement fou. Le pré-shot sur le fait d'être blanc. Le prend. Magnifique.
Oh Bibou, il vient de nous faire un move exceptionnel. Ah ouais, ça. Oh, le C4 de Hertz, il fait mal aussi. Ah, le C4, il fait mal, ouais. Non, mais moi, je veux voir le replay, parce que là, il y a un mec totalement blanc. Ah, mais sur tous les kills, on veut le replay, là. De toute façon... Bah, il prend la ligne, il le voit décalé, et le mec, il s'attend à ce qu'il push au moment où... voilà, quoi. C'est laissé. Ce genre de kill-là, le kill flashé, pour le coup, c'est exactement le kill d'un AWP flashé sur CS. Vraiment, c'est les mêmes. Aïe, 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 aïe. C'est ouf de jouer la COG encore. Il attend et il tire. Ah, il tire, ouais. Normal. Faut le faire quand même, hein, ce duel, hein, du côté Nade, parce qu'il y en a beaucoup qui seraient flashés, qui ne seraient pas restés dans cette position. Alors après, peut-être qu'il a tiré, on l'a pas vu avec l'écran blanc, mais peut-être qu'il a tiré et qu'il s'est tout de suite remis derrière le Black Mirror. Oui, je pense qu'il met un petit spray de 5. Mais c'est comme l'AWP flashé, tu vois. Vraiment. Je sais pas pourquoi les joueurs. Beaucoup de joueurs ont ce réflexe Counter-Strike de se retourner sur une flash. Ça marche pas sur R6. Hein. Sur R6, t'es dans le rayon d'action et dure autant de temps que tu sois devant ou derrière. Donc ça marche plus sur R6. C'est aussi pour ça finalement que Nade gagne son duel. Parce qu'il garde sa position, il se dit si je me retourne, ça sert à rien. Je vais balancer un Prefire sur la pose que j'ai quasi... décalé plus oui, ça bon, que Black Mirror, se décalé, mais finalement il est totalement flashé. Mais t'es sûr qu'au tout début du jeu ça le faisait pas? Parce que moi je me rappelle qu'au début du jeu les flashs étaient un peu broken. Oui, non, mais les flashs étaient broken jusqu'à leur rework où t'es dans le rayon d'action, t'es flashé. Ouais, oui. Bah, elles étaient pas broken, elles étaient CS pour le coup. Moi je préfère le move CS que le move reste Rainbow Six. Des flashs dans un rayon d'action qui te pète à la gueule alors que t'as même pas l'indicateur de la flash, c'est quand même beaucoup moins skillé que les flashs CS qui font que. Bah, si tu la vois, elle est là. Et si tu te retournes, t'es moins flashé, quoi. Ce qui est pas en plus plus déconnant et ce qui est un bon truc. Mais s'ils ont pas fait ça, c'est pour les joueurs console, hein, je pense. Hein. C'est parce que faire un 180 plus 180, c'est trop compliqué. Donc ils s'adaptent. Hein. Mais la vérité, c'est que sur Valo, c'est pas pareil. Tu te retournes, les flashs, elles sont moins. Voilà. Puis c'est que le pré-shot est pas con, soit Bibou s'avance pour jouer le kill ou pas avancer sur site, il prend le kill, soit il met son pré-shot, mais Bibou recule pour aller planter sur Jin, son pré-shot en soi est bon, on mange pas de pain. Mange pas de pain. Mais t'es obligé de le faire ce pré-shot, il avait pas trop d'autre choix. C'est vraiment le pré-shot AWP qu'on voit sur tout le temps quasiment sur toutes les maps de... sur tous les CS quoi. C'est vraiment le... Je sais pas si je vais arriver à le trouver, des trucs. One more salty fan. Que les trucs comme ça. La plupart du temps, à chaque fois, j'avais même pas regardé, hein, là j'ai tapé Kill While Being Flashed, c'est que des AWP. Tu prends une ligne, t'attends, tu flashes et t'anticipes le mouvement qui va durer une seconde de décal après la flash, quoi. T'anticipes le mouvement, quoi. Tu peux fermer les yeux, en fait. Tu sais à peu près, voilà, quoi. Ce qui est la même chose sur Rainbow Six que le décal après drone. Le mec sort de son drone, tu l'entends et du coup tu pré-shot parce que tu sais qu'il va décaler sur ce truc-là, quoi. Donc je sais pas, hein, je sais pas ce que c'est que ce vieux kill, mais j'imagine qu'on va prendre voir un mec AWP, très certainement prendre la corne, bon c'est pour ceux qui connaissent pas, prendre la corne, la flash arrive par-dessus, assez basique de CS, il est flashé, il tire quand même, bon elle est pourrie un peu celle-là. Ah, je sais pas s'il est, parce que là il est pas vraiment blanc pour le coup, elle tape où la flash? Mais l'idée est là pour le coup. Bon c'est pas tout à fait ça, en règle générale c'est... Ouais. Ouais, bon d'accord, ok. Bon, c'est un niveau de merde. Mais l'idée est là, quoi. Mowgli qui va aller le chercher.
Le Wolf jouant lower. Ah bah j'ai pas vu. Ah c'est pas fini les gars. Et on se fait surprendre finalement. C'est notre ouvreur de trappe qu'on vient de perdre. Ouais. Oh, on peut ouvrir qu'une trappe, allez. C'est terrible. Même si on prend le revenge, c'est terrible. If it runs on battery, hold it. Ça reste quand même terrible. Tu peux pas ouvrir la kitchen, tu peux pas ouvrir la moto. Tu vas devoir passer peut-être sur la dirt qui a été laissée ouverte, je sais pas. Ah, tu peux ouvrir la moto, t'as une charge du côté de Bibou qui reste. Sur le replay, tu vois mieux. Mais in-game, tu vois rien. Sur CS, je m'en souviens pas. Renforcer en plus au niveau de l'église, ça va être compliqué. Faut s'insérer aux portes. Ah, dommage. Ah, ce plantage de la bombe est incroyable. Cette attaque de Wolves, elle est magnifique. Ça va pousser très très fort du côté des Français, mais c'est Erz qui arrive à éliminer Mowgli. Prise de contrôle sur la verticalité, du coup. Les flashs qui sont envoyés. Il faut se défaire de la personne qui se trouve là où est Felipox. Donc là, on push. Et une fois qu'on a pushé, le seul endroit où tu peux te mettre en opposition, quasiment à cet endroit-là, le seul, c'est là, quoi. C'est fait, c'est Shinka. Là. Tente de planter. Et la plante, elle est incroyable. Dernière seconde, on n'a pas l'information. La belle couverture incroyable. De Deadshot qui va réussir à l'éliminer. Et ça passe pour la plante. Shinka qui tombe juste après. Situation de 2v2. Incroyable, cette plante. Contrôlée. Du côté de Deadshot, il se remet en position en plus. Yo Chrono, salut tout le monde. Très bien, Bibou. Allez, Erz qui va tenter de remonter. Faut jamais bouger, Bibou. Ah si, on peut se douter de la position de Bibou, mais Bibou qui patiente. Il attend, personne ne se montre du côté des Wolves. Alors que JV essaye de son côté de faire bouger un peu les choses. Il a Deadshot en duel. Il n'a pas réussi à faire tomber Deadshot. On va tenter de changer de position pour tenter de casser le désamorceur. Du côté de JV, mais oui, Deadshot qu'il récupère, magnifique. C'est terminé, on n'aura pas le temps. 7 secondes, let's c'est go. Fini. Même si on prend ce kill côté brésilien et on ne le prendra pas, les Français qui mettent de nouveau une attaque sur le basement. T'as la force tranquille quand même. Hein. Extrêmement compliqué, on y va au culot, il faut une superbe sur la position. 15 secondes, oui, là, effectivement. Mais sur les G2, avec peut-être un petit peu moins de réussite statistiquement. Mais l'Europe a un faire-valoir dans le domaine. Lol. Casey qui tombe sous les balles de Shinka. Et là, derrière, la poussée de Shinka, elle est exceptionnelle. Il vient, il se pose pas de questions, il plante, il fait totalement confiance à Deadshot. Et c'est on le reverra même pas, mais c'est planté. Et derrière, Erd, il revient au niveau de la K, il fait mal. Voilà. Après, je reste convaincu que G2 nous ont pas tout montré. Hein. Pour moi, ils ont vraiment été peut-être à 80% de ce qu'ils sont capables de faire. Mais je suis d'accord avec toi qu'en Europe, pour l'instant, nos trois représentants nous proposent des attaques très intéressantes et pas forcément avec le même style en plus, mais avec beaucoup de réussite de chaque côté. C'est vrai que pour un Six qui est au Brésil, ce ne sont pas les Brésiliens pour l'instant qui sont... C'est plus 2 et les VP, on est plus sur le 3. Quoi. Une grosse préparation et on a pas mal de... On a pas mal d'attaques qui vont. Cette attaque aussi. Hein. Les deux attaques là. La plante de la plante de Shinka sur le mur solo là. Et c'est ce qui fait la force des Wolves, c'est cette capacité à s'adapter, à changer effectivement de. Et là, ce round en attaque, c'est incroyable. Hein. C'est bien ce qu'ils sont capables de faire et même au niveau de la palette stratégique. Hein, encore une fois, cette fois c'est un blitz, pas par Bibou. Se sont fait sortir. Shinka, non, ils sont en lower bracket. Et cette utilisation des OP comme ils ont, ça évite finalement au WCTM de pouvoir s'adapter rapidement. Alors qu'on va utiliser le thermite, on a entendu qu'il y avait les brouilleurs de Nade derrière. On ne peut pas encore ouvrir. On va devoir patienter. Alors on s'attend peut-être à un bandit trick. Au vu de la position de P4, mais on n'a rien, pas de bandit pour aller le jouer. Allez, ça va passer. On l'a mis un peu plus en hauteur. Oula. Et Shinka dans le dos, ça peut être intéressant. Oh oui, puis le bon kill en plus de la part de P4. Allez, Shinka, c'est le bon move. Shinka, oui. Allez, prends-le maintenant ce duel. On est obligé de reculer, mais on les a enfermés pour l'instant dans cet escalier. Attention, on a les informations, on a des Evil Eye tout de même sur BP du côté WZM. Mowgli qui arrive à l'uné. Erz, ça va très très vite. Nade peut-être le C4. En tout cas, il est sur la verticalité. Il ne peut rien faire. Ça plante, tu lisais du côté de Shinka. La verticalité, on l'a trop tard cette information. Oh oui, et ça sera fini. La belle couverture en plus qui est proposé du côté des Wolves. Allez, attention, ce duel est important et c'est Mowgli qui le remporte. Il ne reste plus que JV. Et JV magnifique. Qui s'effondre sous les balles de Deadshot. Magnifique. J'ai l'impression de revoir l'attaque quasi parfaite qu'il nous avait fait sur Consula où tout le monde avait son rôle à jouer. Deadshot qui a failli prendre un vent. Parfait.
Les WCTM n'ont rien vu juste avant parler d'adaptation. CQFD. Eh ben, incroyable. CQFD. Ah, ils jouent vraiment bien. Adaptation. Ils ont vraiment une capacité sur les attaques. Parce que bon, les défenses. Ça fait une. Ouais, je sais pas, gagner des défenses, bon, c'est. Je sais pas, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Gagner les attaques, planter les diffuses. Ouvrir des murs, renforcer, qui devaient pas être ouverts. Planter des diffuses. Et gagner des attaques, moi, c'est le truc le plus. Le plus sexy qu'il puisse y avoir sur Rainbow Six. Hein. Le titre me ramène 5 ans en arrière. À l'époque où tu prenais un sub, enculé! Avec la CTM a été meilleur pour le moment, c'est effectivement sur la performance individuelle de Casey qui a permis quand même de maintenir les WCTM. Mowgli qui court pour son kill. Hop là, ça c'est pour les headshots ça. Les qui sont supérieurs. Il y a cette question du mental dont tu parles. Mais ah, je sais pas, j'ai pas vu l'autre match. J'ai plus confiance pour les choses plus intéressantes. Et là, du côté WCTM, ça va devenir dur. Allez, on va jouer la gym, ça s'était joué à... Merci Jenniken. Voilà, G5XN3K4N, ok. Merci à toi avec ton pseudo de plaque d'immatriculation. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Franchement, bienvenue parmi nous. J'ai l'impression d'avoir commenté que 3 matchs pour le coup, tellement qu'il y a de l'action sur chacune des manches. Nekan, merci Poulette, merci de t'être abonné. Toi, Yo Abder. Clairement, il est prenant et on espère que vous le kiffez tout autant que nous. Même si ça a été compliqué sur la deuxième carte, on n'en reste pas moins supporters. C'est le moment d'envoyer toutes vos émotes dans le chat. C'est sur plusieurs semaines ou l'Hexagone ou... Non, c'est juste sur un week-end, les amis. C'est les 2 et 3 mars à Paris. Point d'exclamation, spec. N'oubliez pas de venir, vous avez intérêt de venir. Et si vous voulez participer, d'une façon ou d'une autre, vous le pouvez. Le truc vert en haut, là, pour lequel il n'y a personne qui a donné même 1 euro aujourd'hui. Inadmissible, premier jour sans 1 euro dans la cagnotte. Hein, c'est le cash prize du coup de la compétition. Let's go, allons péter les 10K. Qu'on montre qu'on peut faire aussi des trucs pour le sub-top. Et qu'il n'y en a pas que pour le Six Invitational. C'est très cool. De faire tomber le favori. Mais quand même, il en faut pour les plus petits. Ouverture au niveau du jacuzzi pour un P4 qui est passé sur le Ace Bibou qui lui... est en train d'utiliser sa charge pour aller ouvrir la constru. Un premier travail de sap réalisé en l'espace de 40 secondes. On veut éviter aussi tout joueur qui pourrait jouer sur la verticalité. Et fait très étonnant finalement. On a vu très peu de solis sur ce match, voire pas du tout dans cette carte. Fio, ouais, c'est fait éclater quand on l'a vu. Ouais, les seules fois où on l'a vu, elle se fait effectivement éclater. Mais c'est vrai que ça joue peu la verticalité de fin de manche. Non, c'est vrai. J'ai fait Gold 1 en 4 jours alors que ça faisait au moins 5 ans que j'ai pas joué. Du côté des WCTM tout à l'heure, mais toujours du haut vers le bas. Bah, c'est nul. Et parfois avec l'Epox, on l'a fait l'inverse. Il est plus chez BDS, Shinko. Le BP tout à l'heure, et même sur ce BP pour aller chercher au niveau. Shinko Non, effectivement. Shinko, il jouait avec Bibou. Hein. Et P4 chez Wolves. Hein. Il est plus chez BDS. Il s'est trouvé au niveau de la cache. Mais c'est pas ce qu'on souhaite faire du côté des Wolves. On est parti sur une attaque bien plus horizontale. J'y vais en dessous. Ouais, mais j'y vais. Ouf. Et bah, Deadshot qui a éliminé Erd. Intéressant. Allez, et Deadshot qui élimine Philippox. On a totalement éliminé 5, l'extension. V3, et oui, P4 qui élimine KZ. Allez, pas deux la fois. Même. Pas deux fois. Mais maintenant, pas la même. Tranquille. C'est fini. Allez, Naïda, un C4 qui pourrait faire pourquoi pas la différence, mais normalement on peut le contrôler maintenant côté des Français. On est en train de se repositionner. Naïda JB qui arrive à prendre 2 kills pour Naïda, 1 pour JB. Naïda JB. Ah bah voilà. Non mais imagine, regarde le truc à gauche quoi. C'est horrible quand même ça. Hein. Et pourtant ils font gaffe, hein. Ils y vont vraiment de façon très professionnelle. Merci infiniment, envoyez plein de GG, plein de cœur s'il vous plaît pour Nekan qui vient d'offrir la possibilité, qui vient de mettre 10 euros dans le coffre. Le coffre du coup, vous l'avez compris, c'est le cash price de l'Hexagone 6. Donc n'hésitez pas, merci, faites comme lui. Merci Poulette, t'es un monstre, vraiment. Pourquoi pas la différence, mais normalement on peut le contrôler maintenant côté. Mais là, français, 2v5, hop là, 2v2. Qui arrive à prendre 2 kills pour Nade, 1 pour JB. J'y croyais pas quand j'ai vu ça tout à l'heure. 2 se transforme en 2v2. On est sur site, mais sans le désamorceur du côté des Français. Allez, jouer à 2. Allez, P4 Deadshot. On a des infos. On n'a pas l'info en revanche sur Nade. Allez, attention, c'est Nade qu'il faut aller chercher. Nade, il arrive à mettre à terre Deadshot. Non. Et JB qui finit P4. Non. La balle. Oh.
Le pauvre Swish. Moi, j'étais au bout de ma life, j'étais en train de bouffer du riz. Ils ont perdu. Enfin, il y a eu. Non, enfin, W7M a sauvé. Combien ça doit être? 4 plus 1, 5. Là, on doit être à 6 balles de match, 7 balles de match. La salve de Vector qui part et qui accroche deux têtes au niveau de la constru. Envoyez des GG et des cœurs là, il n'y a que Camarguez qui a mis GG. Et il n'y a que Maté Yoyo qui a mis des GG. Putain, les amis, la thune là pour le cash price, elle part dans le cash price pour essayer de faire en sorte qu'on remplace un jour la French League que Ubisoft ne fait plus. Alors si vous voulez pas participer, vous participez pas, non, bande de petits fils de pute. C'est pas un problème. Vous êtes des rats. Mais dites au moins GG, c'est gratos ça. M'énerve. Voilà, des GG, des cœurs. J'aime bien. Merci. Non, j'ai mis GG aussi. Ah, mais toi, je te vois pas parce que t'es pas abonné. Il restait 15 secondes, j'aurais pu commencer à comprendre. Incroyable ce Goyo là. Mais là, il restait 1 minute 10, il y avait mieux à faire du coup. Il proc sur le côté aussi. Allez, faut vite oublier ce qui s'est passé. Il reste encore une balle de match pour les Français sur une attaque au niveau de l'armurerie qui est très intéressante. Merci les poulets. Merci pour les joueurs. Mais ouais, méfiance. Méfiance. Puisqu'on va avoir Bibou qui va pouvoir jouer avec le buck. Et j'ai pas vu si GG rare de par Dieu. Quelqu'un peut bannir Jijimo s'il vous plaît. GG c'est gratos. Champitruve toi t'es un fils. On le sait, t'es le plus gros radin de l'histoire du Twitch game de toute façon. Donc, tous les streamers sont au courant. Ah oui, carrément. Ah il s'est fait bannir genre à vie. Attention à ne pas se faire surprendre. J'ai l'impression ah oui, que les Jones. En dessous, oui, c'est le cas. Tous les joueurs WCTM sont en bas. On va donc pouvoir commencer. Ah carrément. C'était. C'est de l'humour, hein. C'était pas. Fallait pas le ban. À vie, quoi. Ça, c'est un truc de pute, quand même. Pas tout de suite. Les Xqueros qui passent à travers. On attend. Ah, ça c'est les Iskeros qui traversent. C'est vraiment du bug exploit quand même. C'est gratuit. Alors là il pourra pas les voir mais c'est l'impact qui tombe. Oh, oui, bien fait. Le karma instantané. Bah ouais, c'est la grenade qui a dû exploser. La bonne dictature. Ouais, t'as vu, c'est ça qu'on veut mon gars. Ça doit être une percu. Je pense que c'est la percu qui a détruit le volcan et qui a totalement surpris. Je suis pas radin, j'ai le charme in game. Ouais, merci. Mais non monsieur le boulanger, je suis pas radin, je vous ai pris une baguette il y a 6 ans. Ça tombe de ce côté-là. Manique Taras. Attention parce qu'il reste déjà plus qu'une minute 15 à jouer. On a fini l'ouverture des trappes. Mais il va falloir un peu accélérer le rythme. Shinka désamorceur pour l'instant positionné dans ses P4K, le désamorceur qui est positionné au côté du bleu. On est en train de le voir, en train de changer. Ça sent l'exécution au niveau de l'armurerie ou de la dirt. Attention. Ouais, on va voir ce que ça peut donner dans cette dernière minute. P4 donc désamorceur en main au niveau de la cuisine. Il est au côté de Deadshot qui n'a plus de ratero de son côté, le travail de sap a été réalisé, ça va partir depuis le main. On envoie une première grenade à gaz, une deuxième grenade à gaz, il n'y en a plus du côté du smoke de Nade. On va peut-être essayer d'aller faire une petite ouverture, pourquoi pas sur l'église, on en aurait la possibilité. Une flash qui va partir au niveau du bleu, on a toujours des joueurs bien ancrés sur leur position. Un au niveau du soda, un au niveau du bleu, c'est JV qui va faire tomber Mowgli le premier. C'est un travail qu'on va devoir continuer à réaliser. P4 qui va aller tenter exactement au même endroit et ça s'effondre pour les Français. 1v4 pour Bibou qui va prendre des balles, s'offrir un v3. Ça va faire 8 balles de match, un truc comme ça, je pense. Tu n'as pas de site de dons, Tipeee. Je m'y connais pas, mais j'ai toujours cru que c'était plus rentable pour le streamer. C'est compliqué hein, cette attaque. Le... Bah, il y a moins l'intervention de. La même plante, sauf que bah, de Twitch quoi. Et pour la deuxième, on a bien vu que tous les joueurs brésiliens étaient positionnés hein, pour venir accueillir. Merci Lios pour les 18 mois. Mais là, en ce moment, tous mes dons, moi, j'ai décidé d'enlever ma barre de dons de toute façon. Et pendant jusqu'à l'Hexagone, ça alimente le cash price. C'est dommage de pas avoir mis un joueur. Il y a pas de dons pendant. D'avoir mis de la pression au niveau jusqu'à l'Hexagone. Faciliter cette plante. Finalement, on s'est un peu trop donné. Et brésiliens, peut-être au mental. Qui reviennent en tout cas. Pourquoi chez Cochiteur, pourquoi tu dis pas bonjour toi? Alors que c'est la première fois que tu as écrit sur le chat. Je suppose, L'empereur est généreux. Après, oui, on a vu les Français bien attaquer. J'aime de temps en temps faire plaisir au. Je pense que ça va repartir sous sol. Au bas peuple. Hein. Ah,
Ah, il faut cette attaque était trop poussive, Fury. Je pense que ça repart sous sol direct. Ouais. C'est obligé. C'était sûr. Après, ça offre qu'est-ce que c'est que ces trucs qui passent en bas là? Un peu de stratégie. Qu'est-ce que c'est que cette merde quoi? Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est que ces personnages obèses là? Après, ça offre français de. De changer un peu de stratégie, peut-être aussi au niveau de la composition. On va jouer du Grim cette fois-ci. Du, what c'était quoi là, Kibou, là de KB aussi. Et l'autre, faut qu'il arrête avec ses gifs là. Ça manquait peut-être aussi. Bon, je sais qu'on aime bien le voir, mais pourquoi pas d'un Capitao hein, pour bloquer certaines zones. Et notamment. Yo, Eke Waza, comment ça va? Alors, yo, Zéro Darka. J'ai bien compris qu'elle n'était pas passée tout à l'heure. On va venir attaquer différemment. Putain, j'ai raté le live, tu vas faire une vidéo YouTube? Ouais. Oui, oui, pour le react à la vidéo sur Sheiko. Pas se faire surprendre. Oh, cette et sur ça aussi. Plus agressif, hein. La sur la chaîne replay en revanche. Pour les informations, il y a des replays. Intéressant le changement de Sheiko principal et celui-là replay. Alors, merci Nick des Montagnes. Merci mon poulet. Bienvenue à toi sur le campus de la Salty Academy. Tu paies des droits de scolarité comme un bon étudiant qui se respecte. Est-ce que c'est beau? Qui n'était pas au niveau du basement. Du basement. Sur ce top. Petit préfailleur pour éviter tout joueur qui reviendrait depuis la moto sur le main par en dessous. Et donc, phase de reprise d'information, on a récupéré que deux petits drones côté W7M dans ce début de manche. Le travail vertical qui commence à s'officier. Toujours pour les mêmes raisons, Mowgli envoie deux patchs sur le main. La caméra n'y est plus. Le travail de sap, une nouvelle fois, est réalisé. Deadshot qui va pouvoir arriver du côté de la cuisine. Un C4 entre les mains de KZ. On l'a vu très agressif sur son armurerie tout à l'heure, justement, à essayer d'envoyer son gadget. La trappe qui ne va pas être ouverte. Allez, tout de suite. Et une deuxième fois, JV va perdre des points de vie tout à l'heure aux côtés de KZ. Cette fois-ci, KZ en sortira indemne. KZ toujours avec le C4 entre les mains. Il reste 1 minute 10 à jouer. La position, on va essayer de la déloger. Non, le C4 qui part beaucoup trop tôt et pas dans la bonne position. KZ qui va traverser les flammes des enfers et se repositionner au niveau de sa box. Est-ce que les Français ne tenteraient pas de réorienter au niveau du bleu? Il y a des possibilités. On continue le travail au niveau de la cuisine, au niveau du couloir. Shinka, le morceau entre les mains, il se trouve dans la zone. Deadshot, Bibou en combiné, pourquoi pas au niveau de la chaudière, à essayer de débloquer la situation. On a débloqué totalement la chaudière. On s'insère sur le bon site. Shinka pour aller planter peut-être P4 et Deadshot qui vont prendre chercher chacun. KZ, va tomber. Allez, P4, il y a KZ toujours. KZ, on n'arrive pas à récupérer, mais ça y est, on l'a. On a le contrôle. Shinka peut aller planter. Philippe Oxenay, sont aux abonnés absents. Shinka n'est pas totalement certain. On va prendre la coupe du côté P4. Un joueur qui revient au niveau du bleu. Shinka qui va aller au bout de la plante. Ah, P4 qui n'arrive pas à gérer sur le premier. Un joueur au contact, on n'arrive pas à récupérer. Que des onomatopées. Non, oui, non, oui. Il peut pas passer. Il y a plus de cast. Et là, c'est incroyable. Bim. Allez, Axel pour la France. Tu le fais. Les écrans. 1v2, let's go. Oh là là, qu'est-ce que c'est intenable quand même. On va passer par toutes les émotions. Il a plus de voix. C'est incroyable, KZ qui reste en vie. Ils sont des deux côtés, ils peuvent mettre en place un étau. Il veut pas mourir. Heureusement qu'on s'en sort sur un 2. Le move de KZ est incroyable quand même. De jouer avec deux personnes qui lui mettent la pression. Gauche, droite, je reviens. Finca plus KZ sur ce round, incroyable. Duel après duel, alors qu'il était vraiment dans une position inconfortable. À cause des grenades à gaz, il n'avait pas trop le choix de comment il devait jouer ce duel. Et ben. Et il nous restera donc encore deux balles de match du côté des Français. Allez, en espérant que ce soit sur cette défense, on n'a pas voulu jouer l'armurerie. On va jouer finalement au niveau du jacuzzi, hein, qui n'a pas toujours été bien négocié côté de duel. Parce que je lui ai montré comment faire lors du dernier podcast. Je pense qu'il a pas besoin de toi pour apprendre la clutch des 1v2. Ouais, sur une standard. Et c'est quoi, il m'a même dit après mon clutch, ouais, bah tu vas prendre ma place, hein. Moi je vais devenir créateur de contenu à ta place. Je lui ai dit oui, bon. Ouais, il y a. Bon.
Sûrement. Clutcher contre W7M pour aller chercher peut-être la map derrière au Six Invitational. Je le ferai clairement pas à sa place. Shinka était dans la place. 7 à 6 en faveur des loups qui repassent à la défense pour leur dernière manche de défenseur club. Et la bombe logique. Mais je sais pas pour. Ouais, je pense, ouais, Jones. J'essayais de comprendre pour le principe de la Goyo, mais je pense qu'ils le veulent parce qu'au moins la Goyo, du coup, en étant à cet endroit-là, elle vient. Soit c'est dans une logique de d'empêcher un push, soit parce que avec la petite étagère, du coup, ils peuvent pas tirer dessus. Mais je pense que c'est parce que c'est le seul endroit où ils peuvent tirer tranquillement dessus. Et elle va... où le mec qui est au niveau de l'armure, il peut tirer dessus. Et elle va couler à l'endroit d'une pose habituelle. Hein. Et en particulier derrière la box, pour le coup. Et si elle coule à l'endroit de la box, du coup, elle oblige le planteur à planter à des endroits qui sont beaucoup plus connus. Et en particulier à des endroits sur lesquels les mecs qui sont dans la church peuvent tirer. C'est ce que je me dis. J'essayais de comprendre pourquoi. En revanche, bah, deux fois, ils se sont dit, bah, vas-y, on les encule à l'ancienne avec des impacts grenades parce qu'ils font rien de spécial et on peut essayer de leur niquer leur X-Keros, quoi. Bien évidemment, le problème, c'est que bah, deux fois, du coup, ils perdent des dégâts dans leur propre Goyo. Mais c'est pas si con que ça, en fait. Merci Nucléar, merci pour les 4 mois. Un monstre, poulet. Il n'y a pas moyen de le toucher avec aussi avec une percu. Ouais, c'est possible aussi. Cette fois-ci, ça va sans... Et ça vient dégouliner sur le plantage, l'un des plantages défauts en tout cas. Peut-être même jusqu'au coin pute d'ailleurs. Je pense pas, mais. Non, pas coin pute. Le temps que tout à l'heure. Hein. Le temps des infos cette fois-ci. On ne va pas se jeter hein, dans la gueule du loup. Ils font bien. La pose du Goyo est pas mal en soi, même pour Dina, il me plante sous la trappe. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu peux pas faire le même erreur deux fois en perdant la moitié des PV. Oh, la première, elle a surpris parce que c'est le teammate qui le fait sans prévenir son pote. La deuxième, bon, ils perdent des PV en mode... ils sont obligés de la mettre, mais effectivement, de temps en temps, ça peut aussi se retourner contre toi parce que tu utilises des impacts, quoi. Mais on commence à mettre de la pression au niveau de cet escalier main. Les flashs qui vont partir. Mowgli, toujours très bien sur sa position, qui fait croire qu'il va mettre de la pression, mais Erds, attention Erds, il est peut-être pas lui sur sa position. C'est Philippox qui va tomber. On essaye de prendre sur le risque, mais Shinka est solide. Shinka est extrêmement solide. J'y vais, qui va aller faire tomber Bibi pour aller prendre un revenge avec la CK1. Les loups sont peut-être en train de le faire. Nate au milieu du feu, il a des balles et des chats. Les loups font tomber le favori de la compétition. On jouera contre les Sonics un petit peu plus tard. Merci Chirazu pour les 29 mois, un monstre poulet. Par les cornes, la meute est en marche et continue. Incroyable. Son destin est entre ses mains à deux matchs maintenant de jouer sur le stage du. Et pour vous, réussir. Il va sur la verticalité avec son blitz, un Shinka. Duel de Bibou qui va faire. Vraiment, Fio, les G2, les rouges Kawen envoyés pour aller faire reculer Citizen, attention. Attention à Citizen, extrêmement dangereux, qui va somme toute reculer sous la pression. Et c'est Deadshot qui accélère, Deadshot qui va intercepter un premier joueur Kixer. Par contre, il va se débarrasser de P4, c'est Mowgli qui va aller... Ah, j'ai pas du tout joué Sonics, donc... Tout de suite, redonne l'avantage au Merci Sonics. Merci Ichi, vraiment pour les 29 mois. Pas totalement payé. Ça joue bien Sonics ou W ou ils ont pas super bien joué Wolves vont devoir essayer de parce que pour le coup, on aurait pu dire que tout à l'heure, W7M avait mal joué, mais ils ont bien joué. C'est juste que Wolves était plus fort. Pour aller chercher des joueurs au plus sur ce top, permettre aussi à Mowgli de venir. Sonic sont toujours pas perdu une map. Il faut aller chercher cette verticalité. Et on a Rexen qui est en train de positionner. Oh. C'est Andy qui arrivera à éliminer Mowgli. Deadshot qui est mis à terre de son côté. Il ne reste plus que Shinka en situation de 1 contre 4 à proximité du BP. Mais sans le contrôle de la verticalité, l'insertion est quasi impossible pour lui. Et c'est ce qui se passera. C'est Geometrix qui viendra le stopper. Bonne première défense pour les Sonics. Ouais, belle défense de la part des Sonics, on n'a jamais fait l'erreur, hein. Pourtant on a vu hein, des... Ouais, j'en mettrais Big Tota. J'en mettrais. Mais regarde sur la chaîne point d'exclamation YT replay. Fais point d'exclamation YT replay sur la chaîne secondaire, je pense que je vais mettre des récaps de mes plus belles games sur Broken Arrow. Et après maintenant la bêta est finie, donc on attend la release du jeu quoi, soit dans un mois, soit dans six mois quoi. Dès le début on avait su mettre du rythme.
Ça a été un peu plus compliqué. Peut-être surpris par le choix du bon site. Les Wolves ont perdu au mental. Ah ouais ? Posé sur cette défense du côté des Sonics, c'était sur ce BP. Hein. On avait la masterclass côté Wolves. D'ailleurs, on est en train de se positionner avec une Amaru du côté de Bibou. P4 qui, lui, va être au niveau du glaze. Shinka avec la Ying. Et Deadshot sur la verticalité. Il avait joué la hache hein, lors de cette attaque incroyable. Alors normalement, au niveau du staff des Sonics, on a dû travailler, savoir ce qu'on peut proposer hein, du côté des Wolves. En tout cas, je l'espère pour eux. Sympa ce petit punch hole de fils de pute. Il fait extrêmement mal. Et pour l'instant, la caméra par défaut qui permet de prendre encore des informations. Et c'est surtout côté Wolves. On est en train de se positionner. Alors, pour essayer de changer de rythme au moment opportun, il faudra tout de même se méfier. Et notamment quand on jouera de la verticalité côté Deadshot à Ambi qui revient. Alors, Fio, les G2, après avoir concédé une balle de carte. Se sont imposés face au FaZe, maintenant 0 dans l'autre BO3. On suivra ça aussi, voir comment ça évolue. Ça fait chier qu'il y ait des matchs en même temps encore. En train de se mettre en place pour déployer Bibou, ouais, avec sa Amaru qui va sans doute s'insérer d'ici peu de temps. On a Shinka, Candela entre les mains, les fumigènes qui ont été envoyés. Ça y est, l'insertion de Captain Bibou totalement blanc, mais on va réussir à amorcer cette planque du désamorçant. Oh, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bah, Grisor qui est totalement blanc tellement et ça va passer pour les Wolves. Ça va être maintenant un retake à aller jouer. Côté Sonix, P4, attention qu'il prend un moment de dégâts, qui va tomber. Et ils savent pas où elle est plantée, c'est ça qui est incroyable. Et Bibou qui est en place sur le bomb site, on n'a absolument pas compris où ça s'était inséré. On a un Mowgli qui tient la position de notre côté, un Deadshot par en dessous qui normalement est là en backup. Et Bibou voilà, qu'en prend un premier, ça va être compliqué. Ils avaient pas du tout compris où c'était planté, elle est incroyable cette strat. Bibou qui va prendre un deuxième, incroyable. Attention, Ericsson qui pousse sur la position pour prendre la revenge, on est en situation d'avantage numérique pour les Nord-Américains. Avec un Deadshot par en dessous, un Shinka encordé, on a quand même extrêmement bien en place. Alors qu'il va positionner mais raté et qui va pas mettre un Shinka dans pour un, d'en prendre deux. Il ne reste plus que Citizen qui va relever un billet. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose pour les Sonics? On a même plus le temps d'aller désavancer. On va terminer. Incroyable. On va terminer pour Shinka. Incroyable. L'exécution chaud. Tellement belle ce strat là. Réfléchi au retake était impeccable de la part des Wolves. Flash. Ce qui est incroyable, c'est comment mettre à néant une anti-strat. Qui a dû être préparé du côté du staff. Ce qu'on expliquait, c'est la fameuse exécution incroyable qu'avaient proposé les Wolves face au SSJ. Et ce qui est intelligent, c'est qu'on a réussi à bait cette anti-strat, puisqu'on a toujours envoyé un P4 avec son glaze qui faisait croire qu'on allait avoir une attaque. Une plante sur le CEO. Par défaut, hein, où on va aller venir s'insérer au niveau de la fenêtre, on va venir planter. On a bien vu qu'on avait les trous qui étaient effectués sur la verticalité pour empêcher justement ce type d'insertion. Et ben non, pas du tout. On est venu mettre max de fumigène au niveau de Bibou pour qu'il puisse planter tranquillement. Et on a bien vu qu'on ne comprenait rien. On avait un Rexen qui. Et les flashs, bah c'est le Ila Ying qui met le sound cue et qui empêche au mec connecteur. Alors que non, rien du tout. Donc vraiment. D'entendre le Amaru. C'est le type d'exécution qu'on ne peut faire qu'une fois dans un match. C'est propre, hein. Franchement, c'est une belle. C'était un beau round. Mais c'est une vraie strat, ça passe sur une strat pour le coup. Ça montre une fois de plus tout le bon travail qu'on a effectué côté Wolves dans la préparation de ce six, entre les nouvelles cartes à jouer et puis la palette stratégique qu'ils sont capables d'avoir sur les autres cartes. C'est un peu bizarre, non? Parce qu'avec les Ying et les Smoke, ils auraient dû ou pu savoir, non? Ben non, parce qu'ils Smoke avant. Ils attaquent de façon asynchrone. Ils attaquent pas en même temps. Ok ? Donc, l'idée, c'est... Le truc qui est vraiment cool, c'est que, un, déjà, il y a... Tu sais, dans le poker, on appellerait ça un historique, au final. Un historique entre deux joueurs, bah, c'est son nom l'indique, quoi. C'est-à-dire que on a eu un historique avec cette personne, on a un historique de strat ou on a un historique d'équipe sur le fait que ces mecs-là ont déjà fait ça, quoi. Donc déjà, il y a un historique. Visiblement, ça a déjà été fait par eux. Donc ça, c'est déjà la première chose. Deuxièmement, il y a une action qui est... Caméra par défaut qui permet de qui est asynchrone, qui n'est pas en même temps. Elle n'est pas synchronisée pour le coup. Du coup, c'est ça qui va faire que les smokes sont envoyés ici. Première et deuxième.
On a Shinka quand elle est entre les mains. Là, la smoke pète, d'accord ? Mais il y a deux smokes qui sont envoyés là-bas. Et il est très probable, on ne sait pas, hein, mais si ça se trouve, il a pété d'abord, il faudrait voir d'ailleurs. Le glace a pété la fenêtre avec son silencieux. Avec ou sans silencieux, je sais pas si on s'en bat les couilles en tout cas. Mais en tirant dedans en tout cas. Donnant et envoyant l'information à l'équipe, du coup, de « Ok, il y a une mise en place, ça va smoker, et il y a un glace là. » En règle générale, le glace, il est là pour voir à travers la smoke par-dessus l'épaule de la personne qui est en train de planter. De facto, si le glace est là, il y a de grandes chances que derrière, on soit sur un schéma, quelqu'un rentre et le glace le couvre par-dessus. Maintenant, on balance les smokes. Du coup, si, vu que c'est légèrement asynchrone et qu'on envoie l'information qu'il y a quelqu'un au niveau de la fenêtre CEO parce que le mec qui joue la Amaru, il n'est pas en rappel par définition. Il est en bas, il n'a fait aucun bruit. D'accord ? Elle, il y a peut-être l'information qui est donnée sur elle, mais on ne sait pas que c'est Ning. Et on sait qu'il y a une personne qui est au niveau de ce balcon, pour le coup. Mais on s'imagine qu'elle ne représente pas réellement de danger. En revanche, il y a Glaz et il smoke. Et on a déjà vu par le passé qu'ils avaient la possibilité de faire ça. Donc du coup, l'information, et c'est là que c'est le nerf de la guerre sur R6, l'information qui est envoyée au teammate, c'est s'il y a un plantage de bombe, c'est forcément du côté où il y a un glaze, au final. Du coup, la Ying, elle part, ici, mais la Ying, elle part au moment où on l'entend, parce qu'au final, c'est pas les Ying, c'est pas vraiment la flash qui est importante. Il va sans doute s'insérer d'ici peu de temps. On a Shinka, quand elle est entre les mains, les fumigènes. Ce qui est important pour la Ying, c'est le bruit qu'elle fait. Parce que derrière, c'est le bang du flash bang au final. Le flash, on s'en fout, c'est le bang qui va faire en sorte que la personne qui la prend au niveau de la gueule, puisqu'on a très probablement pris l'information qu'il y avait une personne ici, elle a plus le son. Donc elle a pas le son de la Amaru. Et elle reste avec ce qui s'est passé il y a deux secondes de « Ah, ils sont en train de balancer de glace plus smoké pour le coup. » Et les smokes qui sont envoyés juste légèrement après ou quasiment en même temps que la deuxième, du coup, lui, il l'a pas entendu pour le coup. Et il n'a pas entendu le fait qu'il y avait une smoke derrière et il se retourne même pas pour regarder s'il y a une smoke derrière. Il a juste des smokes qui sont en face de lui, envoie l'information à tout le monde et ça induit tout le monde en erreur, quoi. Ils ont été envoyés, ça y est, l'insertion de Captain Bibou totalement. Lui, là, on le voit là, il est dans le mal, il a les smokes, il a envoyé son information. Je ne suis pas sûr qu'il a entendu la Amaru, c'est possible, hein. Mais il y a de grandes chances qu'avec les flashs qu'il a pris dans la gueule, il n'entende rien. En blanc, mais on va réussir à amorcer cette planque. Il y a une autre flash qui passe dans tous les cas. On voit qu'il lève la main, donc il la reprend encore dans la gueule. Bah, il sort qui est totalement blanc. Tellement et ça va passer pour les walls. Ça va être maintenant un retake qui allait jouer côté Sonix P4. Et c'est fait. Qui prend un moment de dégâts, qui va tomber. Et là, on voit bien qu'il est perdu. Il sait pas en fait. Je pense qu'il y a eu des smokes qui ont été balancés. Il sait pas. Là, c'est la première fois. C'est rare de voir sur Rainbow Six. Ça va être maintenant un retake qui allait jouer côté Sonix P4. Attention qu'il prend un moment de dégâts. Des défenseurs aussi perdus. Ça, le move là, c'est le move d'un défenseur qui est perdu, quoi. What ? C'est où, en fait ? Il va tomber dans la grenade à gaz. Il doit être là, il doit être là. Et Bibou. Et il va aller prendre jusqu'à la formation au bout, demander à son teammate de prendre une revenge. Qui est en place sur le bomb site, on n'a absolument pas compris. Vas-y, on y va. On a un Mowgli qui tient. On voit rien du coup. Mais c'est ça. Ils sont pas là, ils doivent être connecteurs. Normalement. What ? Attends, mais il y a Amaru. On backup et Bibou, voilà, qu'on prend un premier. Voilà. Ça va être compliqué maintenant pour incroyable Bibou, mais il faut qu'il arrive incroyable à ce pour que faire ce peu. Bibou qui va prendre un deuxième. Incroyable. Ce round. Ericsson qui pousse en la position pour prendre la revenge. On est en situation d'avantage numérique pour les Nord-Américains. Et bien joué de jouer sur la verticalité parce que bon, le Diffus plus Azami, on l'a vu utiliser de façon assez drôle sur pas mal de games, en particulier sur Oregon. On s'en rappelle du clip. Pas sur Papa Wolf, mais G2, je crois. Il va relever un B. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose pour les Sonics? On a même plus le temps d'aller désamorcer. Oui, on va terminer pour Deadshot. Oui, on va terminer pour Shinka. Incroyable. L'exécution show et aussi la façon dont on a réfléchi au retake était impeccable de la part des Wolves. C'est propre. Hein. Ah, mais surtout, ce qui est incroyable, c'est comment mettre un aimant, une anti-strat, cette anti-strat, ce fumigène. On avait. Un match. Non, c'est une super, c'est vraiment un super, super strat. Côté Wolves dans la préparation de ce six entre les nouvelles cartes à jouer et puis la palette stratégique qu'ils sont capables d'avoir sur les autres cartes, c'est vraiment très satisfaisant. Ouais, cette attaque me faisait presque repenser à ce qu'on faisait à l'époque avec les Tempra, avec justement un P4, un Shinka qui viennent de cette école-là.
on avait la capacité à s'insérer sur ce bon petit au top avec la Amaru. Je vous disais la justesse stratégique des Français qui payent dès le deuxième round pour recoller au score. Ils semblent bien dans leur match. Alors on va pas tirer des conclusions trop rapides évidemment. De toute façon, tu bats les WCTM, t'es gonflé à bloc. Hein. Derrière, oui. Je vais te dire, tu bats les doubles champions de Major en titre. Donc, t'es forcément requinqué. Ça donne de la confiance aussi, hein, justement. Les Wolves qui parfois doutaient un petit peu de leur niveau. On avait vu hein, certains joueurs dire après les rencontres, on ne sait plus attaquer. Et bah, face au WCTM, ils ont clairement su comment attaquer. Et là, ils nous le montrent. C'est une équipe remarquable. Si t'as pas le son et que t'as pas entendu la Amaru, bah t'es perdu. Au pire, tu pré-shoot dans la smoke, mais c'est ok. Et j'ai vraiment cru qu'il allait pré-shoot dans la smoke au moment où il fait son premier swing. Hein. Mais c'est dire à quel point il était paumé pour ne pas le faire, quoi. J'ai vraiment cru qu'il allait pré-shoot, mais bon, voilà. C'est surtout qu'il savait pas que la Amaru était dans la smoke juste après la plante. Genre, le smoke ne pré-shoot même pas. On vient de, je viens de dire la même chose. Je suis tout à fait d'accord. Cette première partie de la phase d'action. On va passer à la deuxième. Hein. Il reste 1 minute 30 désormais. Et on cherche des informations du côté des Wolves. On progresse tranquillement du côté de Mowgli. On fait ça intelligemment. Pas d'insertion hasardeuse. On envoie d'abord le drone. C'est du classique, mais c'est ce qu'il faut faire. Et on va essayer maintenant de progresser. Alors attention toujours à Envy qui est en situation hein, de pouvoir aller chercher les adversaires, les contourner, ou Bibou qui va perdre un peu de dégâts, mais ça annonce une exécution qui peut être intéressante du côté des Français. Alors, il va je connaissais même pas cette petite ligne de merde. Ouais. Incroyable ça. À un moment donné pour les Français, tu vois, t'as l'ouverture de la trappe, on l'a vu, Shinka qui essaye de progresser, on a P4 en... Yo, Xibibu, salut tout le monde. Peut-être pour aller jouer les troubles faites au moment de l'exécution qui se profile. Mowgli qui envoie tout son stuff pour aller faire reculer la position de Rexen. On va s'insérer, on va pousser du côté de Mowgli. Attention à ce retour dans le là, c'est fini là du coup. Du côté de Wolf. On va prendre un premier joueur, mais la bonne rebelle de la part de Shinka. P4 qui va tomber de son côté, ça s'effondre un petit peu de toutes parts. Il ne reste plus. Yo Gilgamesh. Face à trois adversaires, les Sonics ont eu du répondant. Mais attention, Shinka en situation de 1v2. Est capable de le faire, même si ça va être très compliqué. Enfin, c'est fini, le match contre Sonics. Ouais, en lower bracket. Ok. Au contact, qui va récupérer Shinka. Il n'y aura pas de clutch. L'accélération qui a été stoppée net. Ouais, c'est dommage du côté de B, même s'il y a eu revenge derrière. Wolves contre Coton. On a signé un sur consulat. Ouais, peut-être utilisé pour aller chercher ce top. Pourquoi pas, on l'avait vu utilisé en point de fixation. Pas sûr qu'on ait une grosse. Ils joueront contre Bliss ou Fury. On semble s'orienter vers le. Bon, ça va pour le coup. On peut encore les voir. Quelques temps. Bon IQ, enfin pas mal utilisé l'IQ. Hein. En tout cas sur ce match. Les Wolves sont disqualifiés du fixe. Non, ils sont en lower bracket. Ils tombent dans l'arbre. L'arbre du bas. L'arbre de la. Il y a plus de seconde chance quoi. Enfin l'arbre de la deuxième chance pour le coup. Ils se trouvent sur cette position, P4 qui va aller envoyer les Ruskawan pour s'assurer qu'il n'y ait de jouer deux matchs la même journée, putain 2 BO3 contre à de ce niveau là, c'est chaud quand même. C'est Deadshot qui va se faire récupérer par contre par Rixer. Impeccable, attention, attention Bibou qui est au contact, pas se faire récupérer. C'est duel mais Bibou qui va faire tomber Grixer finalement. Alors que Mowgli signe un double kill, il faut donner un petit peu de soutien là. Bibou qui se retrouve dans des situations compliquées. On a Mowgli en plus de ça qui est extrêmement low HP. Shinka qui s'est inséré, c'est peut-être à lui d'aller faire la différence. On décide de ressortir. What? Attends, tu peux jumper de cette fenêtre? Attends, il est. C'est quelle fenêtre? Ça qui est la fenêtre HP, connecteur, tu peux en jumper? What? Je savais même pas. Enfin la différence, on décide de ressortir et de réorienter pour les Wolves. Ouais, c'est très tu fais, tu c'est prends des dégâts ou pas hein. On décide de ressortir. Mowgli en plus de ça qui est extrêmement low HP, Shinka qui s'est inséré, c'est peut-être à lui d'aller faire la différence. On décide de ressortir et de réorienter un peu, pour ouais. Les Wolves. Ah non, ouais, c'est le très bien joué, cette réorientation. Qui baisse. On reste un pulse du côté d'Ambi, on pourrait avoir les positions des adversaires. Ah, je savais pas du tout qu'on pouvait jumper à la fenêtre connecteur. C'est marrant ça. On en profite pour planter, on a pris le chemin le plus rapide et le plus sécurisé possible. Maintenant, faut pas se louper, il faut avoir la bonne idée, les bonnes couvertures. Shinka qui est en train de planter. Et on va avoir la couverture de Mowgli. Et c'est parfait, c'est planté, très bien géré.
Et là, même si côté ambi, on utilise le capteur cardiaque, on pourra prendre que des informations. On peut ping, mais on peut pas faire plus. Attention à Citizen tout de même, qui va réussir à éliminer Mowgli de son côté. Et on a toujours un Bibou prêt à surprendre les adversaires avec son blitz. C'est compliqué. Sashinka dans réussir au moins d'en prendre un. Oh, le timing. Sashinka qui va sombrer. Allez, Bibou sur la verticalité peut-être. Et il est mal positionné. Il va tenter le travers, Bibou. Allez. Et le travers qui ne passe pas, on ne trouvera pas la tête. Ambi qui va pouvoir tenir et aller jusqu'au bout. C'est trop tard pour la descente de la part de Bibou. Ah, quel dommage. Il y avait de l'idée hein, dans la réorientation. Mais malheureusement, ça. Les Sonics, l'image et le son qui étaient lucides. Au-dessus, hein, parce que les Sonics. Des Français que, qui ont déjoué que les Sonics qui ont merveilleusement bien joué. S'il rejoue W7M dans le lower, allez, ça va être sympa. Encore deux attaques à aller chercher. On parlait d'un Dambi avec. Ouais, IQ. Bon, Grim, ok. Mais IQ. Dont il faudra également. Merci Roche Matat d'être abonné sur point d'exclamation YT, un bon spoiler. Du côté de Deadshot. Alors qu'on surveille. Et on va pouvoir peut-être aller chercher d'autres informations. Pour le moment, on s'impatiente. Shinka qui est venu se repositionner. En tout cas, on change totalement de stratégie côté Wolves. Ultra joué avec Q, bah ouais, tu m'étonnes. Cette fois-ci pour un contrôle de la carte. On pensait qu'on allait partir plutôt au niveau de l'admin. Et finalement, on est peut-être en train d'essayer de pousser pour la meeting. Ouais, avec un P4 qui s'insère en dessous, accompagné de Deadshot. Et il faut sortir Ambi. Ambi, c'est un peu le joueur en forme qui a participé au retake. Non, on décide de l'éviter pour l'instant. De le contourner du moins. Attention à Citizen qui est bien positionné. Citizen qui n'arrive pas à ajuster. On s'en sort bien. Et on est en train d'accélérer. Là, le C4 qui va partir. Il ne faut pas se jeter. Mowgli peut-être pour aller récupérer dans le dos. Et c'est Ambi encore lui qui va aller signer un double kill. On se débarrasse de Bibou, on se débarrasse de P4. Allez, ça part peut-être de là avec Deadshot qui ramène la situation. Pas encore totalement à l'équilibre. Il y a un Mowgli également en infiltration de son côté. Mais on a perdu la main sur ce round pour les Français. Shinka qui est encore relativement loin. IQ est si forte. Tout à faire pour les pareil, elle n'est pas forte à proprement parler. Elle est forte dans la logique d'avoir des mecs qui ont travaillé le positionnement de gadgets au millimètre. Des C4 préplacés, des caméras de Valkyrie qui sont très strong, des Fenrir qui sont très strong. Elle capte les lésions ou plus. Je ne sais plus parce que ça avait changé à un moment. C'est à moins d'une erreur Sonic, ça paraît quand même compliqué pour nos Français. Qui sont éloignés pour le moment les donc une fois de plus IQ est très bonne à ce niveau de jeu, ce qui n'est pas forcément le cas à tous les niveaux de jeu. On pouvait pas les gérer et ça permet de revenir sur une situation de 4 contre 2 en faveur des Nord-Américains, bien parti pour aller remporter. Je trouve ça bizarre que Bolt batte W7M mais sont au même niveau dans le lower bracket. J'ai pas vu le bracket pour le coup. Tente de pousser sur cette dernière mais on est bien replié, bien replacé pour les Sonics. Est-ce qu'on peut réussir à isoler une position? Ouais, c'est compliqué, on a de la présence sur cette meeting. Un crossfire qui est établi et si Deadshot s'insère pour aller jouer le joueur à droite, il y aura celui à gauche. Et Deadshot qui arrive à trigger un premier mouvement qui malheureusement n'aura pas le timing. Shinka qui se retrouve totalement coincé dans un FNAT tout seul maintenant face à 4 adversaires. Il ne récupérera pas un Geometrix qui vient le terminer à la secondaire. 4 pour les Sonics, 1 pour les Wolves juste après la pause tactique. Une nouvelle... Ça joue bien, putain la vache. Solide. Les Wolves, et ben là les Nord-Américains toujours de manière très très agressive au moment où on a voulu les Sonics. Après, pas de panique non plus, hein, ça reste que la défense. G2 ont perdu contre FaZe. Non, ils ont gagné, non? Non, j'ai pas vu. Finalement, comment ça se passe quand un joueur est en 0-5 par exemple, comme P4, ça proprement parler de sa faute, la défaite, ou c'est pas un rapport. Sérieux et cadenassé côté Sonics qui laisse peu de place à l'erreur. C'est Rainbow Six. Alors que du côté des Français, c'est Rainbow Six. Un Thatcher du côté de P4, on va se faciliter les ouvertures. De la Ibana c'est compliqué. Et de Ace. Donc, hâte de voir ce que ça pourrait donner. C'est impossible que c'est un peu. Je sais pas, là-dessus, c'est un peu comme des échecs. Hein. C'est pas parce que la reine s'est sacrifiée que derrière, il n'y avait pas une stratégie. Par rapport à tout à l'heure, en sachant qu'on est sur le BP sur deux niveaux. Plus. Attention à la verticalité. Attention à la verticalité qui est tenue. On va tenter de s'insérer pour Deadshot et Citizen. Ah, n'aura pas eu le timing ni la visibilité. Pour récupérer le Suisse. Attention à ces jeux par au-dessus. Yo Flicus, prenez ça sur Discord, les amis, si vous avez le genre de questions. Ça pourrait être extrêmement dangereux. Et Mowgli qui va en payer un petit peu là, les frais. Mowgli. Prendre quelques dégâts. Position qui s'est bien travaillé. Que la moindre... Pas en grande confiance. Hein. On sait que P4, c'est quelqu'un aussi qui marche beaucoup à la confiance.
Bah j'avoue 0-5 ça fait quand même chier quoi, quand t'arrives pas à mettre 4. Un ou deux kills, tu vois, réouvrir le compteur, te redonner un peu de confiance, ouais, bon ça impacte mentalement, hein, ça c'est sûr. Une fois de plus on va parler de ce capteur. Après, très intéressant, hein, sur ce VP, ça impacte pas tout le monde. Vraiment de contrôler un maximum les insertions. Visiblement, sur le top. Moi je le connais pas comme joueur donc. Alors que pas de headshot, forcément on est en train de perdre un peu de temps, on essaye de... Visiblement, eux le connaissent et disent que ça a l'impact. Moi, ça me ferait chier, en tout cas. Personnellement, si ça m'arrivait, ça me ferait chier. Ça m'impacterait, en tout cas. Côté Wolves, on essaye de trouver la solution. Et la solution, ce sera tout simplement, on est en train de le voir, de passer le bureau des visas. Et Mowgli qui a réussi à s'insérer. Mais attention, parce que le temps est en train de défiler. Oh, on va passer par la trappe, c'est intéressant. Ouh, ça va aller très très vite, mais Geometrix veillé au grain va pouvoir éliminer Mowgli. Ah, et là, on est un peu enfermé. Du coup, même si Deadshot arrivera à éliminer Rexen, Deadshot qui va finir également par s'effondrer. Il ne reste plus que P4. Et ben, il ne reste plus que Bibou désormais. Seul face à ses trois adversaires, puisqu'il prend le kill sur Geometrix. Bibou qui tue P4 en plus, le pauvre. C'est peut-être le moment d'essayer de capitaliser, hein, sur le fait que les Sonics n'ont pas encore eu le temps de bien se repositionner. Et pourquoi pas tenter la plante, intéressant. On a perdu le pulse en plus côté Sonics. Et on a l'information et on va pouvoir éliminer Bibou. Dommage, il y avait de l'idée dans l'attaque côté Wolves, mais on s'est trop vite enfermé dans le coin. On était inquiétés qu'il y avait un plus qui va être la défense. J'avoue, ils sont un peu méconnaissables là. C'est intéressant qu'on va pouvoir jouer la verticalité. Alors après, comme toujours, il faut faire attention, il ne faut pas laisser le buck seul. Il va falloir qu'il soit accompagné, hein, pour éviter les roamers. Alors qu'on a récupéré des drones du côté de Deadshot, qu'on est venu positionner pour empêcher l'insertion, assez classique. On se méfie des... Il y a encore du silencieux, hein. Des sorties côté, du côté des Wolves pour Geometrix avec le placement des claymores. Il y a encore du silencieux utilisé. En tout cas, on voit déjà l'attaque en train de se structurer, on est déjà en train de droner. Ce qu'on disait, la différence aussi entre... Les Après, Sonics, ils ont joué aussi avant ou pas? Ils jouent beaucoup plus ensemble. Ah bah non! Bah non, 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 ils étaient déjà en train d'attendre au final les WCTM, donc ils ont eu le temps de les attendre, etc. Après, il y a deux écoles, hein. D'un autre côté, les Sonics n'ont pas forcément pu se chauffer, machin... Les barrages pour aller faire la différence, un petit peu. Par contre, face à Humby, il y a beaucoup de... En grande réussite... Sur cette rencontre. Ça, disons qu'il y a autant de possibilités d'explications que de possibilités d'excuses. Qui se retrouve un peu isolé. Attention, donc après, à savoir qui est quoi et quoi. La trappe et... Ah, oh, le timing. Ah ouais, terrible. Qui monte sur le meuble au moment où Citizen vient décaler en face. Et c'est bien les Sonics qui reprennent l'avantage. Et attention, Ashinka maintenant au contact qui est totalement repéré. Est-ce qu'on va venir s'avancer sur sa position? On l'a déjà vu, hein, beaucoup d'équipes se casser les dents sur des contacts shotgun au top de cet escalier. On va donc prendre son temps pour les Sonics, faire usage de son stuff qu'il reste, et du stuff on en a, hein. Grenade, flash, également les concussions de la Zofia. Ah, c'est bien géré, hein, côté Sonics, malgré... Ça joue bien Sonics. On ne va pas se précipiter, on attend vraiment les informations, ne pas se faire surprendre, notamment sans parler, hein, du contact shotgun de la part de Shinka. Et on prend bien le temps de faire les choses dans l'ordre du côté des Sonics. Il reste encore 50 secondes. On va pouvoir réenvoyer les drones. Il en reste, c'est possible qu'il y ait du relâchement et tout, hein, mais j'ai pas assez vu les gens, les machins. Je les connais pas assez pour pouvoir faire une analyse psychologique qui ne serait autre qu'une analyse de comptoir. Quoi. Ce move peut faire la différence. Je sais pas. S'il est également isolé, ça peut permettre d'alléger un peu la pression derrière du côté des Français. Alors qu'on est parti côté Geometrix pour aller planter. Alors, normalement, on a un drone, hein, positionné ici. Deadshot est d'ailleurs en train de le regarder. On va pouvoir avoir l'information et on est en train de s'empaler finalement. Tout ça pour ça. Allez, Shinka, faut prendre le prochain. Et non, Shinka qui va s'effondrer. D'où il prend pas le shotgun de Citizen. Mais normalement, on a l'information sur Geometrix. Et ben, Geo arrivera tout de même à éliminer Shinka. Bibou qui va pouvoir éliminer Grixer. Et finalement, Citizen qui limite Bibou. D'où il arrive à mettre ça? Citizen, c'est hyper bien joué, mais d'où il prend pas le coup de shotgun, quoi. Des Français, et on offre maintenant des balles de map. Son premier round. Le niveau de jeu est propre, hein. Je sais pas pourquoi ils y arrivent pas. C'est un round qu'on a de leur côté, tenter des choses, aller reprendre un peu la verticalité par en dessous. C'est des Sonics. C'est manche d'attaque. Du moins, c'est au premier round. Ouais, finalement, c'est là-dessus, hein, qu'on a un peu pêché, hein, du côté des Wolves, c'est sur leurs attaques. Créer une autre dynamique. Sur les duels quand même côté Wolves entre celui de Mowgli
et celui de P4 hein, ouais, au top vrai. De l'escalier, ça fait clairement la différence. Allez, on a repéré d'ailleurs le piège qu'on va pouvoir et directement détruire. Et le drone donc, qui peut continuer de circuler. Bibou de son côté, lui, qui perd pas mal de points de vie. Alors qu'on a utilisé une UEM pour pouvoir ouvrir, on va devoir reculer. Alors pourquoi il n'a pas ouvert? Ah non, il n'a pas dû l'activer. Et ben voilà, ce sera une impact trop facile du côté de Bibou. Géo qui a déjà perdu une exothermique. Et qui va poser la deuxième. Ouais, on va tenter l'ouverture. Citizen qui est de l'autre côté en contrôle, en loup solitaire. Ouais, Gio, il sait que c'est compliqué parce que bah, forcément, il y a de l'impact en face et ce serait la même sanction de tenter l'ouverture. Donc plutôt que d'aller jouer avec le feu, on va proposer autre chose. Ça, c'est intéressant pour les Sonics, la réadaptation en plein milieu du round. Nombi qui arrive à passer entre les mailles du filet. Ça y est, on va enfin le faire tomber. Fait du bien ce kill de la part de Deadshot. On était venu le jouer à 2, peut-être ce qu'il fallait au Vols. Allez, P4 qui va chercher un deuxième kill, qui rentre dans sa rencontre en se débarrassant de Rexen et laissant les Sonics en situation de 3v5. On va peut-être mettre son premier round de défense pour les Vols. Il faut conclure. Ouais, il faut aller au bout là du côté des Français. De toute manière, on n'a pas le choix hein, si on s'écarte perdu. Alors qu'on continue de prendre de l'information hein, du côté de Citizen et de Grixer. Pour essayer d'aller chercher un des joueurs Wolves qui, eux, doivent rester disciplinés, d'avoir la même discipline qu'ont proposé les Sonics tout à l'heure. Et voilà, Deadshot qui va pouvoir éliminer Géo. Il reste Grixer de son côté. Et tente le travers, mais il ne donnera rien, on n'a pas l'information. On l'a peut-être un peu plus ici, et on ne va pas s'en sortir. Cette fois-ci, pas de réussite du côté de Grixer. Deadshot qui s'en sort bien, Deadshot qui est toujours en vie. Et qui va finir en vie. Non, il va être fini enfin par du côté de Citizen. Putain, il a bien fait perdre du côté des du temps quand même, hein. Incroyable. On est en train de serrer la vis hein, sur BP. On est en avec des bonnes zones. Mais attention parce que Grixer, il arrive à mener P4. Les trois derniers défenseurs sont en bas. On a les informations en plus sur eux. D'où il prend ça Mowgli, qui va bien s'en sortir, qui a perdu quelques points de vie. Obligé de se repositionner. D'où il prend ça? C'est bon, il a trouvé le drone, il l'a détruit. Et on va tenter le tout pour le tout dans ces 10 dernières secondes, chacun de son côté. Grixer dans l'escalier collimation, Citizen depuis l'escalier jaune. Allez, et non, ça patiente, on n'aura pas la place. Grixer qui va éliminer Mowgli, mais on ne pourra rien faire. Bibou et Shinka pour terminer. Une balle de map de sauver. Hein. Les Wolves ont réussi. C'était entre guillemets fait balle reprise. Ça va de Delco Torres. Il va falloir être solide une fois de plus. Alors que Citizen, lui, va jouer la nomade de son côté. Qui peut être intéressante hein, sur ce consulat, on sait. Alors attention, peut-être... Non, on va pas tant aller plus loin du côté de Grixer. J'espère qu'on a entendu la clé mort hein, du côté de Deadshot. Putain, j'ai cru que c'était un C4 qui montait. Hein. Imagine Wolf gagne. Hein. Ah, je connais le résultat. Alors ça commence à envoyer le... Bah, ils peuvent gagner le 6 Invitational. Autour de l'administration pour c'est toujours pour possible. Qui va aller se placer sur le balcon. Ils se sont pas forcément donné les meilleurs. Ouais. Hein. Ils ont choisi the hard way. Intéressante. Mais c'est toujours faisable. Première pause. Pas de quoi réellement inquiéter les Français dans leur défense alors qu'on s'insère. Ça y est. La sélection en l'occurrence par MB. Et le Ace, les premières ouvertures qui vont être réalisées. On dit encore que j'ai coché. Hein, ah, mais c'était un. C'est du clickbait, poulet. C'est du putaclic. Il faudra aller chercher avec. Mais on a analysé une vidéo qui en parlait. Probablement avec le stuff de la Sophia, ces explosifs. Enfin, on a react à une vidéo que je mettrai sur point d'exclamation Y. Alors qu'on patiente hein, pour le moment. Du côté de. De Bibou Inmou. Quels seraient pour le moment du côté de Grixer. Ça va être aux Sonics hein, d'aller déployer le jeu. Et P4 hein, qui très agressif là en tout cas, qui va faire comprendre vous ne passerez pas là entre la caméra et le volcano. Ça va être mission impossible hein, du côté des Sonics si on n'arrive pas à amener un peu de stuff pour aller détruire tous ces gadgets. Et puis regardez, on a encore Bibou hein, derrière son shield qui a une position extrêmement solide. On a beaucoup de problématiques à devoir gérer du côté des Sonics et j'ai bien peur qu'on ait... Merci monsieur le proviseur, t'inquiète, ça fera un sub. Ça va pousser. Dépêche-toi, on t'attend. C'est 45 dernières secondes, MB attend une ouverture. On a Citizen qui, une nouvelle fois, traîne en loup solitaire comme il aime le faire. Bibou peut jouer un rôle intéressant alors qu'on est en train d'opérer une rotation là pour une partie des joueurs. C'est pas la bonne. Petit raté pour Grixer.
Si vous voulez probablement ouvrir ce mur en escalator, on va être très très late là pour les Sonics, honnêtement. Ouais, j'ai un peu peur de ce qu'on propose. Il y a une grosse rotation qui va être réalisée parce qu'on essaye de pas passer outre ce setup défensif. Il va falloir ne pas se faire surprendre pour les Français, mais voilà, les flammes de l'enfer qui protègent la position de Deadshot. Attention, la flash qui va partir, mais qui n'est pas bonne sur la position de Deadshot. Et ça s'effondre de l'autre côté. C'est impeccable pour les Wolves. Il n'y aura rien à se mettre sous la dent. Si ce n'est Citizen qui en prendra un, Rixen également, mais qui se retrouve seul dans un FNAT en 1 versus 3. Plus le temps de le faire. Des Wolves. Deuxième balle de map. Totalement impossible de faire découper. Ils se sont dit, bon, bah, la défense, on bien près de balles de cartes. Et Shinka qui va se débarrasser d'une caméra blindée qui avait été retournée par les clutch de drone de Grixer et Sabrava. Grixer qui va retenter de se faufiler sur la carte. Un joueur en particulier niveau aim qui se démarque vraiment. Je sais pas, on s'en fout du aim. Et Rambi qui est inséré, attention. C'est Rainbow Six. Ce jeune joueur. Ça fait pas mal de différence à la défense. C'est pas le aim qui fait les bons joueurs. Ses premières attaques. Et c'est encore moins le aim qui fait les bonnes équipes. Ouais, il a un bug qui peut, même sans prendre de kill, mettre la pression sur BP via la verticalité. En plus, il va pouvoir essayer de mettre un peu de pression. Pour le moment, c'est bien géré. Hein. Encore une fois, du côté des Français, beau jeu à deux à part de Bibou et de Mowgli. Bibou toujours derrière le soda. Bibou. Avec un Mowgli qui va servir un peu de bait. C'est ça l'objectif. C'est lui qui casse les drones pour qu'on oublie totalement la position de Bibou. What the fuck? Alors que Ambi va lui remonter par l'escacolimaçon. Alors attention à Mowgli, hein. Même dans ce bait, à ne pas se faire surprendre. Non, finalement, on se rétracte pour le moment du côté du Buck. Alors qu'on continue le piratage. Cette fois-ci, c'est un FNAT qui va sombrer. Qui va passer à l'ennemi. Alors que Ambi arrive à éliminer Shinka. Allez, avantage pour les Sonics dans ce dixième round. Bibou qui a une position intéressante, qui pourrait aller créer la surprise. Mowgli pour agresser. On va essayer de se débarrasser de Humby qui, tu le disais... C'est beau quand t'es concentré proviseur, pareil. Les Français avec son bug. Bon, je suis de prendre ça. Mowgli pour se débarrasser de Rixen. Il fait du bien, celui-ci il relâche un petit peu la pression qui était en train de s'installer sur le setup des Français. Gio qui n'arrivera pas à décrocher son adversaire malgré la formation qu'on a. Gio qui va aller récupérer la position de Bibou en soda. Et n'oubliez pas de faire pour l'exclamation spec, les amis. De Mowgli, c'est un petit peu en train de s'effondrer là sur la verticalité pour aller ça a pu s'infiltrer. Gio qui est en train de planter des amorceurs, il ne reste plus que P4 tout seul face à 4 adversaires. Il va aller récupérer Citizen, on a la verticalité pour P4, malheureusement on ne peut pas vraiment les pointer la tête de P4. Peut-être pour les points, peut-être sur Geometrix, c'est maintenant 1v1 face à Grixer. Fio, on vient de coller une dinguerie pour P4, il lui reste 30 secondes. Alors qu'il n'était pas du tout dedans. Quelle dinguerie qu'il a collé, mais maintenant il va falloir finir. Et là ça va être un peu compliqué, il est loin, mais il lui reste 28 secondes. Alors qu'on a repris la verticalité du côté de Grixer, on l'a joué intelligemment. Alors après, est-ce qu'il a la information directe sur le désamorceur? Non, il va être obligé de drop. Ah oui, il va falloir le faire. Oh, dommage, on a lâché du côté de P4, on était obligé. Et il faut aller le chercher, P4, il n'a pas le choix, il faut aller le chercher. On a plus le temps. Et maintenant, ce sera trop tard. S'il lâche la plante, c'est terminé. Ah, dommage, on aurait pu voir un exploit de la part de P4, il n'en sera rien. Après, ça vient aussi récompenser la... Pourquoi il a mis Tellol, ce fils de pute, là? C'est un beau jeu, concrètement, collectif, il n'y a rien à dire, ils méritaient leur victoire sur cette première carte. Ouais, on a eu un semblant d'espoir avec ce clutch, j'aurais pu, honnêtement... Ah, ça va tout à fait avec la mine des casters, la musique. On a un petit peu trop payé ces attaques, Fio, ouais. Et entre les attaques qui ne passent pas et le premier round de défense que tu dois absolument pas perdre, s'il y en a un... Ça veut dire quoi, Tellol? Ça veut dire paye des subs. C'est lui, tu contre-coups, c'est... Sur le piano. Et pour les Français, pour ne pas. Bien adapté aussi hein, du côté des. Je vais regarder la fin. Déjà, les premiers panneaux UTP1 qui sont en train de. Ah, mais ça va vite en fait. Récupérer. Donc il va falloir être absolument parfait mentalement. Ah, j'avais pas vu ça, putain la vache. Ça fait quoi 6-2, 6-2 On les a vus parfaitement jouer ensemble. Et bien maintenant, à eux d'écrire l'histoire. Enfin. Clairement, c'est une histoire. Déjà pardon, ça me permet de me réveiller et de vous réveiller aussi parce que je vous sens endormi. Vous parlez pas en plus. La prochaine victoire qui les attendra pour Vision. Et les Sonics n'en sont plus qu'à. Tu vas regarder SSG versus Dark Zero. Prends un sub. Et je vais aller s'offrir. On est parti. Bon, je vais regarder le dernier round. Oh là là. Ouais.
elle est peut-être en train d'arriver, cette situation. Et je veux le commentary. Au moment, ce sera une composition d'équipe qui commence à s'adapter un petit peu, peut-être trop tardivement. On le voit, hein, ce bug qui passera aux mains de Bibou cette fois-ci. Je peux pas me sub un mois en avance. Avec une rame, si tu c'est peux. Le drone buggy qui sera là pour gérer de la verticalité, pourquoi pas récupérer du soft bridge. Dommage. Et en plus de ça, eh bien, on va jouer sur une hache SKC de Deadshot. Rexel qui tape la confiance, on décide de faire un gros Oh la vache, la préparation et tout. Les stats de Deadshot 0-7. Ah ouais, bah, il était moins dedans. Hein. Nini, ça ne passera pas pour le moment. Mais t'as vu tout à l'heure, P4 n'était pas dedans, pourtant derrière en 3 secondes. Et repartir au niveau de la boulangerie, mais ça donnera quelques petites informations supplémentaires. Alors je sais pas si c'est toujours une règle dans le rulebook, mais dans le timing où il est sorti, deux au secondes, moment. Ouais. À 2.58, normalement t'as pas le droit de prendre un kill. Ouais. Hein, donc, Et il me semble que t'as pas le droit de prendre un kill Après, sur une personne c'est qui bouge TV pas. Perdu, je crois, hein, que du coup cette règle elle se met en marche. Je t'avoue que je sais pas, mais en tout cas, dans les règles, il est interdit. Enfin, dans les règles de l'époque, il était interdit de prendre un kill dans les deux premières secondes de la manche. Mais ça a été. Normalement, ça avait été géré par Ubisoft pour qu'on ait plus de kills possibles à 2 secondes dans la manche, justement. Je crois qu'il en reste un sur café, en montant sur le piano, un truc où t'as une ligne directe sur le spawn au-dessus d'un toit, mais bon. Bonne ligne en 4, ça. Ouais, je l'ai pris une fois. Ça fait mal que ça soit dommage, chaque fois il y a un membre qui ne passe pas de kill. Bah, attendez, les gars, P4 il a fait des kills après, non? Et on joue au jeu du côté des loups, puisqu'on a le contrôle vertical, on le voit, en 1 minute 15, on est allé. Faut pas forcément voir ce genre de truc là. Cette cheminée. Quand une équipe elle gagne, elle gagne ensemble. Qui descend au niveau de quand elle perd, elle perd ensemble. Pas forcément une individualité qui fait que. Ils ont perdu, je regarde à droite, il y en a un, il a 0 kill et il vient de se faire enculer. Bon, bah le problème c'est Deadshot. Bon, c'est un peu de l'analyse de comptoir, quoi, je trouve. Malheureusement, hein, sur une map qui lui aussi est guerre, on le voit, 0-8, c'est malheureusement la cata. On va essayer d'aller chercher justement les flashs. Maintenant, quelques avantages. Grixer qui prendra quand même de lourds dégâts. Malheureusement, cette verticalité, on n'arrive pas à la tenir. Non, c'est fini. Allez, triple élimination de Grixer. 5 versus 2, une petite minute restant. Et on voit OMG, effectivement, on passe à côté. 4 versus 2. Malheureusement, mentalement, là, on n'y est plus pour les loups. Et on avance. D'autant plus que le petit banter dans le chat qui va très certainement finir d'achever. La composition avec 4v2, on va essayer d'y croire jusqu'au bout, 45 petites secondes maintenant, P4 est déjà bien entamé, et on va essayer de passer au forceps hein, au niveau de cette double ligne, mais ça ne passera pas, cette fois Citizen avec l'avantage, P4, on lui sait ses grandes heures aussi, mais là, la situation malheureusement semble être assez désespérée, il faut le dire, Sonic 6, Wolves 2, on va peut-être finir là-dessus, allez, sur une décalque peut-être, hein, littéralement, un PV pour P4, voilà, chose faite, au shorty, ils sont allés les chercher jusqu'au bout, Sonic se restera invaincu, mesdames et messieurs, dans ce upper braquette, et bien les pas une seule d'ailleurs, ouais, c'est vrai que on a une équipe qui est extrêmement en forme, les nord-américains qui Sonic ta mère, Sonic appliqué, un Sonic discipliné, un Sonic qui est en 10-0 en termes de map sur ce Six Invitational. Très, très c'est la seule équipe qui n'a pas perdu une carte depuis le début de la compétition. Les G2 on n'avait pas perdu, mais ils en ont perdu une contre FaZe à l'instant, donc GG au Sonic, hein, faut savoir s'avouer vaincu aussi quand le vainqueur mais une petite fessée, hein, on va pas se mentir. Maintenant, on va voir ce que les ils sont bons là. Clairement, à vous messieurs. Merci Léo, merci Nicolas pour ces petits débriefs. All right. Après la défaite de nos Français, Fufu, c'est cette coupe de Frenchie. J'ai hâte de la voir à l'Hexagone aussi, bien. All right, ladies and gentlemen, justement, l'Hexagone, le voilà pour l'exclamation spec. Vous avez intérêt à venir, ok? Autrement, c'est simple, je vous encule. Hein, journée à Fortnite, hein, qu'est-ce que tu racontes toi? Arrête l'alcool frérot. Sonic, je l'ai pensé pas si fort avec le début du tournoi. Écoute, que veux-tu que je sais pas, je les ai pas vus. Après la poule, elle était pas non plus exceptionnelle. Peut-être que Wolves était pas dans le match. À voir, hein. À voir. Hein. Il y a trop d'éléments. Quand il y a 10 joueurs, 2 coachs, sur un jeu comme Rainbow Six, il y a beaucoup trop d'éléments pour pouvoir tirer des plans sur la comète et faire des analyses poussées alors qu'on n'a pas justement tous les tenants et les aboutissants, quoi.
Il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir tellement de trucs, en fait. En vrai, seules les personnes qui sont dans l'équipe peuvent avoir peut-être une idée ou un début d'idée de qu'est-ce qui a pu merder, quoi. Mais nous, avec une vision extérieure, bon, c'est compliqué. Hein. Voilà. Les gars, c'est vrai, chez Quick Shit. Mais ouais, mais regarde la vidéo, point d'exclamation YT. Mais non, c'est fini, ça. Mais c'était du clickbait, frérot. On a fait un react sur la vidéo. Bon, bref, je me casse. Alright, c'est pour ça que l'invité à channel, c'est intéressant, il y a beaucoup de variables. Absolument. G2 en loser bracket. Quoi? Comment ça, G2 en loser bracket? Ils ont perdu contre FaZe? Non. G2 a perdu contre FaZe, là? C'est une dague? Ouais, du même côté que Wolves. Ah putain, la vache!